Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette matinée de réflexion collective sur la place du citoyen et de la société civile dans la décision publique, colloque qui s'inscrit dans le cadre de la révision constitutionnelle en cours, colloque co-organisé par le Conseil économique, social et environnemental, Sinopia et Décider Ensemble. Moi, je suis Luc Picot, directeur de Décider Ensemble. Donc j'ai le plaisir de simplement lancer la conférence. Trois tables rondes, nous finirons à 12h45. Il n'est pas prévu de pause très longue, donc si vous voulez, entre les intersessions, entre les tables rondes, si vous voulez aller, vous pourrez partir par cette petite porte. Et puis nous avons donc trois tables rondes qui questionnent le pourquoi institutionnaliser la participation, comment et à quoi ça sert. Donc trois tables rondes que je résume à très grands traits, mais qui approfondiront largement plus ces sujets. J'ai le plaisir, Patrick Bernasconi, qui est président du Conseil économique, social et environnemental, qui nous a fait l'honneur de dire banco pour organiser ce colloque et de nous dire faites-le ici, dans cet hémicycle, dans ce très très bel hémicycle du Conseil. Et je laisse tout de suite la parole à Patrick Bernasconi pour une introduction. Pour nous donner la vision qu'a le Conseil sur les enjeux de cette révision constitutionnelle et sur comment le CESE va se positionner et quelles sont les suites de transformation, parce que c'est vraiment, je pense qu'on peut dire ce terme-là, de transformation de cette troisième chambre constitutionnelle en future chambre de la société civile qui s'annonce à l'orée de la révision constitutionnelle. Voilà. Donc je cède la parole à M. Patrick Bernasconi, et puis après nous engagerons dans 20 minutes. Donc on a pris un petit quart d'heure de décalage, mais vous savez que dans l'événementiel, on prend toujours des quarts d'heure de décalage. Donc dans 20 minutes, on commencera la première table ronde qui sera animée par Xavier Marchal, qui est ici. Voilà. Je vous remercie. Donc Alexandre Malafaï, qui est donc le président fondateur de Sinopia, fera le mot de conclusion. Comme ça, les trois organisations sont représentées. Merci beaucoup et je laisse la parole à Patrick Bernasconi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Conseil économique, social, environnemental. On m'a demandé peut-être de vous expliquer ce qu'était le Conseil économique, social, environnemental, la place qu'il avait dans les institutions françaises et puis le rôle qu'il jouait à l'heure actuelle et sans doute aussi le rôle qu'il pourrait jouer à la suite de la réforme constitutionnelle. Le Conseil économique, social, environnemental, c'est une vieille idée qui remonte au siècle dernier et même Jacques Chirac, dans une visite dans ses murs, avait été remonté jusqu'à Henri IV. Donc vous voyez que ce n'est pas une notion d'aujourd'hui, c'est une très vieille notion, c'est une très belle idée de démocratie qui est apparu en fait dans la Constitution française en 1948. C'est devenu en fait l'assemblée ou les prémices d'une assemblée de ce qu'on appelle la société civile organisée. Une notion société civile qui remonte à loin. On peut remonter Aristote qui en a commencé à en définir les premiers fondements peut-être, et puis en passant évidemment par Tocqueville et puis par d'autres qui à un moment donné se sont exprimés sur cette notion de société civile qu'il faut toujours bien entendre sur le nom société civile organisée, à savoir organisation, association, ONG non gouvernementale. Ce qui explique en partie évidemment la possible évolution de notre nom de Conseil économique, social, environnemental en chambre de la société civile. Donc elle est apparue donc dans la Constitution en 1948, puis en 1958 elle a été de nouveau. On a eu une nouvelle avancée, ça s'est d'abord appelé Conseil économique, puis après Conseil économique et social. Et une dernière grande évolution a eu lieu en 2008, où en fait on a un peu ouvert les portes de cette maison et ainsi un certain nombre d'associations supplémentaires sont entrées dans cette maison, et en particulier les ONG environnementales, mais pas seulement. On a eu l'entrée des organisations étudiantes, mouvements de jeunesse, et puis une assemblée qui est devenue en 2008 très paritaire.
Aujourd'hui, vous avez 47% de femmes qui siègent dans cette Assemblée. Et quand vous regardez les outils de gouvernance de l'Assemblée, on a la stricte parité. Et si vous regardez les commissions, qui sont les outils de travail de cette Assemblée, il y a 12 commissions. Sur les 12 commissions, 8 sont présidées par des femmes. Donc vous voyez que la parité n'est pas ici un vain mot. C'est une réalité que l'on vit au quotidien et c'est une très bonne chose. Donc voilà, c'est une Assemblée qui a beaucoup évolué, dans laquelle on retrouve aujourd'hui 80 organisations représentées par 233 conseillers. 80 organisations, je le disais, dans un panel très large. On va des organisations dites patronales, vous en connaissez un grand nombre, que ce soit le MEDEF, CPME, mais aussi les artisans, mais aussi les professions libérales, mais aussi l'économie sociale et solidaire, les agriculteurs, voilà, beaucoup d'organisations patronales sont ici présentes, les chambres de commerce, la chambre des métiers, mais aussi toutes les organisations syndicales, qu'elles soient représentatives ou non représentatives. Et enfin, toute la galaxie des associations, avec par exemple le mouvement associatif qui regroupe plusieurs centaines de milliers d'associations, les ONG environnementales, mais aussi les familles, je disais aussi les jeunes, mouvements de jeunesse, et bien d'autres associations comme la Croix-Rouge ou ATD Carmonde qui sont présentes bien sûr dans ces murs. Donc vous voyez, c'est une représentation de la société civile française organisée, très large, dans laquelle, à travers nos adhérents, en fait, on a plusieurs dizaines de millions de Français qui sont représentés dans ces murs. C'est une assemblée, évidemment, constitutionnelle, c'est la troisième chambre, et elle a une vocation, cette assemblée, c'est d'apporter un éclairage, la position de la société civile organisée, des corps intermédiaires, sur tout projet de réforme. On a l'habitude de dire ici, lorsque l'on traite d'un sujet, d'un projet de réforme, on a le niveau d'acceptabilité sociale de ce projet. On a sur son écran radar, en fait, la position des différents groupes, lorsqu'ils votent favorablement ou pas sur un projet, l'expression des dissensus. Donc pour le législateur, par la suite, ou pour le ministre qui est en charge d'une réforme, pour lui c'est assez confortable de pouvoir mesurer à ce moment-là, sur cet écran radar, la position des uns et des autres, et pour pouvoir avancer par la suite sur une thématique donnée. Donc voilà pour ce qui est du CESE dans sa composition, ses missions et peut-être son origine. La mandature actuelle qui a démarré fin 2015, début 2016, en fait, a vu le jour dans l'idée de porter un projet collectif. Alors, pourquoi ce projet collectif? Dans la dernière mandature, évidemment, beaucoup se sont interrogés sur les critiques qui allaient sur ces corps intermédiaires, sur cette représentation des corps intermédiaires. Donc, on s'est posé collectivement la question de oui ou non, faut-il garder une institution comme celle du Conseil économique, social et environnemental. La réponse, elle est venue tout à fait naturellement. Elle est venue dans le sens où il fallait la garder, puisque c'est la seule institution, c'est le seul endroit où les corps intermédiaires se parlent. Il n'y en a pas d'autre. Et où on construit ensemble, dans une position qui n'est pas duale, vu la diversité de cette composition. Et donc, évidemment, la réponse étant favorable, on s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment, pour faire en sorte que cette institution prenne vraiment sa place et joue vraiment son rôle de conseil par rapport au pouvoir public. Pour cela, on a fait un certain nombre de choses dès le début de la mandature. La première des choses qu'on en a cherché à faire, c'était de réinstitutionnaliser un peu plus ce lieu. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude ici de traiter quasiment tous nos sujets sur autosaisine, donc c'est les sujets que l'on choisissait nous-mêmes, d'où une critique d'apparaître un peu auto-centrée, parfois, décalée, parfois, pas suffisamment repris. Le fait de chercher à équilibrer en fait les sujets d'autosaisine et les sujets de saisine gouvernementale, donc les sujets pour lesquels on est saisi par le gouvernement ou par le Parlement, a fait évidemment a produit un changement évidemment très important. On a équilibré dès 2016-2017 les deux plateaux de la balance entre les sujets de saisine et d'autosaisine. Et le secrétaire général, qui a pour mission de faire le bilan du suivi de nos préconisations année après année, ce bilan le démontre bien qu'on a eu un progrès très important. Il suffit de regarder, en fait, hein, vous faites deux colonnes. D'un côté, vous mettez les autosaisines et vous regardez le suivi de ces préconisations. De l'autre côté, vous mettez les saisines et vous vous rendez compte immédiatement
que côté autosaisine, en fait, peu de préconisations sont reprises. Pour une évidence, c'est qu'on n'est pas forcément dans le bon tempo. Et de l'autre côté, plus des deux tiers de nos préconisations sont reprises dans des textes de loi ou dans des décrets. Cela montre bien que si on sait placer le CESE au bon endroit, sur les bons sujets de discussion, le CESE est repris, est bien repris. Nos reprises ne sont peut-être pas suffisamment visibles, évidemment. Peu de ministres disent que telle idée vient du CESE. En général, ils préfèrent se l'approprier, c'est très bien ainsi. Donc on a parfois un certain déficit médiatique par rapport en fait, aux préconisations que l'on peut sortir. Mais ce changement est en cours et il est très important. Ensuite, on a cherché à répondre à une critique qui a été adressée dans la dernière mandature au CESE sur la pétition pour tous. Vous savez qu'on peut saisir le CESE de façon obligatoire si 500 000 signatures physiques parviennent dans cette maison. Ça a été le cas dans la dernière mandature. Il y a une pétition qui a atteint 700 000 signatures qui est arrivée ici et qu'on n'a pas traitée. C'est le mariage pour tous. Alors évidemment, le sujet n'était sans doute pas simple à traiter. Il y avait des raisons juridiques pour ne pas le faire. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs bien dit. Mais politiquement, ce jour-là, vous tirez un obus dans le pied. Et on a, nous, cherché, dès le début de cette nouvelle mandature, à ne pas reproduire ce type d'erreur. Et donc, avec Dominique Gillier, ici présent, on a travaillé à mettre en place un comité de suivi des différentes pétitions qui tournent sur les différentes plateformes. Alors, vous les connaissez toutes, hein, je ne les citerai pas, qui tournent voilà, et qui permettent de faire émerger un certain nombre de sujets. Ce comité de suivi a identifié un certain nombre de points de préoccupation de la part des citoyens. Premier sujet qu'on a choisi de traiter, c'était les déserts médicaux. Il y avait trois pétitions qui tournaient sur cette thématique. On s'est emparé de la thématique, on l'a traitée comme une pétition, on est allé jusqu'au bout. Ça a été, et je pense qu'on a produit un très bon avis sur cette thématique. Deuxième thématique pour laquelle on était visé par une pétition à hauteur de 400 000 signatures, c'était la fin de vie, sujet de la fin de vie. Alors sujet, là pour le coup, extrêmement compliqué à traiter, évidemment, mais je vous invite à lire la production du CESE sur ce sujet. Tous ceux qui l'ont lu et regardé lui ont porté beaucoup d'intérêt et ont dit que le rapport était d'une grande qualité. Vous avez à ce moment-là une photographie de ce que pense la société civile organisée sur ce sujet. Vous vous rendrez compte qu'évidemment tout le monde ne pense pas la même chose sur ce type de sujet. Le vote n'était pas un vote parfois comme on l'a dans cette assemblée très large. Il y a eu évidemment des oppositions, il y a eu des expressions de dissensus, mais vous avez sur votre écran radar ce que peuvent penser les uns et les autres sur cette thématique, et c'est très intéressant, et les évolutions possibles peut-être demain sur la loi Claeys-Leonetti qui avait été votée il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, dans les deux assemblées. Voilà deux exemples, deux sujets sur lesquels on a essayé d'apporter un correctif dans le fonctionnement du CESE par rapport à des missions qui nous étaient données. Troisième point sur lequel nous, on a cherché à faire progresser les choses collectivement, c'est dans nos partenariats. Vous savez qu'on est dans un formidable pays, avec beaucoup de chapelles, 36 000 communes par exemple, autant que toute l'Europe réunie. C'est une chance, c'est sûrement un atout, c'est parfois une complication. Donc on fonctionne beaucoup en chapelle les uns et les autres, et vous avez dans ce beau pays beaucoup de comités, de juridictions, parfois dans une grande illisibilité, parfois dans un affrontement assez important. Nous, on a choisi une façon de faire, c'est de regarder à chaque fois, lorsqu'il y avait une juridiction, une institution, un organisme intéressant, comment on pouvait travailler en partenariat avec eux. Et ainsi, on a été chercher une coopération avec la Cour des comptes. Ce n'est pas la plus simple des juridictions avec lesquelles on pouvait peut-être travailler, mais on s'est mis d'accord sur une façon de faire avec la Cour des comptes pour traiter un certain nombre de sujets pour lesquels ils avaient fait l'exercice budgétaire et comptable, mais pour lesquels ils n'avaient pas forcément rendu un avis qualitatif. Et nous avons fait cette deuxième partie. On l'a fait sur l'emploi des seniors, on l'a fait aussi sur les pôles de compétitivité, et on est en train de le faire sur les addictions, toutes les addictions que l'on connaît aujourd'hui. On l'a fait aussi avec le défenseur des droits, sur deux thématiques, pour lequel il rencontrait une certaine difficulté à traiter le sujet. Et Jacques Toubon nous a demandé si on pouvait l'accompagner dans une démarche sur les discriminations syndicales, pour lequel il devait rendre un rapport, et on a rendu ce rapport.
et un autre sujet sur les violences faites aux enfants dans le cadre de la séparation conjugale, un avis très important rendu par le CESE. Donc vous voyez des coopérations nouvelles, positives, avec des organismes existants, c'est à mon avis un chemin qu'il faut poursuivre. On est en discussion aujourd'hui avec France Stratégie pour faire de la même façon. On est en discussion avec la CNDP aussi, évidemment, pour voir si on peut travailler conjointement sur un certain nombre de thématiques. J'ai adressé récemment aussi un courrier au CNTE, là aussi, pour voir s'il n'y a pas une façon de travailler qui soit beaucoup plus coopérative et peut-être plus intelligente pour le coup, et évitant ainsi d'avoir des fois des avis avec les mêmes populations différents. Parce qu'on peut arriver à cet exercice où les organisations présentes dans différents organismes peuvent émettre parfois des avis différents parce qu'évidemment on n'a pas les mêmes mandataires, les choses ne sont pas forcément prises de la même façon, ce qui amène évidemment une certaine complication sur le sujet qui est traité. Donc voilà, ces coopérations, elles sont en cours, elles sont importantes. Mais une fois que j'ai dit ça, on voit bien qu'on a toujours, le CESE rencontre toujours un certain nombre de difficultés importantes et moi je me suis plusieurs fois exprimé sur le sujet. Première des difficultés que l'on rencontre, c'est lorsqu'on met en place une mandature, déjà les difficultés pour le CESE commencent. On a souvent des débats sur les personnes qui sont nommées ici dans cette enceinte, et en particulier c'était un débat à l'adresse du groupe des personnalités qualifiées, qu'on peut considérer parfois comme injuste, mais c'est une réalité. Et moi je disais à l'époque, et ça remonte avant les élections présidentielles, qu'il serait intéressant de réfléchir à une façon de les nommer qui soit évidemment beaucoup plus incontestable et beaucoup plus, qui apparaisse beaucoup plus transparente. Pour éviter ce qu'on appelle en fait le fait du prince, et ce que j'ai appelé moi le syndrome Georgette Lemaire, voilà, il faut en finir une bonne fois pour toutes avec ce genre de discours qui ne font pas beaucoup avancer les choses, mais par contre, ça montre bien dans quel sens il faut avancer et comment on peut progresser sur notre représentation. Savoir quelles sont peut-être les briques manquantes, s'il y en a qui manquent, et puis comment on légitime ceux qui sont ici dans cette assemblée, de façon à ce que cette assemblée puisse vraiment travailler sereinement sur les sujets qui lui sont proposés. Ça, c'était la première des difficultés que l'on rencontre et qu'on le rencontre toujours. Autre difficulté, cet équilibre dont je parlais, d'équilibrer les deux plateaux de la balance entre saisine et auto-saisine, ça dépend de la bonne volonté des uns et des autres. Et évidemment, je peux vous assurer qu'il faut quand même mouiller un peu le maillot pour aller chercher ces sujets, ça ne se fait pas forcément naturellement. Une fois que les uns et les autres comprennent l'intérêt à travailler ensemble, les choses bien sûr prennent leur place, mais c'est quand même un peu compliqué. Et si demain, on se retrouve de part et d'autre avec des personnes qui ne veulent pas travailler ensemble, vous comprenez que tout de suite ça s'arrête. Et malheureusement, on a quand même une mission à remplir, et au-delà peut-être de la bonne foi de chacune des parties, il faut quand même que la mission soit remplie. Donc on a une difficulté institutionnelle à exister dans le dispositif institutionnel. Et ça, on l'a pointé du doigt aussi. Et puis moi, j'avais pointé du doigt un autre point dès 2016. Dans ce pays, on a créé beaucoup de comités. Il y en a, au gré des ministres, 433 comités qui se sont créés, qui amènent une certaine illisibilité de la parole. Et je disait qu'il serait peut-être bon à un moment donné de rationaliser cette parole et de faire en sorte qu'avant d'en créer un autre, il faut peut-être voir comment certains qui ont déjà été créés peuvent remplir les missions et tout au moins regarder comment tout ça peut fonctionner ensemble. Vous voyez qu'on avait quelques difficultés dans notre envie de valoriser le CESE, de le moderniser et d'en faire un instrument tout à fait efficace. Est arrivée l'élection présidentielle. Une expression du président, elle est évidemment qui a trouvé une certaine résonance chez nous, puisqu'en fait, quand vous regardez l'expression du président de la République le 3 juillet dernier, ça remonte maintenant presque à un an, dedans, il s'exprime sur l'idée d'incarner pour nous une espèce de trait d'union entre le citoyen et les pouvoirs publics. Il parle aussi d'être plus dans la fabrique de la loi. Il parle aussi d'être le lieu du débat public. Compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, au-delà de la satisfaction, vous voyez bien que ça remplit, ça répond à certaines de nos interrogations et difficultés que l'on rencontrait. Alors évidemment, une fois que j'ai dit ça, il y a aussi, et des fois les journalistes nous le font remarquer, il y a le sujet de la réduction, et il est évident quand
Vous passez de 233 plus 72 personnalités associées, 305 à 155, c'est un sujet, surtout que vous avez 80 organisations présentes ici. Et ce sujet-là, si on en a la possibilité, on essaiera de le regarder avec attention. Mais par contre, sur les missions proposées pour le CESE, il y avait une ouverture pour nous importante. Et comme on est dans cette maison très collective, j'ai tendance à dire que ma profession, c'est tourneur derviche. On tourne en permanence sur les différentes organisations pour s'assurer que tout le monde collectivement est bien rassemblé. On a décidé collectivement de voir comment on pouvait remplir ces nouvelles missions qui nous étaient proposées. Donc très vite, dès la fin août, on s'est réunis en séminaire et on a travaillé collectivement, tous, à remplir ce que pouvaient être ces nouvelles missions. Et on continue à le faire, d'ailleurs, pour pouvoir proposer, évidemment, une évolution qui soit la plus intéressante possible. Aujourd'hui, il y a un texte qui est sorti, qui correspond en grande partie, quand même, quand vous regardez ce qu'il y a dans le texte, à ce que l'on souhaite. Alors, évidemment, on a une partie de la lecture de cette réforme institutionnelle, puisque vous avez le texte constitutionnel et vous n'avez pas la loi organique, ni même les décrets qui vont avec, ni même le règlement intérieur qui par la suite suivra. Mais dans les ouvertures qui sont faites dans la réforme constitutionnelle, on a la possibilité, à travers les différents outils institutionnels qui vont voir le jour après, loi organique et décret, on a la possibilité de placer le CESE là où on le souhaite. Alors, première évolution, le nom. C'est pas neutre, j'en ai parlé tout à l'heure. On a évoqué le changement de nom avec le président de la République. Moi, je lui avais répondu que c'était intéressant, à condition évidemment qu'il y ait un vrai projet derrière, que ça corresponde à quelque chose d'un peu nouveau, que c'est intéressant à condition aussi que ça reste institutionnel. Alors si ça doit rester institutionnel, il est évident qu'il n'y a que trois mots pour nous qualifier. C'est assemblée, c'est chambre ou c'est conseil. Mot d'assemblée, j'ai pensé que ça nous mettrait en confrontation peut-être un peu trop forte avec une assemblée bien connue juste à côté de chez nous. Donc on a pensé que c'était peut-être pas le bon mot. Conseil est intéressant parce qu'il nous qualifie bien. Moi j'aimais bien le mot de conseil. Il n'apporte pas l'idée du changement, évidemment. Le mot de chambre a été retenu qui reste, lui, très institutionnel. C'est vrai. Après, il y a eu le mot de société civile. Alors, pour nous qualifier, il y a deux façons de faire. Vous êtes qualifié parce que vous faites, votre champ de compétences, l'économie, le social, l'environnement, c'est notre champ de compétences, ou on vous qualifie parce que vous êtes. Et là, société civile, je dirais dans la définition de Tocqueville, ou bien d'autres qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, il y a toute une littérature très très complète sur le mot de société civile, on voit bien que ça nous correspond bien, parce qu'il faut le comprendre comme cette société civile, par opposition évidemment à la partie État public, mais cette société civile composée des organisations, associations, ONG non gouvernementales. C'est de cette façon-là qu'il faut l'entendre. Dans un équilibre du pouvoir, évidemment, entre la partie État public et la partie des différentes composantes de la société civile organisée. C'est un point évidemment extrêmement important, et je pense que le nouveau nom, de ce point de vue-là, si on le comprend comme ça, je pense que c'est un nom qui nous qualifie évidemment assez bien. C'est d'autant plus important ce nom que cette notion de société civile qui rassemble les corps intermédiaires, force vive, autre expression de la nation, c'est quelque chose qui est assez véhiculé dans le monde. Aujourd'hui, vous avez plus de 80 CESE de par le monde. Et aujourd'hui, tous les pays qui sont en constitution de démocratie, et Dieu sait s'il y en a un certain nombre, ont une difficulté en général, c'est qu'ils sont en proie aux lobbies divers et variés, à des chapelles, qu'ils n'arrivent pas à faire parler entre eux, et donc ils pensent à les réunir dans un lieu qui leur permettrait évidemment de discuter et de trouver des compromis. Et quel est le lieu où les corps intermédiaires vont aller chercher des compromis? C'est bien cette chambre de la société civile ou ce conseil économique, social, environnemental tel qu'on l'a conçu aujourd'hui. Et donc, des pays, je vais vous en citer, comme le Vietnam, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Liban, le Chili, les Balkans,
On fait un partenariat avec nous pour les aider à mettre en place un conseil économique, social, environnemental. On leur forme des administrateurs, on va chez eux pour leur former des administrateurs, on les accompagne dans la démarche, dans leur démarche, pour les aider à faire parler cette société civile qui ne parle pas entre elles. Il faut que ces composantes se parlent. Il faut que les environnementaux parlent aux agriculteurs. Il y a un seul lieu où ils le font ici, et ils travaillent ensemble. Dans quelques jours, on va produire un avis sur la qualité de l'alimentation. Cet avis, je pense qu'il sera voté par les deux parties, ici. Lorsque vous avez des parties patronales, d'où je viens, un peu conservatrices, en difficulté avec parfois des organisations syndicales, un peu contestataires, il y a un endroit où elles se parlent, c'est ici. Et c'est important qu'elles se parlent pour qu'à un moment donné, on trouve des voies. Et vous avez des groupes qui s'opposent ici et qui se parlent ici. Et c'est important qu'ils puissent trouver ce lieu de discussion dans une assemblée qui n'est pas duale et qui ne va pas être duale. Donc cette notion de chambre de la société civile est très importante. Après, si je vais un tout petit peu plus loin, être un peu plus dans la fabrique de la loi, donc d'être consulté de façon plus systématique dans la création de cette loi, ça nous paraît important pour avoir un regard porté sur les travaux qui sont faits ici. Alors évidemment, il faut que ça soit fait en amont, dans le délai qui nous est donné, et pas évidemment en distordant ces délais. Il faut répondre présent au moment où on doit répondre présent, c'est-à-dire dans le délai lorsque vous avez le texte qui est connu, envoyé au Conseil d'État, vous avez à ce moment-là la connaissance du texte, vous avez 3 semaines pour rendre un avis, rendre l'avis. Et ça doit se faire en plus dans une certaine rationalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que lorsque vous avez un projet de loi, ce qui se passe aujourd'hui, un état des lieux, par une loi de programmation, nous, on est déjà consultés sur les lois de programmation de façon obligatoire. Ça serait une extension, en fait, de cette partie-là. Mais vous consultez en même temps, par exemple, si vous prenez la loi sur l'avenir, sur la formation, vous consultez en même temps une douzaine de comités, de façon un peu chaotique, souvent, produisant des avis très différenciés. L'idée, c'est que demain, ces avis obligatoires, qui doivent être rendus par ces comités, à portée législative, puissent être rendus par le CESE. Donc ça va changer complètement la donne. Il va y avoir un travail de rationalisation, d'efficacité, d'éligibilité plus important que ce qu'il était fait auparavant. Et lorsque le Parlement va commencer à travailler, il aura sur sa table, à ce moment-là, la position de la société civile organisée, avec une lecture assez complète, évidemment, des différentes positions des uns et des autres. Ce progrès-là, il est possible, il est tout à fait possible, évidemment, à condition aussi de pouvoir, dans la méthode, pouvoir anticiper les choses. Ça, évidemment, c'est l'une des conditions pour pouvoir remplir l'exercice. Voilà une évolution complémentaire. Et une dernière évolution, c'est le lieu, évidemment, du débat public, c'est-à-dire sur les grands projets de loi à être consulté, comment on l'organise, comment on fait demain pour ne pas être en proie à tous les lobbies, pour pas être, de le faire de façon transparente, de ne pas être manipulé, parce qu'on sait très bien que c'est facile avec le numérique demain de manipuler les partis. Donc, il y a ce sujet-là qui nous est proposé, il est important, c'est ce trait d'union entre le citoyen et les pouvoirs publics, ce passage obligé par les corps intermédiaires nous paraît évidemment très important. De pouvoir traiter, par exemple, demain les pétitions de façon numérique ici, de leur trouver une sortie institutionnelle, nous paraît très important. Il faut que le citoyen comprenne que demain, ce lieu, c'est un lieu où, lorsqu'ils sont engagés dans une idée, lorsqu'ils ont rassemblé autour d'eux suffisamment de signatures sur des thématiques, évidemment, de portée générale, pas particulière, pas des réponses par oui ou par non. Nous, on produit des rapports et avis. Mais voilà, lorsqu'ils sont engagés sur une idée et qu'ils souhaitent défendre cette idée, que le rapport puisse leur donner un débouché institutionnel et donc une reprise plus institutionnelle par les deux autres assemblées. On va servir en fait un peu de préfiltre pour les deux autres assemblées, pour décanter les choses, voilà, pour les aider aussi évidemment dans leur travail législatif. Notre idée est très simple, en fait, elle est bien fonctionner et plus en coopération avec les deux autres assemblées et bien jouer notre rôle de consultation, mais tout notre rôle de consultation avec les corps intermédiaires qu'on présente. Voilà, c'est pour nous un beau projet, avec des difficultés, bien sûr, comme tout projet, comme toute entreprise qui se réforme, moi, pour avoir eu à faire quelques transformations dans mon entreprise et quelques rénovations. Évidemment, quand vous portez ce type de sujet de rénovation, quel que soit l'endroit où vous le faites, il y a évidemment des opportunités, des difficultés, mais si on a le courage de s'y attaquer, et si on veut vraiment y répondre positivement, je pense que demain, l'un des beaux sujets de la réforme constitutionnelle qui nous est proposé, c'est celui du CESE.
la future chambre de la société civile. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Bernasconi. Continuer le fil de notre discussion et ne pas perdre trop de temps, j'invite Xavier Marchal, qui est président de Liège et membre de Synopia, de venir assurer l'animation et de faire venir ses intervenants. Nous, on va bouger parce qu'il y a 6 intervenants et que tout le monde ne peut malheureusement pas rentrer dans la salle. Voilà. Merci pour le passage de micro. Voilà, après ces larges ouvertures du président Bernasconi, je pense qu'il est temps de regarder maintenant derrière le voile toute la pensée de chacun et la pensée de ceux qui sont aussi en dehors de l'institution, de voir un petit peu quel type de propositions ils ont à faire. Donc l'objet de cette première table ronde, ce sera finalement d'abord, comme l'avait dit tout à l'heure Luc Picot, comment institutionnaliser la participation citoyenne, non pas comment, mais enfin pourquoi l'institutionnaliser ou l'institutionnaliser plus, puisque finalement il en existe, hein, avec quel intérêt et quels enjeux. Alors j'appelle à la table, ou plutôt à l'estrade, en montant par ce côté-ci, je vais moi-même laisser la place, Séverine Bellina, Florent Augagneur, Philippe Dallier, voilà, Antoine Dulin, Mathieu Orphelin et Julie Pimaudan. Voilà, alors je pense que le fauteuil peut peut-être le décaler un peu. Donc je vais essayer de jouer le rôle de modérateur. Peut-être plus que d'animateur, je l'espère, de cette table. Et je vais commencer par donner la parole à Séverine Bellina. Séverine, vous êtes directrice de l'Institut de recherche et de débat sur la gouvernance, dans le fond une cousine, hein, puisque Synopia, la signature, c'est l'Observatoire des gouvernances. Voilà, Séverine, vous allez nous dire quel regard vous portez sur les institutions françaises en général vis-à-vis de la notion de participation citoyenne. Et puis également, je crois que vous avez à nous parler. En fait, la règle du jeu que je vais vous proposer, c'est que je vous pose deux questions en une seule, enfin plutôt deux questions en une seule réponse, mais au lieu de 2 fois 5 minutes, vous avez 8 minutes. Ça va? D'accord, on va faire ça comme ça. Voilà, voilà. Et vous avez gagné 2 minutes, puisque il y aura de la synergie entre vos 2 réponses. Et donc la deuxième, c'est finalement de nous parler un peu de quelques expériences de participation. Merci beaucoup, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci au CESE, à Synopia et à Décider Ensemble de cette invitation et de cette opportunité de pouvoir un petit peu échanger sur nous, ce que l'on constate dans le cadre de l'IRG, donc en tant que think tank, c'est-à-dire de réflexion, hein, mais aussi de ce que l'on a analysé et identifié comme point de vigilance à travers les expériences auxquelles on a participé ou que l'on étudie à travers le monde et beaucoup sur les territoires français ces 2 dernières années. Alors, c'est une lourde charge que d'ouvrir cette journée et cette table ronde. J'ai pas mal réfléchi aux questions qui m'avaient été posées, et puis je me suis dit, en fait, ce qui est important, c'est peut-être de centrer cette intervention sur un point de vigilance absolument important, parce qu'il est au croisement des thématiques de la journée, du lieu, hein, cet espace public institutionnalisé de dialogue entre la société civile et le politique et les institutions, sans doute au croisement de tout ce que l'on peut analyser sur ces questions d'institutionnalisation du pouvoir. Parce qu'institutionnaliser la participation, si ça ne participe pas de et à l'institutionnalisation du pouvoir par le bas, c'est-à-dire qu'on rétablisse ce processus-là dans l'ordre, ma foi, ça ne fonctionne pas et on s'engouffre dans des techniques. Alors, je vais m'expliquer. Je vais partir de l'international parce que je trouve qu'il y a une grille de lecture que certains d'entre vous connaissent qui est assez intéressante parce qu'elle permet de regarder finalement la gouvernance, donc le système
le jeu des acteurs, les rapports entre les acteurs pour produire l'action publique, qui est assez intéressante, qui s'appelle la grille des fragilités. Je sais que certains d'entre vous la connaissent. Et il y a un élément très intéressant dans cette grille-là, qui est de dire, donc ça a été beaucoup travaillé à l'OCDE, finalement, dès lors qu'un État et ses sociétés, je n'ai pas dit société civile, dès lors qu'un État et ses sociétés ne sont pas en mesure d'établir entre eux des relations constructives, on est dans une situation de fragilité. Ça n'est ni la faute de l'un, ni la faute de l'autre, c'est l'incapacité à être en dialogue et à être en interaction constructive pour coproduire justement une culture politique et civique commune. Dès lors, qu'est-ce qui se passe dans ces situations ? Eh bien, on est dans des perspectives où on a des États suspendus. Alors, c'est très valable ailleurs, avant, hein, pour des États qui étaient qualifiés en développement, mais que l'on analyse de plus en plus quand même sur nos sociétés à nous. On a des États suspendus, et je trouve que cette image, elle est intéressante parce qu'elle montre comment, finalement, on a ce haut qui est déconnecté du bas, ou en tout cas, si on le ramène à l'horizontale, on a ces deux catégories d'acteurs qui sont assez déconnectés. L'État ou les institutions publiques étant complètement figées, refermées dans leur forme instituée, celle qui était l'incarnation d'un pluralisme social à un moment donné, et elles n'ont de cesse, finalement, dans une approche gestionnaire, de vouloir reproduire un modèle. Voilà, donc on s'auto-reproduit. Dès lors, il y a un fossé, un divorce qui se crée avec les sociétés, puisqu'on ne répond plus, parce qu'on ne les connaît plus forcément non plus, en tout cas on ne les regarde plus, on n'interagit plus avec les besoins réels des sociétés. Et de l'autre côté aussi, un certain nombre d'enjeux que ces sociétés portent nous échappent. De l'autre côté, on a des sociétés qui se replient sur elles-mêmes, hein, on le voit bien, et qui dès lors aussi, pour satisfaire leurs besoins matériels et symboliques, ou aussi pour s'exprimer, vont aller trouver refuge dans d'autres types de régulations. C'est un phénomène qui aujourd'hui est bien connu. Ou alors, il y a une autre partie de la société, des sociétés, qui essayent d'agir, qui sont dans une effervescence et dans une tentative d'innovation démocratique, c'est-à-dire de participation, de réinvestissement, de cette reliance avec les institutions publiques, qui se traduit aujourd'hui soit dans des dynamiques de radicalité démocratique, parce qu'on propose un modèle autre, justement, une forme d'instituer, une forme d'institutionnalisation du pouvoir qui pourrait être autre, voire on se dit, bon, l'État est tellement loin, et ça c'est aussi la parole d'autorité politique, hein, c'est-à-dire de personnes qui agissent au niveau des collectivités locales, l'État est tellement loin et tellement déconnecté des aspirations et du contrat social qui se dessine au jour le jour dans les pratiques des sociétés, qu'on va tenter des initiatives d'autogestion. Hein. Il y a des spécialistes des questions du municipalisme dans la salle, et c'est quand même un phénomène grandissant qu'il serait bon d'interroger. Cette grille, elle est intéressante aussi parce qu'elle nous montre quelque chose de très important, et ce lieu est le lieu pour en parler, c'est celui de l'atrophie de l'espace public. L'espace public, c'est quoi ? C'est cet espace de rencontre, c'est cet espace de dialogue, c'est le temps de ce dialogue entre tous les acteurs, c'est pas seulement l'élu et le citoyen, c'est tous les acteurs de la société, les institutions en font partie, pour justement retravailler, repartir du bas et retravailler le processus d'institutionnalisation. Le peu de relations qui existent entre l'État et les institutions et ces sociétés, aujourd'hui, il est quand même qualifiable par deux notions, celle de défiance et celle de peur réciproque. Et on a même peur de soi-même, je veux dire, même au sein des acteurs de la société civile, il y a des peurs réciproques, et je crois qu'il y en a aussi au sein des institutions publiques. Dès lors que l'on est sur un paradigme qui c'est très analysé, hein, vous l'entendez beaucoup en ce moment, où ce sont les peurs qui dominent les interactions, on n'est pas dans des interactions constructives, et on n'est pas dans un terreau qui permettra la résilience démocratique. Donc ça donne quand même une direction sur ce que doit être l'institutionnalisation de la participation. C'est pas une variable d'ajustement, c'est véritablement un vecteur de refondation de ces relations. Dès lors, la façon dont elle est pensée aujourd'hui et dont elle doit être appliquée dans une instance étatique doit tirer parti aussi
d'un certain nombre de points de vigilance que l'on voit sur le terrain. Alors là, je reviens au niveau plus local, où des tentatives de participation, hein, de mise en place d'outils ou de processus, voire de politiques totalement sur une collectivité locale ancrée dans une démocratie dite représentative, dite participative, pardon, nous donnent comme indice. On revient la plupart du temps à une définition assez première de la démocratie, qui est celle de parier sur l'égalité des intelligences, c'est-à-dire créer des espaces de dialogue, des espaces de rencontre entre les forces vives, entre la société civile, entre les corps qui peuvent nous permettre de connaître et de toucher les catégories de population qu'on appelle invisibles ou celles qui ne veulent pas participer et qui ont le droit de ne pas participer. On constate que vraiment ce qui fonctionne, c'est lorsqu'on a des processus qui permettent de travailler avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire une représentativité des différentes catégories d'acteurs, pas seulement l'élu et le citoyen. On ne doit pas réduire à ce binôme-là la refondation ou l'institutionnalisation du pouvoir ou l'animation de ces espaces de rencontre. Le deuxième point de vigilance qu'il faut quand même rappeler, et je crois que le président Bernasconi le rappelait ce matin, c'est celui du sens. Pourquoi appeler à la participation? Pourquoi institutionnaliser la participation? Je crois que mon intervention n'était pas neutre, le début de mon intervention n'était pas neutre, ça ne doit pas être une variable d'ajustement, ce n'est pas un label, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas un bien marchand. C'est vraiment un vecteur de refondation de nos institutions. Et quand je dis institution, j'entends l'instituant aussi. L'institution n'étant pas qu'une forme figée. Ça, c'est la deuxième chose. C'est vraiment, donc, dès lors qu'il y a un sens, un objectif, et que l'on autorise l'égalité de ces intelligences à travailler sur la structuration du contrat social et sur la structuration des politiques publiques sur des enjeux forts, dès lors, il y a engagement et il y a coproduction. Je vois que vous vous levez, ça doit vouloir dire qu'il faut que je m'arrête. Bon, ben, je vais m'arrêter là sur les points de vigilance, mais je pense que c'était les deux premiers. Et enfin, je voulais terminer, puisque l'idée, c'est qu'est-ce que ces expériences de participation vous inspirent par rapport à la réforme constitutionnelle aujourd'hui? Eh bien, tout à l'heure, on est revenu sur l'histoire de ce lieu, qui est assez formidable et qui symboliquement, finalement, nous montre que l'innovation, hein, elle circule et elle était finalement peut-être, elle répondait aux mêmes besoins à chaque moment de l'histoire. C'est rappeler quand même qu'à l'international, dans les mouvements néo-constitutionnalistes ou ailleurs, ou même ce qui se passe sur les terrains aujourd'hui, ça nous ramène à l'étymologie du terme constitution, cum statuare, établir ensemble. Voilà. On ne peut pas produire une réforme constitutionnelle, on ne peut pas institutionnaliser la participation par le haut, par un État suspendu. Il faut se reconnecter à son instituant et à sa société. Merci, voilà. Merci beaucoup Séverine Bellina. On aura l'occasion éventuellement de répondre à des questions tout à l'heure, surtout si les uns et les autres respectent un temps de parole correctement tenu. Voilà. Et merci pour ces repères, enfin, cette analyse et puis ces quelques pistes. Je pense que maintenant on va prendre un point de vue, si je puis dire, un petit peu opposé, en partant d'une expérience de la réalité, hein, du réel. Puisque, Florent Augagneur, vous êtes vice-président de la Commission nationale du débat public. Alors, brièvement, vous êtes ancien conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et co-auteur du livre « Inventer la démocratie au XXIe siècle » avec Dominique Bourg et Loïc Blondiot. Voilà. Je vais vous demander, partant de votre expérience justement de débat, comment la CNDP, cette Commission nationale du débat public, qui, vous le savez, les uns et les autres sans doute, est en charge d'animer des débats autour des grands projets d'aménagement et d'instruire un petit peu leur impact. Comment est-ce que la CNDP s'y prend pour garantir ce débat public, finalement, qui est vraiment débat? Et puis, bien entendu, à partir de là, comment étendre la participation citoyenne? Merci. D'abord, je remercie Sinopia et Décider Ensemble pour l'organisation de ce colloque. Et puis, le CESE, je suis très content d'être ici, puisque j'aime beaucoup cette institution que je connais bien, puisque comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'ai beaucoup travaillé sur la question de ce qu'on appelle aujourd'hui Chambre du futur, qui a été très liée à cette réforme institutionnelle et ce qui est en train vers quoi évoluerait le Conseil économique, social et environnemental. Et j'en dirais un petit mot.
en deuxième partie, je vais du coup diviser mon intervention en deux éléments, puisqu'en gros, il y a deux petites choses que je voudrais dire. La première, déjà, donc, je vais quand même décrire un petit peu la Commission nationale du débat public, puisque je ne sais pas si tout le monde la connaît parfaitement bien. Cette Commission nationale du débat public a été créée par la loi Barnier en 1995. Et dans la loi de proximité de 2002, elle est devenue une autorité administrative indépendante. Donc c'est une institution quand même relativement jeune, même très jeune dans la vie des institutions, puisqu'elle a 23 ans. Je suis meilleur en philosophie qu'en maths. Donc c'est quand même une institution qui innove, qui est innovante, mais également qui expérimente et qui tâtonne. Vu son jeune âge, on ne peut pas lui demander d'avoir un retour d'expérience trop avancé. Contrairement au Conseil économique, social et environnemental, comme l'a dit le président Bernasconi dans son intervention, nous ne pouvons pas nous autosaisir. C'est-à-dire que nous sommes obligatoirement saisis. Nous ne pouvons pas nous autosaisir d'un sujet. Et nous sommes saisis sur, effectivement, les grands projets d'infrastructure, mais également, depuis les ordonnances de 2016, ratifiées par la majorité parlementaire il y a quelques mois, sur les plans et programmes nationaux. Donc nous organisons également donc des débats publics sur les plans et programmes nationaux. Et d'ailleurs, actuellement, nous organisons le débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va se terminer le 30 juin. Et la clôture aura lieu d'ailleurs dans cette salle, puisqu'elle aura lieu au CESE. C'est un des éléments du fait que la CNDP et le CESE travaillent main dans la main, puisque d'ailleurs dans le débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, le CESE a fait un rapport sur la loi de transition énergétique qui est un des éléments mis au débat. Je profite juste de que je suis en train de dire ça pour dire que par ailleurs nous avons un autre plan national qui arrive à partir de la rentrée, qui sera un sujet que nous préparons très activement à la CNDP, c'est le plan national de gestion des déchets et matières radioactives dont nous débattrons à partir du mois d'octobre. Je suis universitaire, je vais faire une référence qui peut étonner d'ailleurs. Un petit point de bilan, donc la CNDP, 22 ans d'expérience, 90 débats publics. Sur les 90 débats publics, il y en a à peu près 16 qui ont été abandonnés et 39 modifiés, donc 19 qui sont restés à l'identique. Mais c'est très difficile pour une institution aussi jeune de faire un retour d'expérience et de faire un bilan mesuré, chiffré. Et la raison est simple, c'est que j'ai toujours considéré la CNDP comme ce que le philosophe Marie Douglas appelle une institution pensante. C'est-à-dire que dans son ouvrage « Les institutions pensent-elles ?», bien évidemment, les institutions ne pensent pas. Une institution, ça ne pense pas. Par contre, la pensée des hommes dépend des institutions. C'est-à-dire que si nous pensons, c'est grâce aussi aux institutions que nous avons, parce qu'elles nous donnent un cadre, elles nous permettent d'orienter nos réflexions et d'avoir une pensée commune et un langage commun. Et la CNDP, elle correspond parfaitement à cette idée-là. C'est-à-dire que sa simple existence permet non pas de penser, mais d'agir différemment. Alors, encore une fois, on pourrait aussi discuter longtemps sur le lien entre la pensée et l'action, mais sa simple existence fait qu'on se configure un problème ou des problèmes ou des mots de la démocratie qu'on ne se figurerait pas si elle n'existait pas. Et du coup, on oblige une certaine démocratie administrative ou trop horizon verticale ou trop expectocrate en chambre à agir autrement. Elle titille, elle pousse à la réflexion. Du coup, la démocratie devient réflexive sur elle-même et en ce sens, elle est performative. J'ai toujours considéré que la CNDP, on ne peut pas mesurer ses résultats, mais en revanche, c'est une institution performative, c'est-à-dire sa seule existence performe la démocratie, l'améliore et la fait tourner sur elle-même. Mais il y a des conditions à cela. La première condition, c'est donc le fait qu'elle soit devenue une autorité administrative indépendante. Son indépendance est une condition absolument nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. La deuxième condition, enfin, moi j'en identifie deux principales, c'est sa neutralité. C'est-à-dire le fait que la CNDP ne rentre jamais sur le fond des dossiers, ne donne jamais d'avis sur le fond des dossiers,
Les membres de la CNDP ne s'expriment jamais sur les dossiers publiquement. Nous-mêmes, la présidente Chantal Jouanneau ou moi-même ou l'autre vice-présidente Hilaria Cassio, nous ne nous exprimons jamais sur les dossiers que nous traitons. Nous ne prenons pas position sur les dossiers que nous traitons. C'est important parce que je pense que le débat public ou la concertation a besoin d'un tiers garant qui soit indépendant, mais qui soit aussi neutre, qui permette que le débat public et la parole citoyenne ne soient pas instrumentalisés, récupérés, et qu'il n'y ait pas de soupçon, parce que parfois c'est juste un soupçon, mais qu'il n'y ait pas du tout de soupçon, de conflit, de récupération. Donc ça, c'était le premier point. Je ne sais pas si j'ai répondu à la première partie de la question. Sur la deuxième partie de la question, qui portait plus sur les évolutions ou la réforme en cours, la réforme constitutionnelle et institutionnelle, est-ce qu'il faut étendre le champ de la CNDP ? Bon, alors, je pense qu'il faut toujours faire très attention à la prolifération de l'offre et au fait que toutes les concertations, les débats publics doivent en tout cas être coordonnés, organisés pour ne pas trop se superposer, rendre l'offre lisible. Et il me semble que la lisibilité est un sujet très important dans la participation citoyenne. Autre élément, puisque nous sommes ici au CESE, il me semble que, si j'ai bien compris, la réforme constitutionnelle et institutionnelle qui se prépare et le discours du président de la République et celui du président Berlusconi, le Conseil économique, social et environnemental est en train de se placer sur le chemin de la loi, donc le parcours de la loi, et c'est assez novateur d'ailleurs. Il se placerait en amont du Conseil des ministres, il donnerait un avis sur les projets de loi, un peu comme le Conseil d'État le fait du point de vue juridique, il donnerait un avis citoyen sur les projets de loi et établirait de la concertation sur ces avis potentiellement. La CNDP n'est pas du tout là-dessus. La CNDP, elle est sur la chaîne de décision environnementale, sur les grands projets, les programmes et les plans qui ont un impact environnemental fort. Donc on, nous ne sommes pas du tout sur le même champ d'application ou domaine d'application. En revanche, le domaine sur lequel intervient la CNDP, qui est donc le domaine du dialogue environnemental, lui-même a peut-être besoin, en tout cas on peut s'interroger sur la multiplicité des acteurs, par exemple, qui ne rend pas forcément totalement lisible cette chaîne de décision, puisqu'en gros, au début vous avez le maître d'ouvrage, la CNDP intervient, puis ensuite passe la main à l'autorité environnementale, puis reprend la main, puis ensuite c'est l'enquête publique avec les commissaires enquêteurs et donc le tribunal administratif. Cette chaîne de décision n'est pas tout le temps lisible et visible, et puis on peut aussi s'interroger sur un autre sujet qui moi me questionne beaucoup, c'est le côté hermétique entre l'expertise ou l'expertise scientifique et le fait d'avoir séparé cette expertise du débat public. Si vous lisez par exemple l'entretien qu'a fait Michel Badré, qui était dans la médiation à Notre-Dame-des-Landes avec Dominique Bourg sur le site internet La Pensée écologique, vous voyez que le diagnostic de Michel Badré, qui est un diagnostic mais qui fait réfléchir, est de dire que un des paramètres de l'échec entre guillemets de Notre-Dame-des-Landes a été le fait que nous avons justement fait débattre les citoyens lors du débat public en 2002 sur des informations fausses. Comme la CNDP n'a pas la possibilité d'évaluer les informations qu'elle met au débat, les citoyens n'ont pas débattu des alternatives, étant donné que les alternatives étaient présentées comme irréalistes à cause du bruit qu'aurait provoqué le développement de l'aéroport de Nantes-Sud. Donc voilà, cette question-là est aussi une question que moi je soulève dans mes réflexions à la CNDP, le fait que ce lien soit distendu, un peu trop à mon avis. Et dans le lien avec le CESE, effectivement, le CESE doit faire de la consultation. Nous serons, si le CESE veut faire de la consultation sur les avis qu'il rend, nous serons ravis effectivement de travailler avec lui. Nous travaillons déjà avec le CESE dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous nous voyons beaucoup et j'espère que nos deux institutions continueront à travailler ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà quelques pistes. J'espère que j'ai pas dépassé. Vous avez tenu votre temps. Merci. Et c'est parfait. Après vous, donc, je vais passer la parole à Monsieur Philippe Dallier. Philippe Dallier, vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis et premier vice-président du Sénat.
également ancien maire de Pavillon-sous-Bois. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment voyez-vous les enjeux participatifs dans le processus décisionnel ? Et finalement, également, je m'adresse aussi à la position éminente que vous occupez dans le fonctionnement de nos institutions et dans le gouvernement au sens large. Quelle est, dans ce débat participatif, la place du Sénat et peut-être même un avis aussi sur celui du CESE ? Merci beaucoup. Merci. Il y avait une deuxième question sur les, sur les collectivités locales. Je vais peut-être essayer d'en dire quelques mots également. Mais moi aussi, je voudrais commencer par une question. Est-ce que si le taux de chômage en France était de 5%, si on était à l'équilibre budgétaire, si la croissance était au rendez-vous, est-ce que nous serions là à nous poser exactement les mêmes questions dans les mêmes termes ? Je ne suis pas certain. Et peut-être que l'une des premières questions, avant de questionner nos institutions et leur mode de fonctionnement, c'est celle de l'efficacité de nos politiques publiques. Dans les, voilà, je vais dire 10 dernières années ou 12 dernières années, comme ça il y en aura pour la droite et pour la gauche. Si effectivement les Français avaient le sentiment que nous avions eu le courage de faire ce qu'il fallait faire, peut-être que la montée du populisme que nous constatons, et qui est un vrai problème, ne serait pas au niveau où elle est aujourd'hui. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi les gouvernements de droite et de gauche n'ont-ils pas réussi ? On peut poser la question de l'idéologie, mais aussi peut-être celle du courage politique, de leur incapacité à dire les choses telles qu'ils les pensent. Vous savez, moi j'ai toujours été frappé, lorsque parfois je discutais avec des collègues qui n'étaient pas de la même sensibilité que moi, de les entendre me dire à la buvette des choses un peu contradictoires par rapport à ce qu'ils étaient capables de dire en séance. Tout ça, effectivement, ça pose question. Alors du coup, aujourd'hui, on remet en cause, entre guillemets, les institutions et on cherche à faire en sorte que tout cela fonctionne mieux et qu'on puisse associer le plus largement possible, effectivement, nos concitoyens. Alors, la fabrique de la loi, j'en dirai deux mots, et puis après, l'aspect collectivité territoriale. Je commencerai par dire que je suis très attaché à la démocratie représentative, et d'ailleurs, je ne vois pas très bien ce qui pourrait la remplacer aujourd'hui. Alors certes, les technologies évoluent, et probablement que techniquement, il sera possible, c'est peut-être possible aujourd'hui, sur tout sujet, de demander aux Français de répondre par oui ou par non, et de trancher les décisions politiques comme cela. Je ne suis pas sûr que le résultat serait effectivement très sympathique. Donc la démocratie représentative, c'est encore le meilleur mode de fonctionnement. Pour ce qui concerne la France, il ne faut pas oublier non plus, et je vais faire référence à Solon, à qui on demandait à Athènes qu'est-ce que c'est qu'une bonne constitution, et Solon répondait « Dites-moi d'abord en quel temps et pour quel peuple ?» Je crois qu'il ne faut pas oublier de rappeler que nous sommes le peuple français avec ses qualités et ses défauts. Nous ne sommes pas le peuple allemand, nous ne sommes pas le peuple anglais, et nos institutions doivent aussi être adaptées à ce que nous sommes. Et je dis cela parce que si les institutions de la Ve République peuvent être critiquées, en tous les cas, elles ont à mon sens une énorme qualité. Et lorsque l'on voit ce qui s'est passé en Allemagne, qui est restée quelques mois sans gouvernement, lorsque l'on voit ce qui se passe en Italie et dans d'autres pays, ou même en Espagne à un moment donné, attention, attention en réformant nos institutions, à ne pas revenir à nos errements du passé. Je rappelle que sous la 4e République, le gouvernement tombait tous les 6 mois. Ça nous a conduit à la crise de 58 et au bord de la guerre civile. Et je rappelle que sous la 3e République, si Clémenceau, qu'on a célébré hier, était un grand sénateur, il était qualifié de tombeur des gouvernements et on faisait tomber le gouvernement sur l'ordre du jour du Sénat. On ne peut pas retourner à une situation comme celle-là. Donc il nous faut des institutions solides qui permettent à un gouvernement de gouverner. Alors certes, la question qui s'est toujours posée avec la Ve République, c'est comment trouver le bon équilibre entre le gouvernement et le Parlement. Je pense qu'au fil du temps, on a fini par améliorer les choses. D'ailleurs, la dernière réforme, celle de 2008, de Nicolas Sarkozy, a été une très bonne réforme au moins de deux points de vue. Tout d'abord du point de vue du citoyen, avec la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité. C'est drôle d'ailleurs parce qu'en 2008, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Le sujet n'était pas celui-là. Et pourtant, c'est certainement l'une des plus grandes avancées. Et du point de vue du Parlement, on a accentué un peu le rééquilibrage avec une meilleure maîtrise par le Parlement de son ordre du jour, avec un partage avec le gouvernement. Là, on nous propose une nouvelle réforme institutionnelle. Et j'ai quand même le sentiment que
on nous propose de faire un peu machine arrière. Et voyez-vous, en tant que parlementaire un peu ancien maintenant, j'ai un peu de mal avec ça. Donc le gouvernement souhaite que nous soyons plus efficaces, et ça posera la question d'ailleurs, effectivement, de la place du CESE et du rôle du citoyen dans la fabrique de la loi. Parce qu'on nous dit qu'il faut aller plus vite, il faut effectivement peut-être limiter le droit d'amendement, il faut peut-être limiter la navette parlementaire, etc., etc., limiter le temps de parole. Moi, je tire quand même la sonnette d'alarme et je dis attention à ce que nous allons faire. Je fais remarquer que dans les trois premiers mois de l'année, et mon collègue député ne dira peut-être pas le contraire, on s'est un peu ennuyé au Sénat. On n'avait pas de texte, en tous les cas rien de très significatif. Et là, nous sommes dans une seringue épouvantable. Certains de nos collègues députés n'en dorment plus. Ça va venir pour nous. Nous sommes dans une seringue épouvantable qui va nous emmener au début du mois d'août où on va examiner des textes très importants les uns à la suite des autres. Il y a aussi un problème d'organisation du temps de travail des assemblées. Mais restreindre les droits du Parlement, et ça va être un vrai sujet de cette réforme institutionnelle, attention. Et alors le drame, si on se replace du côté des Français, c'est que si vous les interrogez, la seule chose qu'ils vont vous dire, si vous leur demandez qu'est-ce qu'il y aura dans la réforme constitutionnelle, on va réduire le nombre de parlementaires, c'est formidable. Ils pensent qu'on fera des économies alors que c'est pas vrai. L'idée, c'est de donner plus de moyens aux parlementaires qui vont rester. Et on va limiter le cumul des mandats dans le temps, pourquoi pas. Et c'est ça qui est un peu regrettable, et peut-être qu'en termes de préparation du débat, il aurait fallu que quelqu'un s'en saisisse, parce que je pense que nous ne sommes pas, en tous les cas, sur la place publique, sur les bons sujets. Oui, on peut toucher à la réforme, on peut toucher à cette constitution encore, mais attention, avec précaution. Moi, j'attendais surtout, ça me permettra de faire la transition vers les collectivités locales, ce dont ce pays a besoin, je pense que c'était un acte 3 de la décentralisation, qui soit enfin celui de la rationalisation. Parce que nous ne sommes pas allés au bout. L'État continue toujours à accepter de décentraliser ou de déléguer, mais tout en conservant une partie du pouvoir. Par-dessus le marché, nous sommes mis en coupe réglée budgétaire. Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, ça pose aussi quand même un certain nombre de difficultés. Donc j'aurais préféré une réforme institutionnelle qui aille vers cette rationalisation. Le président de la République a dit qu'il ne voulait plus toucher aux mécanos institutionnels. Honnêtement, j'en le regrette parce que je pense qu'on a fait un certain nombre de bêtises. Et par exemple, ici, en plein milieu de Paris, j'attends toujours que sur la métropole du Grand Paris, le président de la République nous dise enfin quelque chose. C'est quand même notre seule métropole de rang mondial, je referme la parenthèse. Mais on ne va pas aller dans cette direction-là et je le regrette. Sur la fabrique de la loi, sur la place du Sénat et la place du CESE, la place du Sénat est la bonne. Le Sénat représente les territoires, les collectivités locales, et dans une république décentralisée, c'est normal. Nous fonctionnons avec deux chambres, comme beaucoup de grandes démocraties. Alors avec une particularité, le Sénat a les mêmes pouvoirs que l'Assemblée nationale, si ce n'est qu'in fine, l'Assemblée tranche. En matière constitutionnelle, nous avons un droit de veto sur un certain nombre de dispositions. Donc nous sommes dans la fabrique de la loi et nous devons rester dans la fabrique de la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, effectivement, pour associer plus nos concitoyens? Je pense que le rôle du CESE a effectivement vocation à monter en puissance. Maintenant, la question, ça sera jusqu'où? Un rapporteur sur un texte de loi, même si le CESE a en amont organisé la consultation de la société civile, vous n'empêcherez pas un rapporteur sur un texte de faire ses propres auditions, et donc, quelque part, de recommencer à auditionner les syndicats, les associations. Enfin, on ne pourra pas simplifier jusque-là. Que le CESE prépare le débat en amont. Mais pour cela, effectivement, il faut qu'il soit reconnu dans l'opinion publique comme cette chambre-là. Il y a du boulot. Parce que si on demandait à l'extérieur qu'est-ce que c'est que le CESE, je crains qu'effectivement... Déjà, quand on demande qu'est-ce que fait le Sénat et qu'est-ce que font les sénateurs, je peux vous dire que parfois, je suis déçu en tant que sénateur. Mais si on demandait qu'est-ce que fait le CESE, je pense que ça serait encore plus compliqué. Donc il y a effectivement un enjeu très important pour faire monter en puissance cette troisième chambre, qui peut être le lieu où effectivement ceux qui ont du mal à se parler se parlent. Vous pouvez déblayer le terrain, maintenant jusqu'à une certaine limite, parce que le Parlement, derrière, continuera à faire son boulot. Il faut essayer d'être plus efficace. Comme il ne doit pas me rester beaucoup de temps, je dis peut-être un mot sur la démocratie participative dans le milieu des collectivités territoriales. J'ai été maire pendant 22 ans.
Et même si j'aime pas tellement ce terme de démocratie participative, parce que souvent les élus le ressentent comme une remise en cause de leur propre légitimité ou leur propre pouvoir. Bon, peut-être un peu exagéré, mais attention quand même. Parce que une équipe municipale, elle est élue sur un projet, elle le met en place. Alors après, on peut discuter les projets, les amender. C'est ça qu'il faut organiser. Moi, je ne connais pas beaucoup de maires qui ne le fassent pas. En tous les cas, ceux qui ne le font pas, généralement, au bout d'un mandat ou de deux mandats, ils perdent l'élection suivante. La question, c'est comment l'organiser. Moi, j'ai toujours pratiqué les réunions publiques ouvertes. Parce que se pose quand même une vraie question, si on veut organiser la concertation, si on veut désigner des gens pour participer à un débat sur tel ou tel sujet, ils sont représentatifs de quoi ? La question se pose. Donc moi, j'ai toujours pratiqué, effectivement, avec des réunions où ceux qui voulaient venir venaient et où on faisait, effectivement, fonctionner la boîte à idées de cette manière-là. Après, les élus tranchent. Voilà. Donc, aller plus loin que cela, bon, les outils maintenant, Internet, permettent d'offrir d'autres possibilités. Je pense que c'est plus dans la pratique que la question se pose. Mais je ne connais pas beaucoup d'élus locaux, et je termine là-dessus, qui aujourd'hui considèrent que dans leur bureau ou au sein du seul conseil municipal, ils peuvent effectivement trancher tous les problèmes. Merci beaucoup pour cet éclairage, en particulier sur la réforme constitutionnelle qui se prépare, et également ce partage d'expérience, je dirais, sur un fonctionnement local, hein, et quel type de participation mettre localement. Alors, du Sénat, on passe au conseil économique et social et environnemental. Ça paraît naturel. Antoine Dulin, vous êtes vice-président. Pas si naturel que ça. Antoine Dulin, vous êtes vice-président du Conseil économique, social et environnemental, ancien délégué national des guides et scouts de France. Comment est-ce que le Conseil économique, social et environnemental, prend en compte les enjeux participatifs, ou du moins de votre point de vue, en tout cas, on en a eu bien entendu des éclairages tout à l'heure, et en quoi cela va-t-il permettre d'engager plus massivement les citoyens dans le processus? C'est surtout ça là, la question. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je me permets de rebondir, je pense, que sur ce qui a été dit. Et d'une part, pour dire que je pense que cette réforme constitutionnelle est une énorme opportunité pour cette maison, pour le Conseil économique, social et environnemental que j'ai la chance de fréquenter depuis quelques années, et où notamment, parce que nous sommes arrivés avec, comme l'a dit Patrick Bernasconi, les premières nominations de Mouvement de Jeunesse, et c'était la seule assemblée constitutionnelle où il y avait des personnes de moins de 30 ans à l'Assemblée, à part Marion Maréchal Le Pen, du côté de l'Assemblée nationale. Et donc, de pouvoir faire participer plus largement des membres de la société civile. Donc c'est une énorme opportunité, et pour moi elle ne met absolument pas en cause la démocratie représentative et la fabrique de la loi. Et la dynamique de pouvoir faire participer en amont les citoyens et la société civile organisée que nous sommes la fabrique de la loi ne peut que aider à éclairer le décideur public, qui reste le décideur public, qu'il est élu avec la légitimité de la démocratie représentative. Et que je pense que l'institutionnalisation, en tout cas qui est prévue dans la réforme constitutionnelle, d'une saisine sur les projets de loi dont vous a parlé le président Berlusconi, est une bonne chose, dans à la fois la capacité de deux choses. D'une part, de pouvoir prendre enfin en compte, parce que c'est pas le CESE n'est pas demain le lieu où discute la société civile organisée, c'est déjà le cas, et depuis un certain nombre d'années, où différentes sensibilités société participe à ce débat-là. Et après, on a, nous, un effort énorme à faire sans doute sur la dynamique de qu'est-ce que l'on fait de ces avis qui sortent du CESE, mais il y a aussi une responsabilité politique et du politique de pouvoir se saisir de ce qui sort de cette assemblée qui, certes, ne fait pas la une du journal, parce que son but est à la fois d'être dans le compromis, en tout cas dans un travail de débat et de dialogue pour essayer de trouver des pistes communes pour
autour de l'intérêt général et de pouvoir à la fois indiquer les consensus et les dissensus qu'il peut y avoir entre nous, entre organisations, entre corps intermédiaires sur cette dynamique-là. Ça, c'est ce qu'on fait et ce que l'on a expérimenté depuis quelques années avec, enfin depuis deux ans avec la nouvelle mandature, avec l'arrivée des citoyens en se disant on ne peut plus, y compris corps intermédiaire, se dire qu'on est les représentants d'une partie des citoyens parce qu'il y a 80 associations, organisations représentatives ici, un grand nombre de gens sont bénévoles, sont syndiqués, etc. Donc on peut légitimement se dire que l'on représente plusieurs dizaines de millions de personnes dans cette assemblée. Et on ne peut pas s'en rester là et de se dire comment on fait participer les citoyens, ça passe, et Patrick Bernasconi l'a dit, par la dimension des pétitions et par aussi ces plateformes de participation citoyenne que nous avons lancées sur le débat orientation. Et pour vous dire très concrètement ce que ça provoque, c'est que nous avons donc rendu un avis sur l'orientation avec une participation du public à travers une plateforme numérique et nous avons proposé à des citoyens de venir présenter leurs préconisations à l'Assemblée du CESE qui présentait l'avis. Et il y a quatre citoyens qui sont venus, qui n'avaient jamais, certes, entendu parler du Conseil économique, social et environnemental, mais qui se sont dit, dis donc, je n'aurais jamais pu penser que ma parole, on tienne compte de ma parole dans la troisième Assemblée constitutionnelle, et donc de se dire, on a créé, on a ouvert un espace de participation où, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les citoyens sont quand même très frustrés de ne plus être entendus, de ne pas être assez entendus par les hommes politiques, les femmes politiques, les corps intermédiaires, et que je pense que le CESE peut être, cette assemblée peut être le réceptacle de cette parole, dans cette capacité de pouvoir dire « dites-nous ce que vous avez à nous dire », à nous ensuite, corps intermédiaire, de pouvoir, au travers des avis du CESE, vous donner la parole et travailler avec les sept sociétés civiles organisées pour produire des avis qui vont permettre d'éclairer ensuite débat politique et la fabrique de la loi dans cette dimension-là. Alors il y a un énorme enjeu pour répondre à la deuxième question, c'est la question de l'engagement de tous. Vous avez parlé des invisibles, de se dire comment on ne se parle pas entre personnes concernées, que sur les plateformes citoyennes, il y a toujours les gens convaincus, que dans les débats de la CNDP, on y retrouve toujours un peu les mêmes acteurs. Et donc ça, je pense que c'est une énorme marge de manœuvre pour nous aujourd'hui. Et dans les réflexions que l'on peut avoir, c'est de se dire comment, et c'est inscrit en tout cas dans le projet de loi de réforme constitutionnelle, comment on va pouvoir peut-être expérimenter cette dimension de tirage au sort en se disant peut-être comment mieux associer des citoyens à notamment, alors sur la réforme constitutionnelle, c'est fléché autour des projets, des saisines par pétition, mais en tout cas de pouvoir se dire comment on va pouvoir inviter des citoyens qui ne sont peut-être pas concernés directement par la question, mais qui ont été choisis par le tirage au sort pour venir participer à un travail du CESE, apporter une parole d'expertise, d'usage, de citoyen, et de voir par cette expérience-là ce que ça peut apporter dans le débat public et dans le débat politique. Alors c'est un grand challenge, ça fait beaucoup de débats entre nous et rien n'est acté pour le moment. Nous, mon groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, on est plutôt très favorable à cette dimension d'expérimentation pour permettre à ces citoyens de se donner la possibilité à tous de participer, de pas juste avoir une dynamique d'être autour de citoyens engagés qui ont déjà la parole. Et donc là, ça nécessite, et pour conclure, un vrai travail d'éducation populaire. Et donc comment, on, y compris par un travail d'éducation civique, par un travail dans nos associations, dans nos organisations, on est capable de faire vivre cette démocratie participative. Et on l'a vu à différents moments dans nos assemblées, cette réflexion que nous avons au CESE, elle est aussi la même. Enfin, on l'a aussi pour l'ensemble de nos organisations. Je parle
pour la mienne, celle d'un mouvement de scoutisme, de se dire comment on fait davantage participer des jeunes aux assemblées générales, aux conseils d'administration, etc. Et donc faire l'expérience de la démocratie. Mais je vois Dominique de la CFDT qui a développé toute une dynamique pour le congrès de la CFDT autour d'une démarche participative et citoyenne autour du congrès de la CFDT. Et donc de se dire comment... En fait, cette question de la participation citoyenne, elle ne touche pas seulement nos institutions, mais aussi finalement l'ensemble des corps intermédiaires dans notre capacité à mieux écouter cette parole d'invisible ou en tout cas d'être dans cette dimension de verticalité. Et ça, je pense que ça passe par deux choses, une dimension de pédagogie et de faire par l'expérience, c'est-à-dire de pouvoir tester, de pouvoir expérimenter des choses et que les gens puissent être dans cette dimension de faire et non pas juste de subir une parole qui viendrait du haut. Et que la deuxième dynamique, c'est surtout de ne pas les tromper. Et que donc au-delà d'un coup marketing de se dire ça y est, nos organisations, le CESE laissent la parole aux citoyens, c'est surtout comment en fait on tient compte de cette parole et comment elle va permettre effectivement un engagement des citoyens futurs dans cette démocratie et un engagement renouvelé. Et donc là, il y a un travail important de passer d'un objet marketing à un objet véritablement concret de participation citoyenne. Merci beaucoup. Vous avez établi là un pont avec la table ronde suivante qui parlera plus du comment. Hein, mais c'est intéressant parce que c'est un des points les plus importants, effectivement, de savoir comment s'organise en pratique les choses. Alors, je vais passer la parole à Mathieu Orphelin. Mathieu Orphelin, vous êtes député du Maine-et-Loire et vous êtes ancien directeur à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. J'ai bien compris que vous étiez très engagé dans la transition énergétique. Aussi, vous poserai-je directement la question, la participation citoyenne, est-ce que ça peut aider? Et deuxièmement, vous êtes député. Donc, comment la place au cœur, quelle place au cœur de la révision constitutionnelle vue de vous cette fois-ci, puisqu'on a eu des opinions d'autres membres d'autres assemblées? Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième question. Quel intérêt et quels enjeux à l'institutionnalisation de la participation citoyenne? Il y a un intérêt majeur, c'est de réconcilier les citoyens avec la politique. Ça, c'est très important. Je pense sincèrement qu'on peut y arriver. Parce que quand on est sur le terrain, l'ensemble des élus locaux le savent bien, les gens, ils veulent parler politique. Ils en ont marre de la politique actuelle qui consistait à s'opposer, etc. Mais ils vous parlent de politique en permanence sur tous les sujets. Ça, c'est vraiment quelque chose qui donne espoir. C'est qu'il faut arrêter avec l'idée de dire que les Français ne veulent plus de politique. Ils veulent une politique qui soit en phase avec ceux qui vivent. Ils veulent discuter des différents sujets. Et quelque chose qu'on entend beaucoup pendant les campagnes électorales, c'est ce que vous faites, les parlementaires, c'est déconnecter de ce qu'on vit. Donc, l'enjeu, c'est reconnecter les citoyens avec la politique. Pour ça, il y a la réforme constitutionnelle, je vais y venir. Mais d'abord, je voudrais redire qu'il y a plein de choses qui se font et qui peuvent se faire sans réforme constitutionnelle. D'abord, chacun peut décider de faire différemment. Moi, j'ai mis en place un Parlement ouvert sur le terrain. Au début, je l'avais appelé Conseil. Mais l'idée, c'était de réunir effectivement toutes les parties prenantes autour de thématiques très particulières. Ce n'est pas de refaire un saisie régional ou des choses comme ça. C'est au contraire de dire sur un thème, comme les EHPAD, par exemple, qui est ma dernière séquence de travail avec les acteurs du territoire, eh ben, il vaut mieux faire une réunion avec 10 directeurs d'EHPAD, les syndicats, des représentants des familles, des simples citoyens, etc., et traiter ensemble et réfléchir, faire des propositions au gouvernement. Par exemple, de cette réunion-là est sortie l'idée, nous, qu'on a proposé au gouvernement, que les EHPAD de mon territoire, dans l'Anjou, puissent être expérimentaux sur toute la simplification des procédures qui font perdre du temps à la fois aux soignants et au personnel d'encadrement. Juste pour vous donner un exemple. Donc, un, on peut réinventer cette participation citoyenne sur le terrain. On peut la réinventer aussi de façon un peu plus institutionnelle, mais sans réforme. Je citerai l'exemple de ce qu'on a mis en place avec ma collègue Paula Forteza depuis 2 mois, des questions citoyennes au gouvernement. Vous savez que dans le rôle des parlementaires, il y a la fabrique de la loi, mais il y a aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Un des outils, ce sont les questions
orale ou écrite. Et donc, avec Paula Forteza, depuis quelques semaines, nous permettons aux citoyens de poser des questions au gouvernement, d'abord les poster sur une plateforme, qui est une plateforme qui avait été utilisée en Islande au moment de la crise financière pour faire discuter les citoyens. On l'a importé en France, les équipes de Paula ont développé. Et du coup, vous pouvez aujourd'hui poser une question, les autres citoyens vont débattre, et puis chaque mois, nous en sélectionnons deux que donc nous posons au nom des citoyens. On fait ça, ça commence à bien marcher, on a eu les premières réponses des ministres, ça fait bouger les lignes. Les ministres sont contents que cet exercice des questions écrites, qui était très formel, souvent vécu par une corvée, par les ministres ou ceux qui étaient chargés pour eux de les écrire, ça réinvente un peu tout ça. C'est un outil parmi d'autres, c'est pas ça qui va révolutionner, mais donc on est parti à deux, et à partir du mois prochain, on sera 30 collègues députés, pour l'instant de notre groupe politique, mais on compte ouvrir pour arriver à généraliser un peu plus ça, et puis à passer à la rentrée à la question, enfin aux questions orales. La participation citoyenne, ce qu'il faut avoir en tête, et moi je crois que j'ai peur qu'on se perde dans le débat entre est-ce que c'est le rôle du CESE ou le rôle des parlementaires, je vais revenir, j'ai ma petite idée comme tout le monde, mais en fait, il faut surtout avoir en tête qu'il y a les participations citoyennes. Ça ne sert à rien qu'on réfléchisse trop sur où est-ce qu'il faut qu'on la centralise, parce que les participations, elles sont multiformes. Par exemple, sur une des dernières lois qu'on a eues et que mes collègues du Sénat ont eues cette semaine en commission, sur la loi agriculture et alimentation, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été pris par les citoyens. Il y en a un dont je ne parlerai pas aujourd'hui, le glyphosate, mais je vais vous donner un autre exemple, le bien-être animal. Voilà un sujet sur lequel moi j'aurais bien aimé avoir un avis du CESE, parce que c'est un sujet sur lequel moi j'ai reçu 350 mails d'habitants de la circonscription, divisés en souvent des copier-coller, mais on va dire 5-6 origines, mais 350, on est 577 députés, ça veut dire qu'en gros, en 4 jours, il y a 200 000 personnes qui se sont mobilisées sur ce sujet en France. Je dis ça pour comparer aux 500 000 de la saisine par les citoyens du CESE. Donc, ça existe. Donc, il y a les pétitions, il y a ces saisines-là. Moi, j'ai répondu évidemment aux 350 par des mails individualisés, parce que c'est important. Et ça montre, beaucoup d'ailleurs ont répondu en disant merci, c'est pas courant qu'on réponde à des interpellations de ce type-là. Donc, là, les participations citoyennes, il faut les penser multiformes. Je viens au rôle du CESE, des chambres, de tout. Bon, effectivement, de toute façon, il y a déjà beaucoup d'organismes qui veulent revendiquer ce rôle-là. Sur la réforme constitutionnelle, je finirai par là. À titre personnel, donc on partage, là, on échange, hein, le texte de la réforme constitutionnelle est un peu décalé, donc il viendra dans l'hémicycle qu'à partir du 16 juillet. Donc on a encore un peu de temps pour avancer. Moi, je suis, à titre personnel, pas complètement fan à ce stade du CESE, simplement chambre de la société civile. Je pense que c'est pas forcément... ça l'est déjà encore constitué. Moi, je crois que dans cette réforme du CESE, il faut que le CESE devienne le conseil du long terme. C'est très important. C'est là où on a besoin. Aujourd'hui, la fabrique de la loi, souvent, c'est fait sur des études d'impact plus qu'incomplètes, et qui ne prennent pas en compte la compatibilité de la loi qu'on va voter avec les enjeux de long terme. Ça doit changer, et je crois que le nouveau CESE doit avoir des missions importantes là-dessus. C'est plus ça, parce que mieux organiser les pétitions, je le dis de façon un peu provocante, on est entre nous, il n'y a pas de journaliste, on a le droit de débattre librement, pas besoin du CESE pour ça. Les pétitions, elles arrivent déjà sur la boîte de mon collègue du Sénat ou sur la mienne. Il faut qu'on organise mieux ça. Et je pense que l'Assemblée et le Sénat peuvent mieux organiser leur prise en compte des pétitions. Pourquoi pas, on a des niches parlementaires où chaque groupe vient défendre dans la journée deux ou trois textes. On pourrait très bien avoir à l'Assemblée et au Sénat des niches citoyennes où effectivement, à un moment, un certain nombre de pétitions sur lequel, pourquoi pas, le CESE d'ailleurs donnerait un avis, une fois que la pétition rentre dans le circuit, qu'elle a franchi les critères, etc. Je pense qu'on pourrait, là aussi, arriver à réinventer quelque chose autour d'une niche citoyenne à l'Assemblée et au Sénat.
Et ce n'est pas du tout pour mésestimer le rôle du CESE dans tout ça. C'est au contraire pour le mettre dans son rôle fondamental de conseil. J'ai du mal pour l'instant, dans le texte actuel, à voir cet étage supplémentaire. Autant je vois bien l'intérêt de dire le CESE, lieu de la participation organisée entre corps constitués, ça je le vois très bien et on peut le renforcer. Et effectivement, quand l'Assemblée, et là c'est d'autres enjeux de la réforme constitutionnelle, auront enfin un calendrier clair, optimisé, je suis d'accord évidemment avec mon collègue du Sénat, ça n'a aucun sens, je ne sais pas si on travaille trop, mais en tout cas ce que je sais, qu'on pourrait travailler beaucoup, beaucoup mieux, mais donc qu'on ait un ordre de jour plus clair sur l'année, ce qui permettra au CESE de sortir ses avis, ses recommandations au bon moment, de donner un avis sur les pétitions ou sur la participation citoyenne. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on rajoute, c'est un humble avis empirique, un étage entre les citoyens et les parlementaires au moment où c'est ce lien-là qu'on doit réinventer. Voilà. J'imagine bien ne pas forcément être consensuel, mais je pense qu'il faut qu'on fasse bouger les choses. L'important dans la réforme du CESE, c'est la chambre du futur. C'est là aujourd'hui où on peut le plus progresser dans la fabrique de la loi française. Merci beaucoup. Vous n'avez pas répondu à la question sur la participation. Est-ce que ça aide à la transition énergétique? En deux mots là-dessus, ça peut aider. D'abord, ça progresse. Je note avec intérêt que le débat organisé par la CNDP autour de la programmation pluriannuelle de l'énergie rassemble 400 citoyens, là où, pour ceux qui commencent à dater comme moi, sur le précédent débat, le débat national sur la transition énergétique, nous avions obtenu, à l'époque on était complices avec Florent, eh bien on avait déjà à cette époque-là arrivé à mettre en place... Le gouvernement avait mis en place un conseil citoyen où il n'y avait que 12 citoyens. Donc là, je vois qu'on a changé d'échelle. Donc ça, c'est très important. Maintenant, il n'y a qu'une question à chaque fois qu'on a de la participation, c'est en quoi réellement ça sert? En quoi le bilan, il faut le faire a posteriori. Donc là, c'est trop tôt, mais en quoi les conclusions des citoyens vont influer ou pas sur la programmation pluriannuelle de l'énergie? Et sur quel thème exactement? J'espère que ça va servir. J'espère que ça va servir. Et Florent Gagneur l'a très bien dit, puisqu'ils ne peuvent pas se prononcer sur les conclusions. J'espère que ces conclusions elles seront à la hauteur, mais surtout que le gouvernement et les parlementaires, après, s'en saisissent pour faire améliorer le projet, avec cette difficulté de la PPE, c'est que ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, c'est un décret. Et donc l'action directe des parlementaires là-dessus est plus complexe. Merci bien. Merci bien. J'ai aussi bien noté la difficulté de positionner le rôle des experts dans ce genre de place, etc. Enfin, qui a été soulevé tout à l'heure. Voilà, Julie de Pimaudan, vous êtes fondatrice de Fluicity. Voilà, vous allez nous expliquer ce que c'est. En tout cas, j'ai bien noté que votre credo ou votre mantra, c'est quand même l'innovation au service de la participation citoyenne. On est bien d'accord? Exactement. Et donc, vous allez nous parler... de finalement ce qu'apporte la Civic Tech, la Civic Tech dans le renouvellement des pratiques démocratiques au sens large, et quelles sont les conditions pour que ça puisse être mis en œuvre. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Julie de Pimaudan, je suis la cofondatrice de Fluicity, qui est donc une start-up, comme on l'a dit, qui a pour mission de redonner l'envie aux citoyens de participer. Alors c'est une mission assez large et assez ambitieuse. Alors nous, notre démarche, c'est vraiment d'avoir été d'abord à la rencontre des citoyens avant de mettre en place une stratégie et une méthodologie pour y arriver. Donc on a été interviewé autour de 2000 citoyens, aussi bien sur le web que dans des questionnaires de rue. Et on s'est rendu compte que la principale raison du désengagement des citoyens, c'était le sentiment profond de ne pas avoir d'impact. Cette envie, c'est vraiment cette impression de se dire qu'à chaque fois qu'on participe, que j'aille à un conseil de quartier, que j'aille à une réunion publique, que je donne mon avis dans le cadre d'une élection, en fait mon avis n'est pas pris en compte. Et donc on a essayé de réfléchir en construisant l'outil à comment on pouvait restituer cet impact le plus directement possible à tous les niveaux, dès lors qu'un citoyen se met à participer, parce que finalement, cette participation citoyenne, même si parfois elle est un peu râleuse, souvent elle est très constructive, elle part d'un élan qui est positif et qui doit être reconnu. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la base de notre mission.
À partir de là, on a commencé à développer une plateforme qui avait pour mission donc, de recréer un dialogue assez simple entre élus et citoyens à l'échelle locale. On se disait que finalement, la démocratie, ça commence en bas de chez soi. Les citoyens sont tous assez intéressés et directement concernés par ce qui se passe dans leur rue. Et donc, on va essayer de les faire participer à l'échelle locale. Donc, ça a pas mal pris. On s'est lancé avec une vingtaine de collectivités territoriales, d'abord en France et puis en Belgique. Et en fait, aujourd'hui, on a ouvert la plateforme à l'ensemble des citoyens sur tout le territoire français. Et on permet à toute organisation qui veut faire de la gouvernance participative de se connecter à la plateforme pour accéder à notre audience. Par exemple, donc au-delà des collectivités territoriales avec lesquelles on travaille, on a aussi des députés donc, qui ont décidé de faire leur consultation sur notre plateforme. On a des grosses associations nationales ou internationales qui doivent essayer de comprendre, dans le cadre de leur mission, ce que pensent les citoyens dans un territoire déterminé. Et on va avoir également des grands groupes qui ont dans leur mandat l'aménagement du territoire. Donc ça va être par exemple Bouygues, BNP Paribas Immobilier, qui sont lauréats sur Réinventer Paris, qui vont mettre en place des chantiers pendant 5 ans et qui vont avoir besoin de comprendre les enjeux des habitants localement. Donc aujourd'hui, en fait, la plateforme, je dirais, on n'est vraiment pas les seuls. Il y a énormément de civic tech qui existent aujourd'hui en France et en Europe. C'est un mouvement qui est mondial et qui commence à grossir de plus en plus vite. Je dirais notre particularité, c'est d'être vraiment positionné en tiers de confiance. Donc on a une plateforme sur laquelle les citoyens peuvent venir, tous les citoyens peuvent venir, pas seulement ceux qui sont dans le même parti que l'élu ou ceux qui s'intéressent à telle ou telle collectivité territoriale. C'est vraiment totalement ouvert. Et côté élu, c'est également totalement ouvert. Là où on va apporter une valeur ajoutée, c'est 1. Apporter une audience qui est finalement absente en général des réunions publiques. 2. Gérer tout ce qui est transparence, modération et gestion de la qualité des échanges démocratiques, à l'inverse des réseaux sociaux par exemple, où c'est totalement déstructuré. Et enfin, 3. Permettre à nos partenaires, qui sont en général les élus, de mieux contrôler, mieux comprendre une population grâce à des outils de big data qui restituent en temps réel, évidemment dans le cadre de la RGPD, en temps réel des données qui vont leur permettre de prendre des décisions plus efficaces et plus en phase avec les besoins des habitants. Donc vous m'avez demandé en fait quel était l'apport des civic tech dans le renouvellement des pratiques démocratiques. Moi j'ai 4 points là-dessus et je vais essayer de les illustrer avec des exemples. Le premier, c'est que le numérique est un véritable accélérateur de participation citoyenne. Clairement, dans les territoires aujourd'hui, toutes les personnes qui sont actives, qui ont des enfants, qui travaillent, n'ont pas forcément le temps d'aller aux réunions publiques à 5 heures, un mardi, pour parler du seul sujet qui les intéresse. Et donc pour eux, c'est vraiment un moyen de se dire, en fait, depuis mon portable ou depuis mon ordinateur, je vais pouvoir donner mon avis, je vais pouvoir répondre aux enquêtes ou aux consultations de mon élu, et je vais pouvoir interpeller mes élus sur différentes questions. Dans la ville de Vernon, qui est une de nos villes phares qu'on a lancée il y a à peu près 1 an et demi, il y a déjà 12% de la population qui est connectée à la plateforme. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau sondage ou une enquête qui est créée par les élus, il y a au moins 500 personnes qui répondent. Pour l'élu, c'est vraiment un moyen de mieux comprendre une partie de la population qui est absente en réalité des réunions publiques et de les prendre en compte lors des décisions au conseil municipal. Deuxième point, permettre aux élus d'être plus efficaces. Donc ça illustre aussi ce que je voulais dire. Ce tableau de bord, en fait, dans énormément de villes, il est regardé tous les mois et il permet en fait à des villes de se dire, voilà, il y a une idée qui a reçu énormément de popularité. Je vous donne un exemple. Dans une ville dans laquelle on est implanté entre la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, c'est une petite ville de 15 000 habitants, il y a un citoyen qui a proposé de mettre du Wi-Fi dans l'ensemble des parcs publics. Ça a généré énormément de popularité côté citoyen, mais ça représente un coût assez important. Donc, au-delà du fait que c'est une idée intéressante, il fallait qu'on comprenne mieux exactement ce que voulaient les citoyens. Donc, grâce à l'outil, on va pouvoir aller creuser, aller poser aux citoyens, est-ce qu'on va équiper 100% des parcs publics ou est-ce qu'on va seulement équiper une partie, ou est-ce qu'on fait vraiment les 100% mais qu'on équipe seulement une partie des parcs publics. Donc l'idée, c'était vraiment pour mieux gérer un budget, de proposer plus de consultations sur base des retours citoyens. L'autre chose, c'est qu'on est capable de faire remonter des points de vue originaux. Il y a énormément de gens qui ont
non seulement n'ont pas le temps, même si, quand bien même ils viendraient à des réunions publiques, n'ont pas l'envie de s'exprimer ou pas l'occasion de le faire. Donc il y a vraiment des idées très originales, très concrètes qui peuvent remonter sur ces plateformes. Et enfin, peut-être le quatrième point, qui se passe énormément auprès de nos députés, c'est un rôle pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a des députés qui vont écouter des remontées citoyennes qui, par ailleurs, ont déjà été mises en place dans le cadre de lois alors que les citoyens ne sont pas au courant. Il y a vraiment la mise en place de projets très structurés, très complexes, qui vont pouvoir être documentés avec des vidéos, des explications, des questions, des dialogues, qui vont vraiment rassurer le citoyen dans le travail de leurs parlementaires, et ça, c'est vraiment essentiel. La deuxième question, je crois que je suis un peu en train de dépasser, sur la partie les conditions de participation auprès de nos concitoyens. À mon avis, en termes de moyens, il faut que ce soit non institutionnel. On l'a dit, aujourd'hui, il y a déjà énormément de canaux de participation citoyenne qui existent. Certains arrivent à compter plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, parfois plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Ce sont des citoyens qui sont ravis d'être mobilisés sur ces plateformes. Il faut utiliser ces plateformes qui existent déjà et faire des partenariats avec ces plateformes pour partir à la rencontre de citoyens qui sont déjà actifs en termes de participation citoyenne. Voilà, mais je pense que j'ai dépassé mon temps, donc je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, on a maintenant de quoi lancer largement le débat, avec 6 interventions plus passionnantes les unes que les autres. Je crois qu'on a tous compris que c'était pas peut-être la participation citoyenne, mais les participations, comme disait Mathieu Orphelin tout à l'heure, et que... malgré tout, il y a des institutions qui sont là et qui sont solides. Il y a des gens dont c'est le métier de faire participer. Voilà, et donc à partir de là, on va pouvoir continuer à creuser. Alors peut-être que, avant de clore cette première table ronde, je vais proposer quelques questions dans la salle. Peut-être je vais prendre une salve de questions et puis c'est tout, parce que peut-être certaines pourront être portées à la table ronde suivante. Donc j'ai noté une question, vous les posez tous les trois, comme ça, allez-y madame, oui. Vous avez un micro, il y a quelque chose. Ça marche. Allez, je vais faire un peu de sport. Bonjour, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole. En fait, je me suis invitée à ce colloque, donc je m'exprimerai en tant que citoyenne. Pour situer un peu ce que je vais dire, je travaille dans une haute école, je ne sais pas si je dois la nommer par respect, mais c'est comme une école universitaire. Et donc je suis assistante veille pédagogique, et je dois dire que lorsque je fais des recherches, je suis devant le savoir qui nous est déversé. Je trouve qu'il faut faire preuve d'une certaine humilité, reste à le partager parce qu'on le partage avec personne. Mon propos, ce n'est pas tant de souligner la participation citoyenne, je voudrais attirer l'attention sur une manipulation, et que moi j'aimerais bien qu'on puisse rendre la légitimité de nos élus, qui justement, eux, sont face à des actes. Nous avons pas mal de débats, mais eux sont vraiment confrontés à des actes. On peut être étonné d'ailleurs que les citoyens puissent, comme ça, on puisse leur demander les besoins. Je pense que nous les avons élus, et que les besoins, ils les connaissent. Et donc le problème, c'est pourquoi ont-ils tant de difficultés donc, je voudrais quand même... Si, c'est très important. C'est très important parce que je viens ici. Vraiment, j'ai à cœur de venir ici parce que j'ai une certaine... je voudrais quand même dire, justement, puisque je suis d'un statut C, et je voudrais dire ce qu'on peut lire dans Wikipédia sur ce que c'est qu'un député. Un député est un élu qui, à l'Assemblée nationale, participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État chargés à l'exécution des lois et de la direction de la politique nationale. En tant que citoyen, je le dis ça parce que pour moi, ça honore la fonction d'élu et de ce qu'on peut attendre de lui. Donc je m'étonne. Maintenant, je vais quand même faire 2-3 constats pour interpeller les personnes qui sont ici. C'est de la diabolisation de la politique qui fait qu'on ne rend pas compte des réformes pour en donner la juste interprétation. Pourquoi tant quand les projets s'inscrivent dans les missions de l'État ? Une chose qui est absolument
catastrophique qui est absolument incroyable. On ne lit pas dans mon école. Non, sachez qu'on ne lit pas les rapports administratifs de notre école et que c'est très ennuyeux de ne pas les lire. D'ailleurs, je suis déjà venue au CESE, j'ai rapporté des documents que j'aurais bien aimé lire avec mon école, je ne peux pas les lire. Donc, c'est quand même un problème. Donc, il ne s'agit pas de nous mêler comme ça à des participations alors que nous n'avons pas lu les documents. Que peuvent faire les pauvres mères si on leur... Non, mais c'est vrai que c'est quand même très, très important de j'aimerais bien avoir l'avis des personnes. Enfin, moi, je pose un doute sur la participation citoyenne aujourd'hui. Donc, ça met l'État en danger. C'est la mort de l'État. Je pense que le message a été entendu et qu'on aura certainement une ou deux personnes qui voudront répondre. Est-ce que je peux vous demander de poser votre question, monsieur ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Alain Gruyer, co-délégué au sein du Conseil consultatif régional des personnes accueillies. Et moi, en tant que représentant des personnes accueillies, notamment... les personnes qui vivent et subissent des situations d'exclusion sociale. Et je me pose la question, moi, quand j'entends parler de démocratie participative. Moi, je me dis quand même, le terme même déjà démocratie en lui-même fait que le citoyen participe. On est dans un fonctionnement démocratique, donc de fait, la participation, elle est actée. Une autre approche serait de voir concernant les conditions de la participation à l'élaboration des politiques publiques. Moi, je regarde aujourd'hui, je fais un petit peu le tour de... l'ensemble des personnes présentes, l'ensemble des intervenants à l'estrade. Et je me pose la question, moi tout à l'heure j'ai entendu parler de la notion d'invisible. La question sur la participation justement de ces invisibles. Hein. Moi, de profession, j'ai la possibilité intellectuellement d'intégrer tous ces types de débats. Mais quand on prend quelqu'un qui est en situation de grande exclusion depuis 10, 15, 20, 30 ans, qui dans son parcours ascensionnel individuel n'a connu que de l'exclusion, quelle légitimité les uns et les autres intervenants vous avez? Moi, je me rappelle, je vais donner un exemple concret sur les difficultés que les personnes rencontrent quant à cette notion de participation. En Île-de-France, par exemple, il n'y a pas très longtemps, se tenait l'élaboration du schéma régional du logement et de l'hébergement, hein, son élaboration. Et on a demandé aux personnes vivant l'exclusion liée au logement d'être membres de ce comité régional. Ce comité régional s'est mis en place en 2015. Si moi, au sein de ce comité, il n'y avait pas eu des têtes de pont associatives, des personnes telles que Eric Constantin, par exemple, le délégué régional de la Fondation Abbé Pierre, pour me soutenir dans mon approche de représentant des personnes en situation d'exclusion, la technicité des débats était telle que, ben voilà, moi, j'aurais été effectivement en tant que représentant présent, mais j'aurais fait plante verte. Je veux bien vous croire. J'aurais fait plante verte. Merci, je crois que la question est notée, mais effectivement, c'est souvent très technique. Une dernière question, et puis on aura les réponses et on s'en tiendra là. Merci. Moi, je suis un peu professionnelle de participation le jour et très citoyenne la nuit. J'avais une question sur, on a beaucoup parlé de recueillir l'avis du citoyen, comment pouvoir l'écouter, regarder les pétitions, pour fabriquer des avis pour le CESE, etc., la CNDP, et puis fabriquer la loi pour les parlementaires. Mais souvent, et vous l'avez dit, Madame de Fuicity, on arrive à recueillir cette parole, on arrive à susciter l'émission de cette parole. Et moi, ce que je rencontre le plus dans mon métier au quotidien, c'est les gens qui disent « et alors ?» C'est-à-dire comment on tient compte de cette parole, mais surtout comment on rend compte de la façon dont on a tenu compte de cette parole. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé dans cette table ronde. Et je pense que
comme vous l'avez dit, pour que les gens continuent à s'impliquer, il faut qu'ils voient que ça a un impact, mais par quels outils? Alors c'est peut-être le sujet de la deuxième table ronde, mais il y a une volonté politique derrière à mettre en place pour pouvoir... je vais vous laisser le micro alors. Vous avez raison. Il faut revenir là-dessus. Mais on reviendra là-dessus dans la deuxième table ronde. Parce que c'est vraiment comment est-ce qu'on rend au citoyen ce qu'il a donné. Hein. Là, je suis tout à fait d'accord. Alors peut-être qu'une toute petite dernière question. Et une vraie question et non pas une intervention d'intervenant. Une question pour le Sénat. Bon, les gens n'ont plus besoin de demander la permission pour s'exprimer et pour participer, et ils sont experts. Donc, est-ce que le Sénat n'est pas gêné quand il y a des dizaines et des dizaines d'associations et de pétitions contre une loi, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qui est celle de la loi sur la protection des majeurs, qui ne fonctionne pas, qui donne lieu à des escroqueries en col blanc. Donc, là, la participation citoyenne est méprisée, et pourquoi le Sénat ne prend pas en compte toute cette vague de protestations et ne se dit pas il faut réformer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, peut-être Séverine commence, et puis ensuite vous continuerez, Séverine. Je vais essayer de répondre très rapidement et de pouvoir mentionner un point que j'ai oublié dans mon intervention qui se voulait générale, mais qui est fondamental. Je vous remercie infiniment de vos deux interventions, notamment de vos deux questions à tous, mais particulièrement celle-ci, parce qu'elle pointe un élément qu'on n'a pas mentionné, même si c'était sous-jacent. À aucun moment, je pense, aucun d'entre nous, n'a l'idée de remettre en cause la démocratie représentative ni la légitimité des élus. À aucun moment. Au contraire, moi je fais en tout cas partie des gens qui maintiennent que si elle est conduite avec une vraie dynamique politique pour remplir des vrais enjeux politiques, la participation permet de renforcer, de renouveler, de refonder la démocratie représentative. Première chose. Deuxième chose, je veux bien vous l'accorder, mais permettez-moi d'avoir quelques doutes, parce qu'il y a aussi la notion de catégorie sociale qui intervient. Que les élus connaissent nos besoins. Ok, je veux bien partir de ce principe-là. Le fait est, c'est qu'ils sont élus pour des mandats, en général, de 5, voire plus, ils sont souvent renouvelés. Forcément, dans le fonctionnement et dans l'intensité de l'implication qui leur est demandée, il y a une déconnexion à un moment donné. L'intérêt de la participation, c'est-à-dire de l'association quand même des parties prenantes à un moment donné dans le fait de montrer ce qui est important dans l'évolution, nos sociétés évoluent vite, des enjeux qu'il faut traiter au quotidien, c'est ça, c'est d'assurer cette jonction entre eux, ce qu'ils doivent traiter en rapport avec l'État et d'autres enjeux et le fonctionnement de la collectivité elle-même, et puis l'évolution des besoins. Voilà. Je ne pense pas en plus que quand on est élu, parce qu'on a aussi une vision, on connaisse absolument tous les besoins. Je vais aller très vite sur la notion d'invisible qui n'est aucunement péjorative, qui au contraire veut faire exister la majeure partie des personnes en situation d'exclusion ou non, qui finalement ne participent pas, parce que la participation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et je pense que Loïc Blondiot sera le plus à même de l'expliquer, c'est une catégorie sociale socio-professionnelle bien identifiée, on le sait tous, y compris ceux qui interviennent sur les plateformes. Alors ok, ça ouvre le champ, mais ça ne l'ouvre pas nécessairement. Et là, ça ramène à la légitimité peut-être de ce lieu aussi, mais à la légitimité des personnes qui interviennent. Nous, quand on est sur le terrain, parce que mes interventions elles étaient fondées aussi sur des actions bien concrètes, ce qu'on constate, c'est ce manque aussi de prise en compte. Il n'y a pas que le citoyen face à l'élu, c'est pas un binôme, c'est aussi les corps intermédiaires, ces associations, et vous l'avez mentionné, qui au jour le jour savent, peuvent formuler les difficultés qui sont rencontrées, et donc aider aussi à ce que on restructure le conflit sur les enjeux sociétaux profonds. Et je termine justement sur l'impact de la participation. Moi, je suis désolée, je vais un petit peu pousser, mettre une idée forte sur le débat. Ok, l'impact sur installer un jardin, installer, etc., c'est très important, c'est notre vie quotidienne, et moi-même, habitant dans un quartier, j'ai très envie peut-être de participer à ça.
Ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'impact qui fait qu'on s'engage et qu'on passe et qu'on co-construit la culture civique, c'est sur les choix de société. Et aujourd'hui, il y en a un fondamental, vous l'avez mentionné, c'est la transition écologique et sociale. Parce que dans 5 ans, on va se réunir non pas pour discuter de si on fait participer les gens ou pas, mais c'est comment on résout les crises dramatiques auxquelles on est confronté. Et donc, faire participer les gens avec les élus, leur faire bénéficier de leur expertise quotidienne. Parce que madame, vous avez une expertise aussi à partager avec les élus. Donc, ça sera important. On a compris. Merci beaucoup. Un petit mot de Mathieu Orphelin. Et puis vous, je vous donnerai la parole aussi. Je vais être très bref. D'abord, oui, il faut que la participation citoyenne, elle soit la plus inclusive possible, jusqu'au, évidemment, à la représentation des invisibles. Vous l'avez très bien dit, monsieur, j'y reviens pas. Et il faut aussi... Même si c'est technique. Hein. Même si c'était technique, mais effectivement, tout à l'heure, on parlait d'Internet, etc. Il n'y a pas que ça. Bon, je redéveloppe pas, mais ça doit être, effectivement, on l'a mis dans la loi à plein d'endroits. Il faut qu'à chaque fois qu'il y ait participation, il faut que ça puisse être le plus inclusif possible. Et moi, je partage pas... Pour moi, la participation citoyenne, elle va alimenter, elle va nourrir les parlementaires très fortement, et c'est à nous après d'aller voir. Moi, je suis retourné sur la loi asile-immigration, je suis retourné voir les assos de mon territoire pour leur dire voilà ce que vous m'aviez dit sur les droits des personnes LGBT et la liste des pays sûrs, c'est vous qui m'avez alerté là-dessus, les citoyens de la CIRCO, voilà comment on l'a traduit dans la loi. Et ça peut être à tous les niveaux, mais moi je continue à être vraiment convaincu que la participation citoyenne, elle renforce la compréhension par les élus de la loi. Et elle renforce donc la loi. Merci beaucoup. Philippe Dallier, un dernier mot. Pour faire consensus avec l'Assemblée nationale, au moins là-dessus, mais est-ce qu'on n'enfonce pas des portes ouvertes en disant ça? Moi, excusez-moi, je suis parlementaire depuis 14 ans maintenant. En tant que sénateur, je vais régulièrement devant ceux qui m'ont élu, et pas seulement les grands électeurs, également devant mes concitoyens. Le boulot que je fais au Sénat depuis 14 ans à la Commission des Finances, j'auditionne sur le logement, l'hébergement d'urgence, je rencontre les associations, je fais des visites de terrain. Quand je dis ça, j'ai rien dit d'extraordinaire, c'est le boulot d'un parlementaire. Oui, on vote la loi dans l'hémicycle et en commission, mais l'autre facette du boulot, c'est quand même d'aller à la rencontre de nos concitoyens. Peut-être que certains le disaient pas assez, peut-être qu'on le mettait pas assez en lumière. Les outils numériques permettent effectivement d'associer plus largement, tout ça c'est très bien. Mais bon, n'ayons pas l'air non plus de laisser penser qu'on vivait en vase clos, enfermé. Non, mais parfois, à l'extérieur, c'est... Et c'est pour ça que je dis que je partage ce que j'ai entendu. Et juste un mot, je termine quand même sur les... Alors, pourquoi le Sénat, honnêtement, je ne sais pas, du coup, j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La question sur le... Eh ben, j'ai oublié, donc je vais m'arrêter là. La co-construction. Là, on est reparti dans le débat de fond. Alors, là, j'ai pas. Là, sur ce sujet précisément, des majeurs sous tutelle, si j'ai bien compris, j'ai pas la réponse à votre question. J'interrogerai mes collègues de la commission des affaires sociales pour savoir s'ils ont déjà ou pas traité le sujet. Je peux pas vous répondre. Mais maintenant, sur la durée, c'est ça là-dessus que je voulais conclure. Effectivement, le CESE doit être une chambre qui regarde loin devant. C'est aussi une des caractéristiques du Sénat, qui est peut-être moins sous la pression de l'actualité que l'Assemblée nationale. Et l'une des qualités qui était reconnue au Sénat, souvent on tape dessus, mais l'une des qualités qui était reconnue au Sénat, c'est justement cette capacité à traiter les sujets plus dans la durée, moins sous les feux de l'actualité, et d'avoir des réflexions qui se poursuivent. Après, le vote de la loi, ça reste le vote de la loi. À un moment, il faut trancher, parce que gouverner, c'est choisir. En tout cas, merci infiniment. Je suis obligé de terminer là. Merci infiniment pour ces interventions passionnantes et cet amorce de débat. Un grand merci d'avoir consacré du temps à venir jusqu'ici, malgré vos emplois du temps chargés. Merci. Merci Xavier qui voulait me couper le micro avant que je prenne la parole, c'est sympa. Merci à la première table ronde. Comme nous ne sommes pas spécialement en avance, nous allons appeler tout de suite les intervenants de la deuxième table ronde. Donc Loïc Blondiot, Henri Cabanel, Agnès Popelin et Baki Youssoufou.
J'espère que les quatre intervenants sont là. Alors j'ai un avantage par rapport à Xavier Marchal, je peux monter sur scène. C'est ça. Mais il y a moins de temps aussi, donc... Il nous manque Agnès Popelin. Voilà. Bien, donc une deuxième table ronde, vous voyez toutes et tous la thématique. On va vite rentrer dans le vif du sujet. On a déjà dans la première table ronde débordé entre le pourquoi et le comment. C'était assez naturel, assez évident. Parmi les enjeux de cette deuxième table ronde, évidemment, il y a la question de l'utilité de cette organisation de la parole citoyenne. C'est un vrai sujet parce que si on prend en compte et qu'on fait semblant ou qu'on ne prend pas réellement en compte et que ça ne sert pas véritablement, ça pourra contribuer effectivement encore à décevoir, et comme le lien démocratique est déjà fragilisé, ça n'ira pas dans le bon sens. Donc afin d'éclairer cette deuxième table ronde, on va partir de la réalité, puisque effectivement c'est bien la réalité qui nous importe aujourd'hui dans cette canalisation, organisation de la prise en compte de la parole citoyenne. Et pour cela, donc, nous avons la chance d'accueillir avec nous aujourd'hui... au CESE. Donc Baki Youssoufou, qui est un véritable acteur de terrain, ancien président de la Confédération étudiante, un syndicat qu'il a contribué à fonder, passionné par l'Internet, qu'il considère comme étant un véritable outil de la démocratie, et de la démocratie au sens de sa capacité à influer sur la décision politique. Alors effectivement, la démocratie numérique, elle s'apparente un peu parfois à la démocratie directe, elle est un peu foisonnante, bouillonnante, pas toujours très bien canalisée, donc il y a de gros enjeux. Et vous avez fondé donc une plateforme qui s'appelle WeSignIt. Et donc on est tous très intéressés, d'abord un, pour que vous nous disiez pourquoi, et vous avez créé cette plateforme, à quoi elle sert, quelles sont de votre point de vue les conditions, au travers de l'expérience que vous avez, d'une mise en œuvre d'une démarche participative utile, et comment ces dispositifs, puisqu'on est bien dans le comment, peuvent s'intégrer de manière plus institutionnelle dans le cadre du débat démocratique. Comment est-ce que demain, par exemple, vous voyez-vous l'arrivée du CESE ou d'une Chambre des citoyens en capacité d'organisation ou de canalisation de ces pétitions citoyennes? Vous avez une petite dizaine de minutes. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais compléter ma présentation. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour que vous compreniez d'où je parle, comme ça c'est plus clair. Et la deuxième aussi, pour que vous puissiez poser des questions, mettre en doute ce que je vais dire et peut-être même contester ma légitimité à être ici. Donc effectivement, dans la vie civile, je suis social media stratégiste. J'organise les stratégies d'amplification digitale des campagnes de communication pour les ONG essentiellement. Et de l'autre côté, j'ai cofondé WeSignIt, qui fait aujourd'hui, utilisé aujourd'hui par 4 millions de citoyens en France, dont 3,7 millions actifs, parce qu'avec la RGPD, quand on a envoyé un mail, les retours qu'on a eus, c'est à peu près à hauteur de 3,7 millions, 3,8 millions. Voilà d'où je parle. Pour moi, une première question que je me pose sur le comment. En fait, la société civile non organisée, si on tient compte de la définition du président du CESE ce matin, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas représentés dans cet hémicycle que nous sommes, les questions que nous nous posons sur le comment, c'est la première question, c'est alors pourquoi tout d'un coup on nous parle de participation citoyenne, inclusive, délibérative, avec tout un tas de mots. Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est juste pour répondre à des directives européennes? Est-ce que c'est l'air du temps? Est-ce que c'est par une volonté de faire participer les citoyens? Est-ce que c'est un business? Est-ce que c'est un lieu où on crée des outils, des ingénieurs, des gens issus d'ingénieurs, d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs créent des outils auxquels on donne des noms savants? Pourquoi en fait? La deuxième question, c'est quel est l'objectif? Parce que dans la cyberculture, on ne lance pas une mobilisation citoyenne, on ne lance pas une participation citoyenne si on ne nous dit pas l'objectif. À quoi on va aboutir?
Est-ce que la participation citoyenne, c'est un lieu d'information des citoyens? Est-ce que la participation citoyenne, c'est une façon de co-construire la loi, une façon de co-construire les sujets? Est-ce que c'est une participation délibérative? Et ça, le professeur Blondieu est là pour l'expliquer beaucoup plus que moi. Mais cette question, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre milieu à nous, dans notre forme de société civile, on ne peut plus séparer le fond de la forme. Le fond de la forme, on ne peut pas. Parce que lorsque j'ai créé un outil, lorsque j'ai créé WeSignIt, le fond et la forme étaient intégrés dans l'outil. Et ça, si on veut faire participer des citoyens, on est obligé de le faire sous cette forme-là, c'est-à-dire à la fois des pensées, et j'ai eu des débats avec des universitaires, c'est hyper compliqué pour des universitaires, mais de plus en plus, des politistes le font. Donc, tant que ces questions-là restent posées, on ne peut parler que de quelles sont les quelles formes d'organisation, quelles sont les règles communes qu'on met en place pour créer des outils efficaces de participation citoyenne, que ces outils soient numériques ou pas. Mais moi, je ne parlerai que des outils numériques, parce que comme je vous ai dit au début, c'est de là où je parle. Alors, pour qu'une participation citoyenne marche, il faut que les outils qui l'organisent soient fabriqués dans une forme de participation citoyenne. WeSignIt, ou les nouveaux outils qu'on est en train de créer, on a déjà fait 6 hackathons pour voir qu'est-ce qui va marcher, c'est-à-dire on a co-créé, on est en train de co-penser les outils. On ne peut pas créer des outils offshore dans des lieux savants et dire aux citoyens, voilà comment maintenant vous avez un outil et l'outil à lui seul suffit. Parce que sur Internet, parce que souvent on nous dit ça, mais sur Internet, il suffirait de créer un joli outil efficace et ça va marcher. Sur Internet comme dans la vraie vie, dans la vie présentielle, parce que Internet c'est aussi la vraie vie, et s'il y a des gens qui contestent cela, je pourrais leur démontrer. Sur Internet ou comme dans le présentiel, le but de la participation citoyenne, c'est de faire venir des citoyens sur l'outil. Eh bien, sur Internet comme ailleurs, si on fabrique un outil et qu'on ne fabrique pas des façons de faire venir des citoyens pour y participer, ça ne marchera pas. Donc ça ne sert à rien de créer un outil savant, ça ne sert à rien de faire des affiches 4 sur 4 et de les afficher partout pour dire qu'on a créé un outil, ça ne sert à rien de faire un joli communiqué de presse et une conférence de presse où on va réunir des journalistes spécialistes de tel ou tel sujet, si on n'a pas fabriqué les moyens pour que les citoyens, quels qu'ils et elles soient, puissent participer efficacement. Et le député Orphelin disait tout à l'heure, dans les réflexions sur la Constitution, moi, il y a dans leur conclusion, la conclusion de la députée Forteza, c'est première remarque, remarque liminaire, j'ai lu cette phrase et ça m'a choqué. C'est cette réforme donc, de la Constitution et de la participation citoyenne coûtera rien à l'État. Mais vous rigolez ou quoi? Comment est-ce qu'on peut organiser la participation des citoyens? WeSignIt, 5 millions d'utilisateurs, 4 en France, 6 ans de travail en plein temps pour moi, et je vous rappelle que je suis délégué général bénévole de l'association qui dirige la plateforme. Nous avons investi à peu près 200 000 euros, et c'est parce qu'on est en mode route. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas payé pour mon travail, je travaille ailleurs pour le faire, et on m'explique que la République française veut organiser la participation citoyenne. Et que tout ça, ça va coûter zéro. Soit c'est une blague pour nous autres issus de la société civile non organisée et donc non représentée, peut-être même non représentable. J'assume ce que j'ai dit là, non représentable, parce que peut-être qu'un certain nombre d'entre nous ne voulons pas, quel que soit, pour répondre à votre question, quelle que soit la réforme qu'on fera de ce lieu, nous ne voulons pas y être, nous ne voulons pas y être représenté parce qu'on ne se trouve pas utile là-dedans, on se trouve plutôt utile à l'extérieur. Et donc comment les gens qui se mobilisent sur WeSignIt interpellent le gouvernement ou interpellent le CESE? On n'a pas besoin d'organiser ça ici. Les gens, ils s'organisent tout seuls, ils sont respectables et totalement intelligents. S'ils veulent interpeller le professeur Blondieu, ne vous inquiétez pas, ils savent le trouver. Parce qu'en deux clics, ils peuvent le trouver. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la question principale, c'est quels sont les outils? Comment ces outils-là sont rétrocédables? Comment la propriété de ces outils-là qu'on va fabriquer? Quelles sont les règles qu'on fixe en commune?
quelles sont les règles de l'État, de la République française, pour que ces outils-là puissent être utilisés par la majorité de nos concitoyens. Si on ne répond pas à cette question, pour moi, quel que soit l'outil qu'on fabrique, ça sera un joujou de plus, mais qui ne permettra certainement pas la participation citoyenne. Et pour finir, si on ne met pas un compte bancaire en face, on ne fait pas démocratie. La démocratie, ça coûte cher. Une élection, ça coûte cher. Une campagne, ça coûte cher. Une participation citoyenne, ça coûte cher. En moyenne, nous, sur les campagnes, on compte à peu près 1 euro par citoyen qui participe à une campagne. Ça nous coûte 1 euro, rien que d'hébergement, par citoyen qui participe à nos campagnes. Ça nous coûte 1 euro. Et si l'État français pense que ça ne lui coûtera rien, ben, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là, parce que techniquement, ça ne va pas être possible. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Loïc Blondiot, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que c'est un sujet sur lequel on a un peu travaillé avec Sinopia, et cette problématique effectivement des pétitions et de comment, au bout du compte, on les héberge, est-ce qu'on les héberge, est-ce qu'on les organise, est-ce qu'on les canalise, est-ce qu'il faut un outil unique, est-ce qu'il faut plein d'outils. En tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est que, quels que soient les outils, lorsque des questions sont posées, il y a des réponses. Voilà. Et quand il y a des propositions qui sont faites, qu'on puisse s'assurer qu'elles arrivent sur les bons bureaux pour qu'elles soient utiles. Si on s'inspire de ce que font les Britanniques, pas trop mal, bon, il faut creuser un peu, mais sur le site du Parlement britannique, vous avez un système de pétition qui permet aux citoyens de pétitionner. Alors il faut s'identifier, hein. Un petit robot russe ne peut pas le faire, ce qui est plutôt bien, et on ne peut pas le faire plusieurs fois, ce qui est bien aussi, comme ça on compte vraiment. Et lorsque vous avez une bonne question, bah vous la formulez, elle est mise effectivement en phase de soutien. Et lorsque vous mobilisez 10 000 personnes, vous obtenez une réponse du gouvernement. Et lorsque vous avez 100 000 personnes qui se réunissent sur une problématique, une cause, vous provoquez un débat à la Chambre des communes. Bon, c'est une manière effectivement d'assurer effectivement un meilleur travail de lien entre les citoyens et leurs représentants. Et ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup insisté ici dans le cadre du rapport qu'on avait fait pour la réforme du CESE. On a le sentiment qu'un certain nombre de choses ont été prises en considération. L'enjeu qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la question des seuils. On a encore le sentiment que les seuils sont trop hauts et qu'avant que véritablement on ait la garantie d'une réponse, il faudra toujours mobiliser 400 000 ou 500 000 personnes, ce qui est quand même beaucoup. Le deuxième point qui nous paraît très important également, un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, il y a eu une évocation dans la première table ronde sur la question des jurys, en fait c'est finalement autour de l'objectivité, arriver à ramener de l'objectivité dans le débat public. Parce que c'est vrai qu'il y a une suspicion, sans doute pas fondée, pour l'essentiel pas légitime, mais quand ça vient des pouvoirs publics et a fortiori des politiques, on a un doute sur la qualité, sur la sincérité. Or, quand c'est une décision de justice, si on s'inspire à ce qui se passe dans le domaine de la justice, et notamment la justice d'assises avec des jurys, il y a assez peu de contestations. Il peut y avoir des doutes quand vous avez une cour de justice qui condamne un parlementaire qui a menti devant la représentation nationale à une peine de prison qui fait qu'il n'ira pas en prison, ou quand un ancien grand commissaire, un ancien grand flic, finalement, lui, est condamné à une peine de prison et risque d'aller en prison. On peut se demander si la justice a parfaitement été rendue. On peut douter. C'est dommage, d'ailleurs, qu'on doute, parce que si on avait fait mobiliser des jurys citoyens pour ces types de problématiques, peut-être qu'effectivement, les jurys auraient été plus équilibrés ou plus justes dans leurs sanctions. Et donc, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'à un moment donné, on peut se servir des citoyens pour objectiver des grandes questions qui font débat et sur lesquelles on a le sentiment qu'on n'y voit pas très clair. Et parmi les propositions qu'on a formulées, on avait dit qu'il faut créer des assemblées consultatives citoyennes à partir de citoyens tirés au sort, pourquoi pas à partir d'un panel de citoyens qui seraient mobilisés, qu'on pourrait identifier par le biais justement d'un site où quelques centaines de milliers de Français, un million de Français pourraient dire « moi je suis intéressé, si un jour vous m'appelez je viendrai et je m'engage à siéger un jour, deux jours par semaine pendant une période déterminée pour étudier avec un groupe de citoyens, 15, 20, 25, alors pourquoi pas hébergé par le CESE, pourquoi pas avec quelques membres du CESE également, de façon à ce que voilà, on étudie un projet, un problème. Le glyphosate, la condition de vie animale, plein de sujets sur lesquels on ne sait pas bien s'il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'au bout du compte, bon, on voit bien ce qui a été décidé, mais est-ce qu'il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, on avait une vision claire de ce qu'il fallait faire ou pas ? Est-ce qu'il fallait le faire ou pas le faire, cet aéroport ? Est-ce que le glyphosate, au bout du compte, quand on part des réalités, est-ce qu'on n'a pas finalement pris la bonne décision ? Mais on a un doute, parce que c'est la décision
du pouvoir public, des pouvoirs publics, et sur lesquels aujourd'hui il y a quand même une méfiance, voire une défiance. Et donc des jurys citoyens qui, pendant 3 mois, 6 mois, comptaient de 1 jour ou 2 jours par semaine, étudieraient un dossier avec les experts, les sachants, les tenants du pour, les tenants du contre, et qui au bout du compte rendraient un avis en disant, écoutez, nous, en notre âme et conscience, comme un jury d'assises, on a étudié telle question, eh bien il nous semble qu'il vaudrait mieux aller par là ou par là. Notre avis maintenant, les pouvoirs publics, le législateur en fera ce qu'il en voudra, mais ça pourrait effectivement apporter un véritable plus à la qualité de la restauration du lien, donc c'est ce que j'appelais l'apport d'objectivité dans la décision publique, parce que c'est un sujet absolument fondamental, de notre point de vue en tout cas. Voilà, je m'arrête pour ma petite intervention. Je passe maintenant la parole à l'un des plus brillants spécialistes des questions, effectivement, de démocratie participative, concertative. Enfin, on peut énumérer toutes ces formes de démocratie sur lesquelles vous travaillez. Cher Loïc Blondiaux, donc vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de la Sorbonne. Vous êtes un spécialiste de l'ingénierie de la concertation, puisque vous avez, je crois, un master dans ce domaine. Vous dirigez également la publication, la revue de sciences sociales sur la citoyenneté et la démocratie. Vous participez également, vous présidez le conseil scientifique du GIS, Participation, Décision, Démocratie Participative, qui est une organe du CNRS. Et puis vous êtes très impliqué également dans le conseil scientifique du programme Concertation, Décision, Environnement. Enfin, et puis plein d'autres choses. Et puis tout le monde vous connaît de toute façon. Donc sur ces sujets de participation, on aimerait que vous nous indiquiez, voilà, de votre point de vue, quelles sont les conditions d'une bonne participation. Où est-ce que vous identifiez les obstacles? Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire bloc contre finalement la prise en compte d'une véritable parole citoyenne? Et puis vous avez quand même un thème, parce que la participation c'est une chose, mais la concertation est aussi un de vos dada, si je puis dire, et peut-être que vous pourriez nous en dire également un petit mot, et finalement quel équilibre trouver entre ces différentes formes de démocratie, outils de la démocratie moderne. Merci. Merci. Alors, il y a cette question effectivement des conditions, et puis il y a la question des obstacles. Je vais commencer par les obstacles, et après je vais dire quelques mots sur les conditions. Alors, pour parler des obstacles, il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui tout fait obstacle l'institutionnalisation réussie de la participation citoyenne. Tout fait obstacle. D'abord, il faut revenir évidemment à un contexte culturel, historique. La démocratie française, depuis la Révolution française, n'a jamais fait de la participation citoyenne un principe ou un objectif prioritaire. Nous avons une culture politique qui valorise l'autorité, qui valorise l'incarnation du pouvoir dans des individus qui sont à la tête des exécutifs locaux et nationaux, et qui aussi dévalorise le débat. Alors je vais revenir sur ce premier point, sur la question du débat, sur la question de ce que j'appelle la délibération démocratique, c'est-à-dire la discussion qui précède la décision. La délibération, ça n'est pas le moment de la décision, comme le pensent beaucoup de Français, c'est le processus qui amène à la décision, c'est la discussion inclusive qui produit la décision. Or, nous avons un problème aujourd'hui de délibération dans notre démocratie. Alors, traditionnel, hein, nous ne valorisons pas l'échange. L'échange est perçu comme un affrontement. Hein. Nous avons une vision très conflictuelle, très agonistique de la discussion, et nous ne savons pas cultiver l'art, finalement, de l'échange, et en particulier de l'écoute de l'autre. J'y reviendrai. Mais il y a un élément supplémentaire qui se greffe là-dessus. Aujourd'hui, il y a une idéologie qui domine la vie politique, et qui consiste à affirmer que la décision ne sert à rien, qu'elle n'est pas utile parce que finalement on connaît déjà la réponse, et aujourd'hui dans le type de gouvernement technocratique qui s'est imposé, qui s'est installé, il n'est pas nécessaire de discuter puisque les réponses sont déjà là. Les réponses sont données par plusieurs éléments. Elles sont données par la connaissance de l'économie, de la réalité économique. Elles sont données par des instruments
qui encadrent le processus de décision et qui le réduisent à rien. C'est-à-dire cette idée selon laquelle il faut nécessairement, quoi qu'il arrive, réduire les déficits, parvenir à un certain niveau de déficit, sont des choses qui coupent toute discussion. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui dans l'émergence et la consolidation de ce pouvoir technocratique fondé sur la science économique, c'est un rétrécissement des espaces de débat dans la société. Où débattons aujourd'hui des décisions les plus importantes ? Et je pense en particulier des décisions à caractère économique et social. Il n'y a plus de lieu d'espace de débat. Deuxième élément. Le contexte est défavorable. Pourquoi ? Parce que c'est le processus même de représentation des citoyens qui est remis en cause aujourd'hui, dans toutes ses dimensions. Cette idéologie de la décision qui s'est imposée, cette vision technocratique de la décision qui s'est imposée, elle attaque de front les corps intermédiaires. À quoi sert-il finalement ? Ils sont des obstacles, puisque nous savons où il faut aller. Nous savons ce qu'il faut réformer. À quoi sert-il de débattre avec les corps intermédiaires ? Ils sont en quelque sorte archaïques, parler avec eux prend du temps, et donc du coup, il y a un vrai problème aujourd'hui de délitement, de disqualification de ces corps intermédiaires, qui sont disqualifiés par les élites technocratiques, et qui sont remis en cause aussi par les citoyens, au sens où ils ont peut-être failli dans leur capacité à porter la parole des citoyens. Et donc il y a un vrai problème de représentation dans nos sociétés. La situation vers laquelle on s'achemine aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle les décisions principales sont prises dans des cénacles sur lesquels les citoyens n'ont plus aucune prise, entre individus cooptés, qui se sont cooptés, qui partagent une vision du monde et un certain nombre d'intérêts, et puis tout en bas, des plateformes de citoyens que l'on consulte de temps en temps, mais sans trop y croire, que l'on contrôle et que l'on observe surtout beaucoup, pour savoir si, par malheur, ils ne se mettaient pas à réagir. Et entre les deux, il n'y a plus rien. Et entre les deux, ce qui disparaît, c'est la représentation. Et en particulier la représentation politique, qui finalement, aujourd'hui, est sous l'influence de cette technocratie et de ses grands intérêts économiques, mais aussi la représentation de la société dans toutes ses dimensions. Et c'est ce cauchemar démocratique qui est en train de s'installer. Et c'est contre ce cauchemar démocratique que l'institutionnalisation de la participation citoyenne peut essayer d'aller. Et puis le troisième problème, le troisième obstacle, c'est un obstacle d'éducation. Par-delà toutes ces réalités, il y a le fait qu'aujourd'hui, notre système éducatif ne forme pas ni à la participation, ni à la délibération. Il ne forme pas à la coopération. Il ne forme pas à l'écoute de l'autre. À quoi il forme ? Il forme des élites à gouverner, très clairement. Il les sélectionne et il le fait très très bien. Et puis, il contribue à ancrer ceux qui n'ont pas réussi scolairement dans une position de défiance vis-à-vis des autorités, vis-à-vis d'eux-mêmes surtout. C'est-à-dire qu'ils font perdre à ceux qui ne se sentent pas suffisamment légitimes pour participer le sentiment qu'ils sont légitimes à participer. Donc nous avons un système éducatif hyper compétitif, hyper individualiste, constituer un obstacle majeur à la participation. Or, ce qui se passe dans le débat sur l'école aujourd'hui va dans le sens inverse de ce qu'il faudrait instaurer, va dans le sens d'une incitation à produire des individus de plus en plus performants, de plus en plus capables de gagner la guerre économique. Elle ne va absolument pas ni dans le respect des individus, ni dans elle ne va pas du tout dans la comment dire la bon peu importe mais là je
bloque. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose. Donc, les obstacles, ils sont innombrables, mais l'espoir que j'ai et qui fait que je continue à travailler sur ces démarches et ces dispositifs de démocratie participative, c'est que l'institutionnalisation de la participation va permettre... C'est-à-dire, on va mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on va faire participer les gens pour que, justement, ils acquièrent ces réflexes, ces compétences qui leur permettront de faire entendre leur voix et de participer au processus de décision. Ça, c'est les obstacles. Alors, le comment. Comment on peut faire ? Alors, d'abord, je ne ferai pas une entrée par les outils. Pour plein de raisons. Parce que ça n'est pas l'essentiel, les outils. Parce que tous les outils, on les a. Les outils de production de l'intelligence collective, les outils de consultation, les outils de délibération, de prise de décision en commun, on les a. Donc il n'y a pas un déficit d'outils. On sait à peu près comment faire participer les citoyens. Mais comme ça a été très bien dit, notamment par Baki à l'instant, il y a trois éléments qui sont indispensables. Premier élément, la volonté. Il faut, et ça n'est pas du tout une évidence au regard de ce que j'ai dit précédemment, que ceux qui organisent la participation aient véritablement envie qu'elle produise des effets, aient véritablement besoin qu'elle se mette en place, et un besoin qui serait d'autre nature qu'un simple besoin d'image, ou un besoin de communication, ou de légitimation. Ça n'est pas du tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils considèrent réellement que la parole citoyenne a une légitimité, a une importance. Or, le vrai problème aujourd'hui de la participation citoyenne, c'est que dans l'immense majorité des cas, ceux qui la mettent en place, alors on le dit très facilement, n'y croient pas, mais n'accordent aucune valeur à ce qu'ils recueillent. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a fait participer, eh ben, on s'est acquitté finalement de son devoir de participation, et ce qui est sorti de la participation n'interfère absolument plus avec le processus de décision. C'est comme si l'essentiel était fait. Deuxième besoin, c'est un besoin de crédibilité. C'est-à-dire qu'il faut rendre crédibles ces dispositifs. Alors cette crédibilité, elle ne peut pas se donner d'emblée. On ne peut pas... obliger les élus à prendre en compte la parole citoyenne. Mais il faut qu'à partir d'un certain moment, il y ait des éléments qui permettent aux yeux des citoyens de rendre crédibles ces démarches participatives. C'est-à-dire qu'il faut simplement qu'ils aient le sentiment que ça peut avoir un peu d'influence. C'est tout simple et c'est plus difficile à obtenir pour l'instant. C'est-à-dire que si on s'étonne que les citoyens ne participent pas dans les dispositifs locaux et nationaux qui leur sont adressés, c'est parce qu'ils n'ont pas le début du commencement de la preuve que cette participation a une influence. Et donc, comme ils ne sont pas idiots, comme personne n'est idiot, y a un vrai enjeu de crédibilité. Puis le troisième condition, et ça je ne fais que répéter ce qu'a dit Baki Youssoufou, c'est les moyens. Pas de participation sans moyens, pas de participation avec une simple plateforme qui tournerait comme ça et qui collecterait des opinions. Il faut des moyens en amont, il faut des moyens en aval. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui a été recueilli ? Comment on l'articule au processus de décision ? Eh bien, ça demande des gens, ça demande des compétences. Moi, je dirige à la Sorbonne un master d'ingénierie de la concertation uniquement pour ça. Ça ne s'improvise pas, la participation. Et donc, la participation à coût nul ou à coût constant, c'est, disons-le tout simplement, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Et donc, il faut mettre en place les moyens qui vont permettre d'utiliser les outils qui existent déjà. Mais vous voyez bien que le problème commence là. Si vous n'accordez aucune valeur autre que purement symbolique à ces démarches, vous n'avez aucune raison d'y mettre les moyens. Or, comme ça a été dit, la démocratie, ça coûte cher. Et on est prêt à mettre des moyens pour la démocratie représentative. Et en général, on est prêt à mettre aucun moyen à la démocratie participative, sauf si elle est utilisée comme un moyen de communication détourné, de communication politique. Où là, effectivement, on est prêt à mettre les moyens. Donc,
volonté, crédibilité, moyen. Si vous ne réunissez pas ces trois éléments, ça n'est même pas la peine de commencer à vous engager dans ce type de démarche. Donc la démocratie aurait un coût. Vaste question. Nous allons donc enchaîner avec le CESE, qui est d'un coût modeste au regard de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il faut le rappeler quand même. Vous êtes conseillère, donc, chère Agnès Popelin, au CESE. Vous y êtes au titre de France Nature Environnement et vous avez notamment travaillé sur un rapport dont vous étiez rapporteur sur les réseaux sociaux numériques, comment renforcer l'engagement citoyen, donc clairement une des questions qui nous est posée ce matin. Donc, de ce rapport, que pouvez-vous nous en dire? Quelles recommandations en étaient sorties? Quelles recommandations sont-elles reprises? Et puis, en tant que représentant d'une ONG, comment est-ce que vous voyez l'articulation, vous, entre la participation des citoyens et la société civile? Puisqu'en fait, à un moment donné, voilà, il y a, entre la société civile et puis la société civile organisée, il y a encore un fossé. Et c'est un des rôles du CESE d'essayer effectivement de le combler, et ainsi que des organisations qui représentent le CESE, les 70 organisations, quelque chose comme ça, et le rôle des ONG. Alors d'abord, je voulais rappeler aussi que je suis effectivement membre d'une association de protection de la nature et l'environnement, mais je suis aussi membre de la CNDP, dont Florent, on a entendu Florent, dont il est le vice-président, donc je participe aussi à l'instauration des débats publics, où je tente de participer à l'instauration des véritables débats publics au sein de la société. Et aussi que je ne suis pas le seul rapporteur, j'ai travaillé avec Gérard Aschieri sur ce rapport, et on ne peut pas oublier l'apport essentiel de Gérard Aschieri à cet avis et rapport du CESE sur les réseaux sociaux. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans les deux interventions précédentes de Loïc et de Bakis, c'est qu'effectivement, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les réseaux sociaux, ou tout ce dont on parle, ce ne sont que des outils pour les réseaux sociaux extrêmement récents. C'est la révolution technologique du web 2.0, donc on appelait ça la troisième révolution après celle de le moteur explosion ou la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et l'imprimerie, mais on n'est encore que dans un outil, et ce qu'il importe, c'est l'usage de cet outil, comme l'usage d'un simple couteau qui peut servir à découper une mangue ou à tuer son voisin. Donc il faut toujours appréhender les réseaux sociaux de cette façon. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer dans notre avis, c'est qu'il faut donc, pour utiliser cet outil, équiper les utilisateurs. Comment les équiper? Par un savoir-faire, un savoir d'usage, mais aussi équiper les fabricants et responsabiliser les fabricants de cet outil. Ceux qui inventent cet outil et ceux qui ne font que le développer. Donc, tout d'abord, il faut rappeler aussi que cet outil, dont on s'est esbaudi pendant de nombreuses années, les récents événements sur les fake news lors de l'élection présidentielle américaine, les récentes révélations sur Cambridge Analytica ont démontré que ces outils avaient aussi leurs faiblesses, leurs biais, leurs risques. Faiblesses, comme vous le savez, parce que nous laissons tous des traces, ces fameuses données, métadonnées qui peuvent être utilisées et que nous sommes, par l'utilisation de ces outils, devenus des marchandises, parce que nous laissons, dont on commercialise nos traces. D'autre part, les biais et risques qu'il importe aussi, c'est que ces outils sont effectivement utilisés d'abord par une certaine catégorie de la population. En général, ce sont des urbains, ce sont des personnes CSP+, et souvent, je suis désolée Baki, mais des blancs. Donc on n'est pas du tout dans la société inclusive que l'on cherche à nous vendre via les réseaux sociaux. Même si les réseaux sociaux, paradoxalement, permettent l'émergence d'une parole citoyenne qui avant était totalement occultée, puisqu'il y a des inventifs qui se sont emparés de ces outils pour faire entendre la voix, dont votre association, ou aussi Passons-nous, par exemple, qui s'est aussi invité dans le débat électoral présidentiel pour demander à ce qu'on entende la voix des exclus, de ceux qui ne peuvent jamais parler, notamment de ceux qui n'ont pas la citoyenneté française, donc qui ne peuvent pas voter. Outre ces exclus des réseaux sociaux, il y a aussi les biais et les risques qui font que
très souvent, on peut provoquer via les réseaux sociaux une espèce de chambre d'écho, que tout le monde a entendu parler, d'Antonio Casi le montre très très bien, c'est-à-dire qu'on ne parle qu'entre nous. Moi, je vais parler qu'avec les naturalistes, environnementalistes, et je vais être forcément à fond contre le nucléaire ou pour la préservation de la biodiversité, et les chasseurs ou la FNSEA seront en train de glorifier l'usage du glyphosate pour la FNSEA. Et donc là, on est dans la chambre d'écho et on se rassure soi-même avec ses propres positions sans écouter l'autre. Et donc, les réseaux sociaux peuvent aussi devenir un frein à la démocratie et à la discussion, à la confrontation d'idées. Il faut faire extrêmement attention à cela. Enfin, en dehors de ces biais et risques, c'est quand même un outil merveilleux que nous avons cessé de défendre avec Gérard Rasquier dans notre avis, puisqu'il permet ce qu'on appelle la coopération des liens faibles, c'est-à-dire exactement faire rencontrer des gens, multiplier les contacts pour devenir une force citoyenne qui puisse parler et interpeller. Avant, on manifestait par ses pieds. Maintenant, on peut manifester via les réseaux sociaux. Donc ça, et on peut aussi inventer de nouvelles pratiques ou des nouvelles formes de connaissances comme Wikipédia, que tout le monde connaît, qui est une pratique collaborative très intéressante. Mais les réseaux sociaux, l'essentiel, c'est de savoir les utiliser. Et pour cela, nous, c'est ce qu'on a préconisé dans votre rapport. On a axé sur trois. Nos préconisations ont été sur trois axes. Tout d'abord, il faut que effectivement, les pouvoirs publics, les agents territoriaux, l'administration et nous-mêmes, associations, ONG, etc., sachions utiliser ces réseaux sociaux, appréhendions ces outils, et qu'il y ait aussi des agents territoriaux qui puissent, dans toutes les mairies, dans toutes les administrations, être là pour faire l'interface entre un simple citoyen, un simple administré qui n'a pas accès à l'outil numérique, dont vous avez parlé, justement, ces exclus d'un outil numérique, et qu'ils puissent remplir, parce que nous, on a auditionné des personnes, les migrants, quand ils arrivent en France, il y a une chose qu'ils ont, ils ont rien. Ils ont juste quelque chose, c'est leur portable. Leur portable permet de rester en lien avec leur famille, qui sont restées au pays, et leur portable leur permet de faire les démarches pour pouvoir être accueillis dans le pays. Bon, mais le problème, c'est qu'ils ont aussi besoin de parler la langue. Il faut donc, pour tous les exclus, toujours des agents intermédiaires qui leur permettent de faire le lien avec cette administration ou toute démarche. Donc ça, c'est très important, c'est l'acculturation à tous les niveaux. Deuxième, et ça, Loïc l'a bien souligné, c'est l'éducation. L'éducation, aussi bien l'éducation, comme tu l'as dit, dans les écoles et collèges et lycées, mais l'éducation tout au long de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un outil très évolutif. Très vite, on est largué. Hein. Surtout, moi, personnellement, je n'ai pas les mêmes outils sur les réseaux sociaux que mes enfants. J'ai une catégorie à 55 ans qui fait que je suis une vieille, je tweete et je Facebook, mais je Snapchat pas. Voilà. Et donc, il faut tout au long de la vie, et notamment tout au long de la vie professionnelle, former l'ensemble des Français et des citoyens à cet usage des réseaux sociaux. Et pour cela, il ne faut pas oublier toujours les exclus. Ce qui nous a frappé, c'est que, justement, au nom de la réduction des coûts et des déficits, on est en train de fermer ce qu'on appelle les espaces publics numériques en province. À Paris, puisqu'il y a la Wi-Fi, il n'y a plus d'espace public numérique. Si bien que ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se doter d'un ordinateur, de se payer une connexion Internet par un portable, n'ont pas accès au numérique. Donc avant de promouvoir le numérique, il faut déjà prévoir une couverture géographique sur l'ensemble du territoire et aussi lutter contre la fracture numérique, c'est-à-dire lutter pour qu'il n'y ait pas d'exclus du numérique. Donc ces espaces publics numériques, pour nous, avec Gérard, c'est déjà un des premiers leviers pour maintenir ce lien et maintenir cette démocratie de proximité. Enfin, troisièmement, il faut aussi responsabiliser les plateformes. Donc déjà, sur la gestion de nos données, il y a le RGPD maintenant, mais enfin, on sait que tout le monde sait que maintenant, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc il faut extrêmement faire attention à l'utilisation, à la responsabilisation des plateformes et surtout à ces fameux algorithmes qu'utilisent tous ces réseaux sociaux qui font que vos tweets ou vos posts apparaissent, vous savez bien, sur votre fil d'actualité, vous avez une organisation et c'est eux qui agrègent et qui décident quelle importance, qu'est-ce qui arrive au premier rang de votre fil d'actualité.
Donc il faudrait beaucoup plus de transparence de la part des plateformes sur ces algorithmes. Il faudrait aussi également que nous puissions tous, nous, en tant que citoyens engagés, quand nous intervenons sur les réseaux sociaux, pouvoir signaler facilement avec un bouton aisément identifiable et si possible qu'il soit commun à toutes ces plateformes, signaler les tweets dangereux, les tweets insultants, les tweets harcelants, les tweets racistes, etc. Il n'y a pas de bouton aisément identifiable parce qu'ils ne sont pas communs. Il faudrait aussi, ces plateformes, et on le voit bien avec Cambridge Analytica et ce qu'essaye de faire Mark Zuckerberg, ils sont extrêmement sensibles à leur réputation. Il faut donc, au lieu d'essayer, on n'arrivera jamais à faire une gouvernance mondiale des réseaux sociaux, parce que je vous rappelle aussi qu'il y a les réseaux sociaux américains, mais il y a aussi les réseaux sociaux chinois, qui sont en train de débarquer et devenir les majors des réseaux sociaux et de l'activité numérique dans le monde. Il faudrait aussi maintenant que nous préconisons à ce que les citoyens, les associations, les spécialistes comme le CNIL, etc., la CNIL, le Conseil national du numérique, pardon, oui, il y a les vôtres aussi, puissent travailler ensemble à élaborer une charte de bonne conduite des réseaux sociaux. Et qu'ensuite, on évalue par un rapport, qui peut être fait par la CNIL, par je ne sais pas quel organisme qui existe déjà, un rapport sur le bon fonctionnement et le respect de ces bonnes pratiques des réseaux sociaux. Ce rapport permettrait de signaler que Twitter, Facebook ou un réseau social chinois ne respecte pas les bonnes pratiques. Et je peux vous dire que ça marcherait beaucoup mieux que d'essayer d'organiser une gouvernance mondiale sur les réseaux sociaux. Enfin, vous m'avez demandé ce que c'est que l'articulation CESE participation citoyenne. Ben moi, je suis très mal placée pour en parler parce que, d'abord, je me considère comme une citoyenne engagée. C'est pour ça que je siège au CESE. Donc, il ne faudrait pas opposer CESE et simple citoyen, puisque je vous rappelle qu'on nous dit qu'on nous reproche de ne pas assez travailler, parce qu'on est là que deux fois par semaine, voire trois fois par semaine. Mais ça nous permet aussi de garder un plein pied dans la vie, parce que en dehors de nos activités au CESE, je peux vous dire qu'on est en général des professionnels, on est des militants dans une organisation, donc on travaille aussi le week-end, le soir et dans la journée. Donc on a déjà cette double casquette. Et Mathieu Arfelin, je trouve, a été très pertinent quand il a dit qu'il serait dommage d'oublier ce rôle essentiel du CESE, qui est la représentation de la société civile organisée, comme tu le dis, Loïc, qui est de plus en plus est mise à mal. C'est-à-dire que, à mon humble avis, là je parle au nom de France Nature Environnement, qui sont pourtant, et on a été les premiers à promouvoir le dialogue d'environnement, le dialogue de Grenelle, enfin le Grenelle de l'environnement, donc on a été les co-auteurs sur le Grenelle de l'environnement, et cette idée de participer en permanence. Il ne faut pas aussi que la participation, trop de participation citoyenne, risque de tuer la participation. Il faut faire extrêmement attention parce que, effectivement, si on participe à tort et à travers et qu'on ne tient pas compte de ce que demandent, ce qu'expriment les citoyens dans leur participation, ça ne sert à rien. Vous aurez autant une lassitude que ceux qui disent maintenant à quoi ça sert de déposer un bulletin de vote. Donc l'essentiel d'abord, c'est d'assurer le suivi, comme nous l'avons tous dit, de ce qui est émis, ce qui est exprimé par tous ces outils de participation citoyenne. Et la société civile organisée, c'est à nous ensuite de relayer et de nous en faire soit de produire un avis en étant saisi par une pétition qui émet sur les réseaux numériques, ce qu'on avait promu et ce qui a tout de suite fait déjà est appliqué au sein du CESE, c'est-à-dire qu'on a été saisi sur la fin de vie. Et moi, personnellement, en tant qu'AFNE, si vous voulez, on ne s'est jamais interrogé sur la fin de vie et quelle positionnement nous avions sur la fin de vie. Donc moi-même, quand j'ai travaillé à la commission temporaire sur la fin de vie, j'étais très très mal, parce que j'ai promu que le CESE se saisisse via les pétitions citoyennes ou via tous les thématiques de société qui fleurissent sur les réseaux sociaux, qu'on soit saisi ou des autosaisines pour émettre un avis sur un sujet de société, un débat de sociétal, et en même temps, je n'avais pas le mandat de FNE pour prendre un positionnement. Donc j'ai pris un positionnement personnel, comme d'autres organisations. Donc vous voyez, il y a un moment où je pense que Mathieu Arfelin a eu raison de dire, laissons au CESE son rôle de représentant de la société civile organisée, où nous essayons de promouvoir le consensus et d'arriver à une décision
mûrir avec tous les représentants de la société organisée à l'aune, et ça c'est très important effectivement, à l'aune du long terme. Il faut que le CESE réfléchisse, effectivement en participant, en faisant participer des citoyens, aux enjeux du futur. Parce que, comme a dit Loïc, moi à la CNDP, si vous voulez, quand je vois un maître d'ouvrage, il m'explique que tel projet va produire tant d'emplois, va produire tant de chiffres d'activité économique, et j'ai un souci, c'est qu'on ne me dit jamais, comme sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, comme sur la Montagne d'Or, quel coût, quel enjeu sur le climat, quel enjeu sur la biodiversité, cela, et donc quel enjeu sur l'avenir même de la nature, de l'être humain, cela va produire. Et c'est là où le CESE aurait son rôle, c'est effectivement se prononcer à l'aune de tous ces, de tous ces enjeux du futur pour éclairer la démocratie représentative, d'ailleurs, donc le Parlement. Merci beaucoup. Effectivement, le CESE en tant que chambre du futur, chambre du long terme, vraie question en tout cas qui pose également celle de l'État stratège, parce que pour voir loin, il faut savoir déjà voir. Nous allons revenir au Sénat. Avec le sénateur Henri Cabanel. Vous êtes donc sénateur depuis 2014. Vous n'êtes pas le fruit d'une génération spontanée récemment élue. Vous avez un passé politique. Vous avez été conseiller général de votre canton, vice-président du conseil général donc de l'Hérault. Au Sénat, vous êtes au sein de la commission, vous siégez au sein de la commission des affaires économiques et de la délégation aux entreprises. Et vous êtes très impliqué sur les questions de démocratie représentative puisque vous avez présidé au Sénat une mission d'information donc sur la démocratie représentative, participative et paritaire. Avec une question, c'était comment décider avec efficacité et légitimité en France en 2017. Vous allez nous en parler parce que je pense que ça vient très bien éclairer notre débat. Et puis vous avez également travaillé avec Parlement et citoyens. Donc là aussi, c'est intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Et puis, en filigrane de tout ça, moi, j'aimerais que vous mettiez en fait un peu en lumière la question de la légitimité, puisqu'en fait, derrière toutes ces questions de problématiques de représentation, se pose comme la question de la confiance et donc de la légitimité de ceux qui nous représentent. Il y a quelques tensions entre efficacité politique et légitimité. Merci, monsieur le sénateur. Bien, merci en tout cas de m'avoir invité à ce débat. Preuve s'il en est que même au niveau des élus qui participent aussi aux tables rondes, ils ont bien pris conscience qu'il fallait que certainement ils évoluent dans la façon qu'il fallait pour faire de la politique. Je vais rebondir de suite sur ce que madame vient de dire à l'instant par rapport à son engagement dans le CESE. Et vous disiez, je suis une citoyenne engagée, c'est pour ça que je m'investis dans le CESE. Moi, je vais vous répondre que je suis un citoyen engagé. C'est pour ça que je me suis engagé dans la politique. Et je suis arrivé où je suis arrivé, non pas par une volonté qui m'aurait permis d'envisager cette construction de carrière politique, mais par opportunité, car je me bats souvent dans les... élèves des écoles, des collèges que je vais voir régulièrement tous les mois, quand ils me disent « Mais quel est votre métier de sénateur ?» Je me bats sur ce terme parce que la politique, c'est pas un métier, c'est un engagement. Et que pour en revenir sur le fond du problème de la démocratie et quelle démocratie nous voulons, moi qui suis engagé politiquement depuis quelques temps, je condamne aujourd'hui, comme par le passé, et c'est d'ailleurs, ça a été mon combat à l'interne, je combats et je condamne donc ce que font les partis politiques aujourd'hui, quels qu'ils soient. Car les partis politiques aujourd'hui, comme hier, sont devenus et sont des machines électorales pour gagner des élections. Et ils en ont oublié quelles étaient l'origine des partis. C'est d'avoir des pensées, de faire des propositions sur un idéal de société. Donc on a construit des partis avec des professionnels de la politique qui ont oublié l'intérêt général d'un idéal de société, mais qui ont très bien compris le combat qu'ils devaient mener pour être réélus. Donc on est dans cet état d'esprit, ce qui fait que nous avons perdu la confiance des citoyens. Voilà. Et qu'au fur et à mesure donc, des scrutins électoraux, on s'aperçoit qu'au-delà de la confiance perdue,
il y a un désengagement des citoyens à participer puisqu'il y a de plus en plus d'abstention. Et là aussi, il faut que vraiment on se pose la question. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis engagé dans cette mission au niveau du Sénat sur la démocratie représentative, participative et paritaire. Et je voudrais répondre à madame sur les 150 auditions que nous avons faites, que ce soit à travers donc des associations citoyennes, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau des philosophes, que ce soit au niveau des professeurs de sciences politiques, puisque nous avons auditionné M. Blondiot. Personne n'a remis en cause la démocratie représentative, qui est le socle de notre démocratie, parce qu'in fine, il faut des femmes et des hommes qui vont prendre la responsabilité de décider la loi et de prendre donc une position. Par contre, il faut évoluer avec notre société, et aujourd'hui, en tout cas moi, parce que je le dis avec beaucoup de franchise, je ne pense pas que tous les élus soient dans la même logique que la mienne, on a bien compris, et on est même quelques-uns, heureusement, que au-delà du scrutin donc universel, où les citoyens font confiance pour un mandat, il n'en demeure pas moins que l'élu doit rendre compte et effectivement doit s'appuyer aussi sur la volonté d'écouter les citoyens au plus près. Et c'est vrai que dans ce que vous avez dit, madame, avec les dangers de la démocratie participative, et je ne l'ai pas dit, mais mon vrai métier, le seul métier que j'exerce avec les difficultés que ça peut engendrer en étant élu, et notamment élu national, je suis agriculteur, viticulteur. Et je ne peux pas m'empêcher, par rapport aux dangers que vous avez évoqués, puisque ça a été repris à plusieurs fois, et par vous aussi, monsieur, dans un débat qui anime souvent les hémicycles et qui va animer l'hémicycle du Sénat le 26 juin prochain. Juste un exemple sur le glyphosate. Quel parlementaire n'assumerait pas sa responsabilité par rapport donc à notre Constitution, où il est inscrit dans notre Constitution le principe de précaution, d'être contre le glyphosate? Sauf que la question telle qu'elle est posée, on en oublie tous les enjeux. Les enjeux réels du glyphosate, où on montre du doigt l'agriculteur, qui est quand même la première victime, les enjeux ne sont pas appréhendés par tout le monde. C'est là le problème, et c'est là le danger. Car quand on veut interdire le glyphosate, en France, la responsabilité d'un législateur tel que je suis, c'est d'assurer la santé des Français. La question que l'on doit se poser, est-ce que si on interdit le glyphosate en France, on va assurer la sécurité des Français? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché mondialisé, et quand chacune et chacun d'entre vous ira à la boulangerie acheter une baguette de pain, à aucun moment il ne saura si le blé qui a été fait pour faire la farine de ce pain, il est français ou étranger. Donc, les enjeux avant tout, et c'est là le danger. Donc, dans la mission que j'ai présidée et les propositions que l'on a pu faire, c'est effectivement de faire comprendre, et c'est là que je me dis que c'est un peu frustrant, car tous ceux qui ont participé à cette mission ont bien compris l'intérêt de ce travail. Par contre, je suis convaincu et persuadé que sur les 925 parlementaires aujourd'hui en France, il n'y en a pas 100 qui l'ont lu. Hein ? Bon, voilà, entre parenthèses. Pour autant, dans les propositions que l'on fait, c'est effectivement développer les outils de démocratie participative, mais comme ça a été dit souvent par ceux qui m'ont précédé, ce qui est important, c'est éduquer les gens à se servir de ces outils et surtout de leur donner l'accessibilité, hein, c'est-à-dire de les former et de les informer sur les vrais enjeux, les vraies questions. Et ça aussi, c'est dans la culture
que ce soit au niveau de la culture politique ou au niveau de la culture des citoyens, il y a beaucoup de chemin à faire et à parcourir. Et moi, je suis convaincu qu'on est dans une période de transition, que ça mettra du temps, mais que ça viendra au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que dans une autre des propositions, ce que nous voulons, c'est avoir recours le plus souvent possible donc au référendum local. Parce que nous sommes persuadés que la démocratie participative, elle aura du mal de venir d'en haut vers le bas, et elle aura plus de facilité de partir du bas vers le haut. Et donc au départ, comme disait madame, dans les collectivités locales, il sera beaucoup plus facile de sensibiliser le citoyen à la démocratie participative, me semble-t-il. Même si il faut aussi, et nous le proposons, à travers donc des plateformes citoyennes, comme il y en a de nombreuses. Donc moi j'ai choisi Parlement et citoyen, et par rapport à la question de madame, oui, dans les deux propositions de loi que j'ai pu réaliser avec un collègue parlementaire d'une autre sensibilité, écologiste, vous voyez qu'un agriculteur avec un écologiste, ça peut paraître impossible, et bien ça existe puisque moi j'en ai fait l'expérience. On a participé à Parlement et citoyens, car dans les propositions que nous faites, il est important que les parlementaires donc, utilisent un petit peu plus ces outils qui leur permettent à la fois d'avoir un petit peu plus de crédibilité par rapport donc, à leurs propositions de loi, mais aussi surtout d'avoir une autre vision que ceux qui ne pourraient être enfermés dans le microcosme qui est le leur, quand même, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est aussi important. Et puis, je ne sais pas, il a été question aussi de pétition. C'est vrai que le droit de pétition existe aujourd'hui, mais il faut savoir qu'au Sénat, par exemple, de 2007 à 2017, il y a eu 49 pétitions. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas une volonté de suivi de cette pétition. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que il y ait ce droit de pétition, mais quand il y a pétition, donc une volonté de suivi de pétition pour en parler si elle est suffisamment représentative par rapport donc aux pétitionnaires qui la signent, ou d'en parler en commission, ou d'ouvrir un débat dans l'hémicycle. Donc voilà, en gros, les quelques propositions que l'on fait. Et la volonté qui est la mienne, c'est de vouloir sensibiliser les élus, et je sais que ça sera long, et on l'a vu d'ailleurs, il y avait mon collègue Dallier qui n'est pas sur cette logique-là de participation, de démocratie participative, c'est de sensibiliser les élus à évoluer dans leurs pratiques. Car, oui, il l'a dit, au niveau local, peut-être c'est suffisamment fait, mais je crois qu'il faut aller au-delà, former aussi les élus, parce que ça me paraît essentiel, à cette volonté qu'ils doivent avoir de pratiquer la politique autrement, mais pour retrouver la confiance des citoyens, parce que c'est là le problème de notre démocratie, c'est la perte de confiance. Et c'est vrai que la confiance, elle ne se décrète pas par rapport à des lois, par rapport à des réformes. Elle se construit, voire elle se co-construit avec les citoyens. Donc il est important de le souligner. Merci monsieur le sénateur. On a bien compris effectivement qu'il y avait de gros obstacles, en tout cas de gros enjeux sur la véritable prise en compte de la parole citoyenne. Pardon, juste pour ajouter à ce qui a été dit, mais je voudrais vraiment que ça soit l'élu qui le dise. C'est vrai qu'il n'y a pas de démocratie participative, il n'y a pas de plateforme informatique numérique sans les moyens que l'on va lui attribuer. Et donc ça dépend strictement de la volonté politique. Nous sommes donc une fois de plus au cœur du sujet. Et s'il y a bien des objectifs à retenir, c'est qu'effectivement, il faut faire avec, mais il faut faire mieux. Il faut que ça participe vraiment d'une meilleure qualité démocratique. Il nous reste le temps pour deux petites questions. Ah oui, ça va, on va faire un choix. Alors, est-ce que quelqu'un peut envoyer un micro de manière, non pas à la manière d'une grenade, mais... Séverine, merci.
Alors, vous prenez la parole, s'il vous plaît, pour poser une question et pas faire une déclaration. Comme je l'ai fait précédemment. Oui, mais donc vous avez 30 secondes chacun et on fait 30 secondes de réponse parce que la troisième table ronde, sinon, on va être écrasé par le peu de temps qui reste. Juste une question pour Madame Poplin. Vous êtes engagée dans l'écologie ou la nature et l'environnement, c'est bien. Pourquoi avez-vous fait un rapport sur les réseaux sociaux en prétendant connaître le sujet, car je voulais simplement rectifier ce que vous aviez dit. Ce n'est pas l'éducation des citoyens qu'il faut faire, c'est l'éducation des élus et des élus territoriaux. Les citoyens sont devenus des experts amateurs, donc que prévoit le CESE très concrètement pour l'éducation des élus qui pour l'instant sont les principaux obstacles, les élus ruraux et voilà. C'est vraiment essentiel. Première question très courte, soyez vraiment gentils, pas plus de 30 secondes. Quid de ceux qui ne veulent pas participer, qui ne peuvent pas participer, et donc conséquemment, que deviendrait le mot démocratie ? Merci, c'était court, efficace. Juste une toute petite remarque sur les obstacles. On a beaucoup parlé des obstacles à l'institutionnalisation, à la prise en compte de la parole du citoyen. Je pense qu'il y a un gros obstacle qui est le temps. Et d'ailleurs, la preuve, là, c'est qu'on n'a pas le temps pour échanger. Et c'est le temps à consacrer à ce travail de démocratie, de débat. Et le débat, ça prend du temps. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, on va très vite. Et donc, remettre le temps long au cœur de l'institution aussi et de la parole des citoyens, c'est important. Redonner du temps au temps. Deux petites questions là-haut. Et après, on clôt. Désolé, c'est vrai que vous avez raison. Une question sur le tirage au sort, qui n'a pas encore été abordé. J'aurais aimé que l'on parle des jurys citoyens. Je pense que ce n'est pas exclusif de la démocratie représentative. On peut tout à fait, me semble-t-il, avoir à la fois des citoyens tirés au sort et des représentants élus qui travaillent ensemble. Et je pense aux jurys citoyens qui sont une institution qui fonctionne très bien ailleurs dans d'autres pays, mais qui pourrait fonctionner avec une voix impérative, alors qu'aujourd'hui, ça fait effet. Mais comment peut-on justement aller plus loin dans cette démocratie participative en repensant la question de l'élection des sénateurs ? Merci. Bon, alors le temps des réponses est venu. Madame, en tout cas, en ce qui concerne votre question sur les jurys citoyens, j'ai essayé d'être clair dans ce que je disais, puisque j'en ai parlé avec ce qu'on appelle les assemblées consultatives citoyennes, qui sont composées de jurys citoyens. Monsieur Blondiot, à vous. Trois réactions très rapides. Sur la question du temps, c'est effectivement un élément de notre contexte qui est surdéterminant, c'est qu'il y a une accélération, et que ceux qui ont le pouvoir jouent sur le facteur temps en obligeant systématiquement les parlementaires à aller plus vite, les citoyens dans les... Et effectivement, c'est un attribut du pouvoir aujourd'hui, la capacité à déterminer le temps. À leur décharge, eux-mêmes doivent réagir très souvent dans l'instant à des transformations ou à des éléments qu'ils ne contrôlent pas. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut démonter cette idéologie et réhabiliter l'idéologie sur laquelle est fondée la démocratie, qui est le fait que chaque décision doit avoir été débattue par tous ceux qu'elle concerne. Et il faut effectivement le temps du débat. Sur les jurys citoyens, oui, c'est un des outils multiples qui a produit des effets, mais effectivement, le vrai problème des jurys citoyens dans le contexte de la culture politique française, c'est que la distance entre le contexte de réception et l'instrument est telle que, en fait, elles produisent très peu d'effets. Alors, ouvrir un débat sur leur caractère impératif, sur leur caractère décisionnel, c'est un débat qui est effectivement important, mais moi je ne suis pas sûr que je souhaite que les jurys citoyens tirés au sort puissent avoir
droit de décider à la place de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que moi, d'un certain point de vue, si on me demande de comparer une assemblée représentative élue et un jury de citoyens tiré au sort, j'aurais plutôt tendance à confier mon destin à l'assemblée représentative élue. Donc on peut en discuter, mais qu'ils soient des éléments du processus de décision et qu'ils interviennent à titre consultatif, tout à fait. Dernière chose, tout à l'heure j'ai un peu passé sous silence deux éléments qui me paraissent importants. En parlant de représentation, il y a cet enjeu aujourd'hui de représentation de politique des citoyens. Il faut que les citoyens soient représentés, or ils ne le sont plus de la même façon qu'autrefois, et à bien des égards ils ne le sont plus. Mais il y a la représentation des problèmes et organiser la participation citoyenne, organiser la délibération préalable à la décision permet d'avoir une meilleure représentation. Mon collègue Bruno Latour parlerait cartographie des problèmes et des arguments qui peuvent être apportés comme solution à ces problèmes. Et puis dernier élément qui me paraît le plus important de tous, c'est la représentation des intérêts. Et aujourd'hui, dans notre démocratie, il y a deux types d'intérêts qui sont systématiquement sacrifiés, qui sont systématiquement contournés. C'est les intérêts des catégories populaires qui ne sont plus, elles, représentées, c'est-à-dire les intérêts des pauvres dans cette société. Elles n'ont plus de représentants suffisamment efficaces pour être entendus dans le débat politique. Or, ce qui est en train de se jouer, c'est que ceux qui ont les moyens, les riches, effectivement, sont capables, sont représentés et sont capables d'influencer la décision. Et puis le deuxième élément, et je m'en veux de pas en avoir parlé, c'est les intérêts de la nature, les intérêts de l'environnement. Il a été question là de la chambre du futur. J'ai co-signé ce bouquin qui essayait de penser ce que pourrait être une chambre du futur. Aujourd'hui, dans notre société, les intérêts économiques immédiats prévalent toujours sur les intérêts de la nature, même les intérêts immédiats de la nature. On n'est même plus question de parler du long terme. C'est aujourd'hui, tous les arbitrages se font au sacrifice de notre environnement commun et qui sont, ça a été dit, la condition de notre survie, d'accord, mais aussi la condition de la démocratie elle-même, parce que ça a été très bien dit tout à l'heure par Séverine, dans 5 ans, il est fort possible que du fait des dérèglements de notre environnement naturel et international, nous ne soyons plus là pour discuter de la démocratie, mais que nous soyons là pour soit pour résister à un pouvoir autoritaire, soit pour prendre des décisions autoritaire. Bon, chacun d'entre vous peut continuer à dire un petit mot, mais un peu plus court, s'il vous plaît. Rapide. Sur le temps, Luc Blondieu a déjà répondu, le temps, ça s'attribue et ça se prend aussi. Voilà. Et aujourd'hui, les outils, certains outils du numérique nous permettent aussi de conjuguer avec nos vies, de pouvoir participer à un débat, par exemple, en n'étant pas là. Et de pouvoir même voter. On a aujourd'hui les outils qui permettent de voter à une assemblée. Et aussi la question de comment on fait pour intégrer ceux et celles qui ne peuvent pas participer. Déjà, la démocratie représentative n'a pas traité cette question. Il y a toujours les gens qui ne peuvent pas participer à la démocratie représentative. Donc la participation ne le fait pas. Mais moi, la seule chose que j'ai dit, c'est qu'il faut considérer la participation sous forme de modèle prototypal. En gros, il faut faire des prototypes, il faut les remettre en question, il faut continuer le tirage au sort. Il faut mélanger plusieurs outils. Sinon, on n'y arrive pas, on ne va pas fabriquer un seul outil, et c'est le même sujet, on ne va pas fabriquer un seul mode de participation citoyenne. Il faut faire des prototypes qui seront mis en cause, et voilà. Oui, donc moi j'ai été interpellé par monsieur sur qu'il était très étonné qu'un sénateur parle de démocratie participative. Vous voyez, c'est une occasion manquée. Justement à travers la réforme constitutionnelle, de ne pas avoir appliqué la démocratie participative, parce que je pense que beaucoup de citoyens auraient pu avoir beaucoup de choses à dire, sachant que, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas oublier les enjeux dans la participation, parce que au niveau donc du suffrage universel indirect que vous avez cité, il faut faire la différence, bon, je suis sûr que vous la faites, entre les députés qui sont les représentants donc, des citoyens
et les sénateurs qui sont les représentants des territoires. Donc nous avons fait quelques propositions justement au niveau de mon groupe sur la réforme des constitutionnelles qui arrive, mais je crois que là c'est une occasion manquée justement de faire participer les gens. Cela ne m'empêche pas, au niveau donc de la façon dont je fais de la politique sur mon territoire, de faire de la démocratie participative. Car au quotidien, je ne prends jamais une décision dans un texte de loi sans auparavant en avoir pris, informé les élus de mon territoire et leur demander ce qu'ils en pensaient. Chaque fois, je fais un focus de la loi, je leur dis ce que ça va changer dans leur quotidien, ce que j'en pense, et en fonction de ce qu'il me faut remonter, c'est la décision que je prends. Et en fonction donc des thèmes développés, ben c'est le milieu économique, le milieu des citoyens, le milieu des élus. Donc je le fais au quotidien. Vous voyez que quand on veut, on peut. Alors je vais répondre. Alors tout d'abord, madame, effectivement, je ne suis qu'une pratiquante impénitente des réseaux sociaux et pas une spécialiste. Mais comme au CESE, aucun d'entre nous n'est vraiment spécialiste puisque... Non, justement, l'intérêt, c'est que nous sommes dans une section où il y avait une trentaine de membres, et c'est le fruit d'une collaboration à partir d'auditions, un peu de jus de cerveau aussi, un peu aussi de nuit à gratter à piloter sur l'ordinateur. Mais donc, Gérard et moi, nous nous revendiquons comme non spécialistes des réseaux sociaux, qui nous sommes acculturés et qui avons, avec bon sens et l'ensemble de la section, produit un avis et un rapport, que je vous invite à lire, parce que vous verrez justement que nous préconisons l'acculturation, l'outillage des élus ruraux, montagnards, tout ce que vous voulez, ou urbains, et aussi des administrés, et, je vous ai dit, des administrations. Donc, lisez notre rapport, parce que j'ai toujours eu... je craignais d'usurper en me disant, est-ce que nous disons des bêtises, mais heureusement, beaucoup de sociologues, qui sont notamment là, beaucoup de personnes que nous avons rencontrées, ou même Mounir Majoubi, qui était avant président du Conseil national du numérique, ont salué notre travail. Justement, pour répondre, au nom de Mounir Majoubi, mais nous avions préconisé dans notre avis, rapport, la défense de l'anonymat. C'est hyper important. Nous nous sommes opposés, dans notre avis, sur le fait que les lois qui visent à nous protéger du terrorisme risquaient justement, en voulant lever l'anonymat, à poser un problème sur la liberté d'opinion et sur l'usage d'Internet. Et donc, oui au pseudonyme, oui à l'anonymat. Tout en disant que, de temps en temps, effectivement, il y a ce qu'on appelle des portes dérobées qui permettent ensuite de lutter contre le terrorisme. Mais ce n'est pas en levant l'anonymat qu'on arrivera à juguler tous les, malheureusement, les actes que nous avons subis et que nous continuerons peut-être de subir. Troisième question, le temps long. Ben, moi, CNDP, je peux vous dire que le temps long, c'est un gros problème, parce qu'on veut tellement raccourcir le temps qu'on est en train de nous détricoter tout ce qui est droit de l'environnement, et notamment tout ce qui est consultation du public. Il y a Mme Chalopin qui est présidente de la Commission nationale de la CNCE, des commissaires enquêteurs. Il y a de moins en moins de volonté de faire des enquêtes publiques et de travailler depuis le débat public jusqu'à l'enquête publique. La question qui se pose juste, c'est quand est-ce qu'on débat vraiment de l'opportunité d'un projet ? Et souvent, on attend la fin de l'enquête publique pour qu'un pauvre commissaire enquêteur tout seul dise au bout de 10 ans, oui, NLGV est utile, ou un stade est utile. Donc, il faut un temps long, et il ne faut surtout pas détricoter tout ce qui a été construit par la Révolution française sur les enquêtes publiques et sur les débats publics. Merci beaucoup. Nous passons donc à la troisième table ronde. Bien, Madame Levade est là. Madame Levade, très bien. Enchantée. Ravi de vous rencontrer. Bien, écoutez, vous avez remarqué qu'on a un petit peu explosé les horaires, donc je vais être dans l'obligation de travailler en très haut débit, puisqu'on a beaucoup parlé de numérique et de réseaux sociaux, donc on va faire du très haut débit. Donc, Madame Levade, Monsieur Gelier... Et Luc. Donc, en quelques mots, je ne ferai pas une introduction très longue pour les raisons que je viens d'indiquer. Donc, les tables rondes qui ont été organisées aujourd'hui et qui ont la preuve en est avec le nombre de questions importantes que nous avons
ont suscité un véritable intérêt ont été globalement, si vous voulez, la première a été de se poser la question du pourquoi, la deuxième a été de se poser la question du comment, et en fait, la troisième, celle que j'ai le plaisir et l'honneur de modérer, va s'intéresser à la question de l'impact, de l'effet de ces questions, qui sont des questions extrêmement vastes, encore une fois, on l'a bien vu. Alors, question en amont, question en aval. Alors autant l'amont, c'est toujours quelque chose qu'on arrive à discerner, relativement bien. L'aval, bah, par définition, ça part dans le sable, c'est difficile à contrôler. En amont, quelles sont les implications d'une institutionnalisation de la parole citoyenne, et notamment pour le gouvernement, après saisine du CESE, bien entendu. Et en aval de cette saisine du CESE, comment réfléchir, comment intégrer cette participation citoyenne dans l'agenda parlementaire. Et enfin, troisième point, et vous voyez que ce ne sont pas des points simples, comment rendre compte de la parole citoyenne. Alors pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Levade, qui est juriste, constitutionnaliste, professeur en droit public, et bien connue, je crois. Dominique Gillier, qui est vice-président du Conseil économique, social et environnemental, et qui a des responsabilités également à la CFDT. Et puis, nous avions prévu à deux de nos amis députés, Bertrand Pancher et Cécile Untermeyer, de participer à cette réunion. Malheureusement, ils n'ont pas pu pour des raisons d'agenda. Et Luc Picot nous fait la gentillesse et l'amitié de bien vouloir intervenir au dernier moment. Mais il est écrit quelque part que les derniers seront les premiers, donc pas de problème. Donc, si vous voulez, je vais commencer par Dominique Gillier, parce que nous sommes chez vous, d'une certaine façon. Et donc, je me tourne vers vous. Et vous êtes vice-président du CESE. Et comment votre institution, en fait, conçoit son intégration, son implication dans le processus décisionnel, et notamment dans le processus législatif? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, dans la foulée, en tant que représentant d'un syndicat également, quel rôle souhaitez-vous vraiment pour le CESE ou le CESE, je ne sais jamais si on dit CESE ou CESE, dans le cadre des relations entre l'État et ce qu'on appelle les organisations de la société civile, en sachant, j'y reviendrai avec Anne Levade, mais la notion même de société civile, un petit côté performatif, il suffit de la désigner pour qu'elle existe, c'est ce que vous écrivez bien dans un article que j'ai lu avec passion et que j'ai trouvé passionnant vraiment. Mais tout d'abord, Dominique Gillier, vu le temps, je serais dans l'obligation de vous donner 6-7 minutes, c'est jouable? Je vais essayer. Bon, allez. Si vous passez à 8, je ne dirai rien. Ah ouais. Donc, puisque notre temps est un peu raccourci, je vais aller directement pour répondre à votre question, je vais directement à un sujet d'actualité qui est celui du projet de réforme constitutionnelle, parce qu'évidemment, l'idée d'une consultation systématique sur tous les projets de loi de ce que sera la chambre de la société civile nous a conduit à réfléchir à la manière dont on pourrait tenir cette place. Alors d'abord, nous, ce qui nous apparaît essentiel, c'est de conserver les spécificités de cette assemblée, c'est-à-dire sa légitimité qui nous vient des corps intermédiaires et des qualités particulières de ces corps intermédiaires, qui sont d'abord une expertise d'usage, parce qu'ils sont tous ancrés dans le quotidien, alors que ce soit le quotidien du travail, le quotidien des loisirs, le quotidien des problèmes de santé, etc. Donc ça, c'est une singularité qu'il faut absolument préserver. Et puis, ce sont des organisations qui ont cette capacité de porter la parole citoyenne, mais de le faire dans le cadre collectif qui est le leur. Et donc, il est également important que les corps intermédiaires, qui souvent portent la parole qui est émise à partir d'émotions et qui ont ce savoir-faire de transformation d'une parole d'émotion en proposition
Donc c'est pas le, on porte non seulement la parole brute à laquelle on donne de l'écho, mais surtout on lui donne des perspectives en faisant des propositions. Et donc il fallait essayer de préserver tout cela, confronté finalement au défi de rendre compatible un temps consultatif, bon, qui nécessite, surtout si on veut y intégrer de la consultation, de la participation, des délais suffisants, avec un temps législatif qui lui-même a ses contraintes de calendrier, et il serait inconcevable de faire une telle réforme si ça venait à entraver le temps législatif. Donc c'était ça un peu notre défi, et la réponse qu'on apporte à cette question, c'est de dire il faudra qu'en amont de la soumission et de la saisine de la future chambre sur un projet de loi, qu'on ait pu déjà préparer les questions qui vont être amenées à être traitées dans le cadre de ce projet de loi. Et donc on proposera, on y travaille en ce moment, des modalités qui nous permettent d'avoir une relation avec le gouvernement et avec le Parlement beaucoup plus constante, beaucoup mieux organisée, de façon à nous permettre de pré-traiter des questions sans encore connaître les projets de loi, pour qu'au moment où les projets de loi arriveront, bien, on puisse beaucoup plus rapidement traduire ça dans nos avis. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que le processus décisionnel, il passe par des lois, mais pas seulement. Et le Conseil, il a aussi cet grand avantage, d'abord qu'il se situe dans une chaîne de représentation des citoyens, qui est celle, depuis le niveau local, des comités économiques et sociaux et environnementaux régionaux, en passant par le niveau national avec le CESE, jusqu'au niveau européen avec le comité européen, et même au niveau international, puisqu'on a beaucoup de relations avec d'autres comités dans d'autres pays. Et donc ce processus, il est également large, parce que certes, il y a les lois, mais très fréquemment, dans nos avis, on s'adresse aussi aux collectivités territoriales. Et on s'adresse aussi aux partenaires sociaux. C'est très fréquent. Sur plein de sujets, on sait très bien que l'État n'est pas le seul à détenir des solutions qui intéressent les citoyens. Et donc cette dimension, il ne faut absolument pas la perdre dans la réforme. Elle se traduit notamment par la capacité de ce qu'on appelle, nous, les saisines d'initiative, c'est-à-dire l'auto-saisine du Conseil lui-même. Et il ne faut pas non plus perdre cette capacité des citoyens d'interpeller, et donc il va même falloir la renforcer, hein, d'interpeller le Conseil à travers les pétitions citoyennes, mais je n'aurai pas le temps de développer. Et sur l'aval, ce à quoi on a beaucoup réfléchi, c'est à la manière, parce qu'on faisait bien le constat de l'invisibilité du Conseil dans l'opinion, hein, c'est sur la manière de promouvoir nos avis et de construire une phase au-delà de l'avis pour faire vivre les propositions, pour les porter, alors certes auprès des décideurs, mais également auprès de l'opinion, et je vais y revenir pour, là très vite, mais pour répondre à votre deuxième question. Vous m'interrogez en tant que syndicaliste. Ce que j'attends, moi, du Conseil, alors c'est un peu plus personnel, là, hein, mais en la matière, c'est que déjà, il soit garant du respect, alors certes de la démocratie représentative, mais aussi de la démocratie sociale. On a mis des décennies dans ce pays à installer, et c'est loin encore d'être parfait, hein, des modalités de démocratie sociale qui associent donc les partenaires sociaux dans des processus de construction de normes. Et donc il faut préserver cet espace qui est aussi un espace de participation avec d'autres formes de représentation des citoyens. Donc ça, c'est déjà... Alors, à l'origine, dans un temps où la démocratie sociale n'était pas aussi instituée, elle ne bénéficiait pas de droits dont elle dispose aujourd'hui. Donc tout à fait, à l'origine, c'était quand même ça. Et donc, ça c'est un élément très important. Mais comme
corps intermédiaire, et c'est vrai d'un syndicat, mais je pense que c'est vrai de tous les corps intermédiaires, il faut qu'on puisse amplifier, être porteur des valeurs qui animent tous les acteurs de transformation sociétale, de progrès social. Et pour ça, notre assemblée est un levier extrêmement important. D'ailleurs, aujourd'hui, la loi nous invite à réaliser cette collaboration entre les corps intermédiaires et également cette collaboration avec les autres niveaux que j'évoquais, conseils régionaux, conseils européens. Et nous, derrière cette mission, l'intérêt qu'on y voit, c'est d'être des animateurs du débat public. Et d'être des animateurs dans un esprit un peu de ce qu'est encore, mais surtout de ce qu'était l'éducation populaire, c'est-à-dire de faire monter en qualité le débat public. Et ça procède aussi de la décision finale. Parce que moi, en tant que syndicaliste, j'ai toujours été confronté à cette difficulté, à partir d'une colère, d'une indignation, d'essayer alors de porter cette colère, cette indignation, mais de lui donner un débouché. Et donc, je crois que c'est vrai dans d'autres matières, peut-être moins intensément, mais dans d'autres matières, pour tous les corps intermédiaires. Et donc, notre contribution à la décision, elle se situe aussi à ce niveau-là, et tant en amont qu'en aval. J'évoquais la manière dont on pouvait porter nos avis. Il faudra que cette réforme, ça a été dit, mais je le répète, soit associée à des moyens nouveaux. Et en particulier, pour nous, il serait tout à fait important qu'on puisse avoir les moyens de se déplacer en province pour parler des avis, qu'on ait des moyens aussi audiovisuels, notamment qu'on ait accès à une chaîne publique pour valoriser un peu tout le travail qu'on fait. Et cette valorisation, ce n'est pas pour valoriser l'institution, c'est pour valoriser des éléments de débat qui ont tout à fait leur place dans l'opinion. J'ai essayé d'être concis. Merci en tout cas du temps que vous avez tout à fait respecté. Moi, j'ai retenu plusieurs choses de ce que vous avez dit, bien entendu, parce que c'était très riche comme intervention, très dense. Cette notion du passage de l'émotion à la formalisation, de la formalisation à la proposition, et ça, je crois qu'une juriste est particulièrement sensible à ce genre de choses. Et puis également, là aussi, ça interpelle la juriste, la décision, ce n'est pas seulement l'État, quoi, hein, c'est aussi autre chose. Alors, à Anne Levade, je disais tout à l'heure en introduction que j'avais lu, mais comme peut-être un grand nombre d'entre nous dans cette salle, votre papier dans l'Express, qui est un papier que je trouve particulièrement mordant et ironique, mais en vous connaissant un petit peu, cela ne m'étonne guère, mais tout à fait pertinent en même temps, et j'ai trouvé que c'était vraiment un papier passionnant. Alors, quelle conclusion, en fait, pourriez-vous tirer de cette transformation, ai-je envie de dire, ou quelle conclusion devrait-on plus tard en tirer dans le cadre de l'efficacité de la participation dans un processus décisionnel? Et puis également, donc, vous êtes constitutionnaliste, vous avez garanti un processus participatif de grande ampleur. Donc, quels sont les éléments de cette expérience que vous retenez? Vraiment, quelle expérience? Et puis, notamment au regard de ce qu'on appelle l'accountability, ce qu'on appelle l'implication citoyenne, l'empowerment, etc. Je vais répondre. Alors, ces questions, j'allais dire, relèvent de deux registres différents. Il y a le premier registre qui est objectif, ou aussi objectif qu'il peut l'être en tant que juriste. Le deuxième fait davantage écho à une expérience particulière, donc je dissocierai bien, bien clairement les deux. Sur le premier volet, je trouve que la réforme qui est annoncée est intéressante dans ce que disent les intentions. On nous propose une transformation, les choses sont dites ainsi, on dit même une forme de révolution du Conseil économique, social et environnemental. Dans une triple perspective. La première perspective, c'est celle que évoque le projet de loi constitutionnelle, c'est cette idée d'une démocratie plus représentative, responsable et efficace,
Les mots sont intéressants parce qu'évidemment, derrière l'idée de la transformation du Conseil économique, social et environnemental, j'ai été très sensible à ce que vous disiez, Monsieur le Président, il y a l'idée qu'il ne s'agit pas de renoncer à la démocratie représentative, mais qu'il s'agit effectivement d'introduire, je ne dis volontairement pas de faire participer pour qu'on ne se méprenne pas sur mes termes, mais d'introduire une valeur ajoutée à la prise de décision dans un modèle représentatif. Il y a ce qui n'est pas dit dans l'intitulé de la loi constitutionnelle, mais qui correspond de mon point de vue à la logique d'ensemble des réformes qui ont été engagées sur le plan institutionnel et politique depuis le début de ce quinquennat, c'est la volonté de rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions, et donc le modèle démocratique. Ça, c'est évidemment l'enjeu le plus délicat, parce que nous sommes, si j'ose dire, face à un château de cartes, c'est-à-dire que chaque carte peut faire dégringoler l'ensemble de l'édifice, et qu'on sait bien qu'il y a quelque chose qui s'est délité dans ce lien. Dans le cadre de la précédente table ronde, un mot a été utilisé qui, moi, est un mot que j'affectionne beaucoup, qui est ce terme de légitimité. Ça n'est pas une question juridique en tant que telle, mais elle est évidemment centrale. On peut avoir toutes les procédures juridiques que l'on veut, on peut avoir toutes les règles parfaitement régulières que l'on veut. Si le processus n'est plus accepté, s'il n'est plus légitime, eh bien, ça ne servira à rien parce qu'on discrédite, en quelque sorte, l'ensemble. Et de ce point de vue-là, quand on lit l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle, la transformation du CESE est présentée comme un moyen d'ouvrir les institutions aux citoyens. La formule est quand même assez étonnante si l'on y réfléchit, parce que dès lors qu'on est en démocratie, fût-elle représentative, ce qui reste malgré tout le système le plus efficace, les institutions sont ouvertes aux citoyens, à commencer bien sûr par le processus électif, qui est la première étape de la mise en œuvre de cette démocratie. Alors, ça m'amène à m'interroger, et c'est là peut-être que vous avez trouvé ma chronique un peu mordante, sur les arrière-pensées de cette réforme, la troisième dimension. Et c'est vrai que cette formule de société civile, qui est une formule, alors je fais attention aux mots que j'utilise, j'allais dire une espèce de mot valise, on ne l'a jamais autant utilisé, et comme tous les mots valises, il a cette particularité, ce mot, enfin cette expression de société civile a cette particularité que chacun y met ce qu'il veut bien entendre derrière la formule. Et que le Conseil d'État, consulté en amont du projet de loi constitutionnelle, le dit très bien, on ne sait pas bien ce que c'est. Il saisit l'objet avec une certaine prudence. Et d'ailleurs, il fait référence à ce qui n'est pas, de mon point de vue, l'élément majeur de restauration de la confiance entre les citoyens et la démocratie. Il fait référence à des définitions, et je le regrette, à des définitions européennes. Je ne regrette pas qu'il fasse référence à une définition européenne, je regrette que l'Europe ne soit plus un élément de lien entre citoyens et démocratie. Et il met même un élément dans cette définition qui n'a pas du tout été repris, mais comme vous avez présenté ma chronique comme caustique, je ne vais pas faillir à cette, pas si c'est réputation, mais enfin en tout cas à cette accroche. Il nous dit par exemple que la société civile, le Conseil d'État, c'est tout ce qui n'est pas l'État et les institutions. Donc évidemment, il évoque les corps intermédiaires, les organisations syndicales, représentatives, etc. Il parle bien sûr de la dimension environnementale, il parle aussi, par exemple, de la dimension religieuse. Donc on voit bien derrière tout cela qu'il y a quelque chose qui, alors, n'est pas les citoyens, au sens du peuple, au sens général du terme, qui est donc effectivement un système d'intermédiation, donc avec des corps intermédiaires. Donc de ce point de vue-là, me semble-t-il, l'affiche pour l'opinion, autre mot valise, est potentiellement un peu trompeuse. Si l'on pense que l'on ouvre aux citoyens, le citoyen peut imaginer qu'il va lui-même, le cas échéant, je ne sais pas s'il aura envie de le faire le moment venu, on évoquait les jurys populaires dans le cadre des assises, on sait bien que il y a un écart entre j'aimerais beaucoup y être et le jour où je suis tiré au sort, oulala, j'ai autre chose à faire. Mais tout ça, c'est la vie de la démocratie. Toujours est-il qu'il y a une dimension un peu trompeuse derrière cette idée que le peuple participerait directement, alors que ce seront les corps intermédiaires. Il n'est pas question de nier leur légitimité, mais ils ne sont pas le peuple. Et puis, derrière, il y a bien sûr, mais ça a été très bien évoqué précédemment, la question de la faisabilité de l'opération. Notamment si, comme c'est annoncé dans le projet de loi, on a une consultation systématique sur les projets de loi en matière économique, sociale et environnementale, c'est-à-dire grosso modo tous, quasiment tous, et que,
En plus, il y a cette gestion beaucoup plus serrée des pétitions, ça a été évoqué là aussi à d'autres reprises, tout en supposant que le conseil, pardon, que la chambre de la société civile, puisque c'est ainsi qu'elle sera dénommée, que la chambre de la société civile prépare le terrain en amont, en effectivement éclairant les institutions de décision sur les grands enjeux du futur, pour le dire autrement, sur la base d'une consultation publique. Donc moi, ma petite crainte, elle est que, d'ailleurs j'observe que c'est une partie de la réforme qui est très peu évoquée, curieusement. Normalement, c'est celle qui est l'ouverture aux citoyens et c'est celle dont personne ne parle. Ma petite crainte est donc que certains, cette question de la participation citoyenne suscite toujours beaucoup d'aspirations, soient déçus par le produit fini et qu'on ait du mal à mettre en œuvre concrètement, tel que chacun pourrait l'imaginer dans son esprit, cette participation à la prise de décision politique. Le problème étant, et j'étais très sensible là encore, ça a été évoqué à la fois par vous, Monsieur le Président, et également dans la table ronde, le problème étant évidemment que la société civile, dans sa conception la plus extensive, la plus diluée, c'est-à-dire chacun d'entre nous prenant part au débat public d'une manière ou d'une autre, eh bien, chacun est en général très attaché à l'importance de sa propre opinion, sans être forcément très soucieux de tenir compte de l'opinion de l'autre dans la construction de cette délibération. Et on sait bien que plus le cercle est large, plus la délibération est complexe, mais que plus on restreint le cercle, moins chacun de ceux du cercle élargi a le sentiment que sa propre opinion a été prise en considération. Mais ça, c'est un défi, j'allais dire, permanent, qui suppose beaucoup de pédagogie en amont et qui suppose aussi, forcément, un peu de renoncement de la part de chacun. Le risque étant que si l'on dit on ouvre les institutions aux citoyens, chacun pense que, eh bien, son opinion étant évidemment la meilleure, serait tout aussi délégitimée ou illégitime la décision qui n'en tiendrait pas compte in fine. Alors, de mon point de vue, c'est le point le plus important. Un mot sur l'expérience qui était la mienne, parce qu'on est vraiment dans un autre registre. Je pense évidemment que vous faites allusion à l'organisation de la primaire. D'abord, on est dans un tout autre registre parce que il s'agissait pas de décision publique en tant que telle, puisqu'il s'agissait pas du tout, évidemment, d'adopter une règle de droit ou de prendre une décision politique. On est dans un tout autre registre aussi parce que si je me réfère à ce que le Conseil d'État définit comme étant la société civile, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les institutions et l'État. Effectivement, la haute autorité que j'ai présidée n'était pas les institutions et l'État, mais nous n'avions pas vocation à nous substituer, entre guillemets, à des institutions ou à l'État. En réalité, la haute autorité était désignée pour accomplir un processus de sélection d'un candidat, pour organiser, plus exactement, un processus de sélection des candidats qui, antérieurement, dans le schéma classique, relevait des partis politiques. Donc, en fait, c'est davantage la question tout aussi centrale de la légitimité des partis politiques à désigner leurs candidats, question qui s'est posée à gauche, puis à gauche et à droite et au centre, et aussi sur les partis écologistes, etc., parce qu'on oublie qu'il y a eu plusieurs primaires en 2016. Donc on est là dans un schéma bien différent. Ma deuxième observation, c'est que tout le monde reconnaît que le processus a plutôt marché, quoi qu'il ait pu advenir par la suite, c'est que le sentiment que j'ai, c'est que ce processus ne fonctionne que s'il y a effectivement cristallisation de la confiance à un moment donné dans le processus. Et cette cristallisation de la confiance, elle résulte, pour ce qui a concerné ce processus, de la confiance des candidats, à partir du moment où les candidats n'ont pas remis en cause l'organisateur de la primaire, il n'y avait pas de difficulté. La confiance, et je les mets volontairement dans cet ordre chronologique, des électeurs, parce que si les candidats avaient remis en cause l'organisation du processus, les électeurs auraient eu des doutes. Donc effectivement, les candidats estimant que les choses se passaient bien, les électeurs ont suivi, et c'est ainsi que c'est devenu une opération en termes de participation très importante. Et puis, troisième élément, pour que tout cela se cristallise, bah, y a un facteur temporalité et chance, si j'ose dire. Je crois que le moment de la primaire était, alors c'est à double tranchant ce que je veux dire, il était bien choisi au moment où les gens avaient envie de choisir un candidat. La suite des événements a révélé que peut-être il n'était pas si bien choisi que ça, compte tenu de ce qui s'est passé ensuite, mais personne, je crois, ne pouvait raisonnablement le prévoir.
C'est surtout un an et demi de travail en amont. Alors certes avec des moyens très artisanaux, puisque la Haute Autorité était une association, mais nous avons lancé ce processus en juin 2015 avec une association constituée en novembre 2015. Donc c'est un très gros travail préparatoire pour une opération qui ensuite se déroule sur deux journées de scrutin. Sans débat public, c'est-à-dire il n'y a pas eu de débat sur le fond, soyons bien clairs. Il s'agissait simplement, entre guillemets, d'organiser une opération électorale. Ça n'a rien à voir avec une consultation sur ce que doit être le produit fini d'une décision, etc. Donc c'est pour ça que la comparaison est très discutable. Et un tout dernier élément, c'est qu'évidemment, cette participation, j'hésite entre citoyenne, élective, massive, 4,5 millions d'électeurs, a conduit par la suite à rendre tellement légitime le processus de désignation qu'il n'était plus possible, dans le contexte particulier que l'on a connu, de la remettre en cause. Et que seul le candidat désigné par ce processus aurait pu décider de mettre un terme à sa désignation, parce qu'effectivement, il y avait ce soutien des électeurs, donc c'est la contrepartie de la légitimité de l'opération, dans la mesure où le déroulement n'avait pas été contesté. Tout à fait. C'est très intéressant d'ailleurs cette comparaison d'une certaine façon entre des processus qui sont des processus de très, très vaste participation et un processus qui est, comme vous le dites très bien, qui est un processus à caractère électif, électoral plus exactement d'ailleurs. Et donc on voit bien les distinctions qu'il faut opérer à la fois en termes de droit bien entendu et puis en termes de pratique, alors, j'ai envie de dire de pratique citoyenne. Voilà. Alors Luc, Tu as la gentillesse de bien vouloir, au pied levé, remplacer Bertrand et Cécile Untermaier. Tu en as pas mal discuté avec eux, justement, c'est pour ça que tu es tout à fait apte à prendre la parole dans cette table ronde. Quelles auraient été, d'après tes informations, ce qu'auraient pu dire à la fois Cécile et Bertrand? Alors, merci, j'excuse les deux, Cécile Untermaier qui a été retenue à l'Assemblée et Bertrand Pancher qui a été retenu lui en circonscription. Alors je ne me prétendrai pas être leur porte-parole, ce qui serait leur faire injure, et puis ce qui serait fortement gênant. Je vais donc parler de ma position de direction de Décider Ensemble, et puis d'analyse depuis 6 ans de ces sujets-là. Par rapport à la question principale, quel est l'effet de la participation citoyenne dans le processus décisionnel, il y a 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est un glissement très important dans la société française sur le rapport à la décision, et notamment sur la question de l'intérêt général. On est pétri culturellement de cette notion d'intérêt général qui, je vais le résumer à la truelle, est une sorte de vérité dont la question c'est d'essayer de la découvrir, cette vérité. Certains considèrent qu'ils l'ont en possession, la haute fonction publique, certains l'ont par nature, les élus, et la question c'est donc de la révéler, cette vérité. C'est peut-être notre fond catholique qui fait que nous ayons cette culture de l'intérêt général. Et moi je constate qu'on a un glissement sur la question d'un intérêt commun. On est aujourd'hui non plus sur à rechercher quelle est la vérité dans la décision, mais quel est le processus qui construit la décision. Ce changement entre intérêt général et intérêt commun, qui est un peu sous-jacent dans l'évolution de notre société, elle est extrêmement importante et elle va avoir comme conséquence très, très importante de donner le là non plus sur le fond de la décision, mais sur la procédure qui aboutit à la décision. Et dans cette nouvelle, un petit peu, qui moi une sorte d'un nouveau postulat, mais qui est récent, qui est sous-jacent à l'évolution de la société contemporaine, qui sont des concepts que les anglo-saxons maîtrisent beaucoup mieux, et donc ils n'ont pas beaucoup de problématiques sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la décision, c'est le produit d'un construit. Et ce n'est pas quelque chose qui est lié à une simple argumentation préemptée à ce que les acteurs vont faire. Cette évolution-là, elle va donc renforcer énormément tous nos sujets de participation, parce que la question qui va être centrale, c'est la fabrique de la décision. Et la fabrique de la décision à multiniveaux. D'un point de vue, la décision absolue pour nous en France, c'est la décision légale, donc c'est la loi constitutionnelle, loi ordinaire, mais en réalité, c'est tous les processus décisionnels.
et qui vont concerner tous les acteurs, les entreprises, on voit bien avec la loi Pacte, qui décide d'ouvrir et d'élargir les comités d'administration. C'est la même, on est sur le même trend. Il faut ouvrir les processus de décision, et c'est les processus qui sont le plus important au final, et pas la qualité intrinsèque de la décision. Bon, ça, c'est le premier point que je voulais dire. Deuxième point, c'est ça va renvoyer donc, dans nos processus sur le lien à la décision. Parce qu'on est quand même dans un système où on crée un processus, mais à un moment, il y a une décision et il y a un décideur. Et c'est là où on fait un basculement et un décide ensemble, on est très clair. La démocratie participative, ou quel que soit le terme, n'est pas du tout en opposition avec la démocratie représentative. Il y a un moment, il y a un décideur. Et pourquoi il y a un décideur ? Parce qu'il y a quelqu'un qui prend la responsabilité, il prend un risque. Et donc, cette personne qui prend la responsabilité, il prend ce risque, il doit aussi en rendre compte. Et d'où le terme, là aussi anglo-saxon, d'accountability. L'importance de dire, j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai pris cette décision, et après, je vais la défendre. Et pour l'élu, pour le syndicaliste, sa défense, il y a ses règles. Pour l'élu, ben, c'est l'élection s'il décide de se représenter. Et le fait de ne pas se représenter aussi, on l'a vu l'année dernière. Ça, c'est le lien à la décision. Et donc, c'est très important dans cette révision constitutionnelle. C'est certes les chapitres qui vont concerner la future chambre de la société civile, mais moi, je vais presque dire, c'est plutôt les articles qui sont dans la fabrique de la loi. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ces articles-là sur le lien avec la nouvelle chambre ? Comment va être auditionnée cette chambre ? Comment va être prise en compte ses avis ? Et il faut un petit peu institutionnaliser, parce que les promesses, déjà n'engagent que ceux qui les écoutent, ça on le sait, mais on ne peut pas fonctionner que sur un système informel où on dit certes, le rapporteur de la chambre va être écouté, de la chambre de la société civile va être écoutée en commission, mais il va falloir un petit peu plus cranter et obliger là-dessus. Alors j'ai promis de faire extrêmement vite. Le troisième point qui me semble est important, c'est qu'il va falloir aussi donner des objectifs à la participation. Yves Saint-Omer, qui est professeur, lui définit trois grands objectifs à la participation. Premier objectif, c'est l'objectif managérial. Donc, la participation des acteurs, citoyens ou parties prenantes, ça permet de mieux qualifier ma décision, d'enrichir mon cahier des charges, l'expertise d'usage, etc., etc. Donc, il y a un objectif managérial qui est très important et qui, moi, est quand même l'objectif premier et qu'il faut garder. Mais il y a deux autres objectifs qu'il faut avoir en tête. Deuxième objectif, c'est social. C'est que par la participation, on met du lien entre les gens. On crée du vivre ensemble, même si ce terme-là est un peu une panacée qu'on enfile dans les fins de discours, mais qui est quand même extrêmement important. Lorsqu'on fait du participatif, les gens ont créé de la connexion entre les gens et on crée du lien social. Et puis le troisième objectif qui est un peu parallèle, on crée un objectif démocratique. C'est une école de la démocratie, les dispositifs participatifs. Ce que Anne Levad a très très bien illustré, et ce que vous avez aussi Dominique Gignier, on apprend à ne pas être dans le triomphe de son opinion. On est dans des processus délibératifs où on va essayer de construire une opinion collective qui n'est pas la somme des opinions individuelles, mais qui est une autre chose, et qui est enrichie par l'intelligence collective. Ça, c'est très important d'avoir ces objectifs-là. Et donc, le dernier, je termine sur ce point, c'est qu'on a un gros problème dans le domaine de la participation, c'est que nous ne savons pas évaluer la participation. Nous ne savons pas évaluer un dispositif de participation, et on ne sait pas évaluer la politique publique de la participation. Ce qui est un enjeu stratégique, parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas rester dans l'incantation de dire « il faut bien sûr écouter les citoyens, il faut écouter la société civile », c'est quelque chose d'extrêmement positif par nature. C'est très sympathique de le dire ça. Ça a été souligné, je crois, par Philippe Dallier dans la première table ronde. C'est de l'incantation. Il y a un moment, il faut être en capacité de dire oui, la participation a eu tel apport ou pas. Et donc, on a une capacité d'évaluer le dispositif, mais aussi la politique publique participative.
Et le problème, c'est un impensé dans notre domaine. Alors Loïc n'est plus là, Loïc Blondiot, mais donc, moi j'invite tous ces professeurs à essayer de travailler sur ce sujet-là, de l'évaluation des enjeux de participation, enfin des dispositifs et des politiques publiques de participation, parce qu'on ne pourra pas, sur le long terme, continuer à plaider une ouverture, une plus grande transparence de nos systèmes délibératifs et décisionnels si on n'est pas en capacité de dire réellement les apports qu'ont la participation ou pas. Et je termine là-dessus, c'est quand même pas un simple sujet. Est-ce que j'évalue la qualité du nombre de gens dans la salle en me disant il y a beaucoup de monde, c'est très bien, donc j'ai fait un dispositif participatif ou pas, ou est-ce que je l'évalue sur la qualité de la discussion, du dialogue? Mais alors, là, on devient sur un relatif, qui est extrêmement difficile de dire est-ce qu'on a un débat argumenté qualitatif et de bon niveau. Est-ce qu'on évalue le fait que les gens partent d'une argumentation individuelle et construisent une argumentation collective? Est extrêmement difficile d'évaluer les inflexions d'argumentation. Enfin, vous voyez, le sujet est extrêmement complexe, mais il n'en demeure pas moins stratégique. Merci Luc d'avoir soulevé toutes ces questions qui sont là aussi des questions tout à fait fondamentales, tout à fait essentielles et qui illustrent bien toute la problématique qu'il y a autour de cette démocratie participative et qui n'est pas simplement de la démocratie participative, qui est une forme de la démocratie. Moi je ne parle jamais de démocratie participative, je parle de forme participative de la démocratie. J'emploie cette expression. Alors, nous n'avons que très peu de temps, mais je crois que vous frustrer de questions serait péché mortel. Donc je vais regarder la salle. Y a-t-il des mains qui se lèvent violemment? Il y en a une. Il n'y en a qu'une. Une main. Écoutez, une main, un micro, alors. J'arrive. Je vais essayer de ne pas tomber. Ah, très bien, vous l'avez. Merci, c'est gentil. Donc vous vous présentez simplement, qu'on sache d'où vous parlez, comme dirait notre ami Baki. Bonjour, Jean-Claude Bourquin, de la région Centre-Val de Loire. J'aurais voulu savoir si une déclinaison était prévue pour les conseils économiques et sociaux régionaux de ce qui se passe au niveau constitutionnel pour le CESE. Très bien, merci. Donc ça sera Dominique Gillier, je pense. Deuxième question, madame. Peut-être faites passer le micro, monsieur, ça sera plus simple. Voilà, la dame en blanc, avec la veste blanche, plus exactement. Alors moi, c'est pas vraiment une question. Enfin, c'est pour dire qu'en France, on dit que l'esprit critique ne prend pas toujours place. Je suis un peu frustrée au niveau du débat. Il se trouve que j'ai fait l'aller-retour en train, n'est-ce pas, donc de Rennes. Donc je peux quand même dire ça. Donc je vais partir et la question se pose, qu'est-ce que je vais dire quand je vais revenir? Et je trouve qu'on parle beaucoup donc du citoyen, mais quel citoyen? Quel corps intermédiaire, et puisque nous avons une personne qui fait du droit, donc je trouve que dans les conseils donc, d'administration scientifique de formation, il n'y a pas toujours des retours au niveau des procès-verbaux, l'évaluation, les bilans ne sont pas toujours vraiment faits à ce niveau-là, et qu'on n'a pas donc trop dit les choses qui posent souci. Et je voudrais quand même vous dire une très jolie phrase, parce qu'il y a un philosophe qui est venu dans notre école qui s'appelle Théodore Zeldin, et c'est un peu prémonitoire, et donc je voudrais dire il n'y a que deux jolies phrases. Alors comme c'est très long, je m'abstiens de tout dire, mais la fin se termine comme ça. La découverte du monde ne fait qu'aiguillonner notre curiosité. Actuellement, ce stimulant vient des médias, plus que de l'université et du travail. Si nous ne voulons pas être asphyxiés par eux, il nous faut élargir le champ de nos conversations. Et nous n'avons effectivement pas de conversation dans mon école suffisamment avec nos enseignants. Et du coup, je me pose quand même des soucis. Merci. Alors donc, je vais m'adresser au professeur de droit. Est-ce que c'est normal de ne pas prendre avec plus de respect nos procès-verbaux? Merci, et merci d'avoir cité cet excellent historien, professeur Oxford, qui est Théodore Zeldin et qu'en tant qu'historien, j'ai bien connu. Alors, Dominique Chelier et Anne Levade, après, si vous le voulez bien, puis après, on arrête. Formellement,
À ma connaissance, il n'y a pas de déclinaison de la réforme constitutionnelle en cours sur les conseils économiques et sociaux régionaux. Mais cela dit, je pense que la bonne pratique qui devrait se développer dans cette enceinte, c'est de développer, et on a commencé à le faire, des relations beaucoup plus régulières avec les comités régionaux, également avec le comité européen d'ailleurs. Et donc ça, c'est, je pense que là, on n'a pas besoin de loi pour ça. Et c'est la voie que l'on est en train de prendre, en particulier quand, si on veut, j'évoquais tout à l'heure l'animation du débat public, si on veut relier localement des sujets de société, comme par exemple quand on en a traité un récemment sur la fin de vie, ce serait tout à fait intéressant qu'on décentralise finalement physiquement le débat au niveau des régions. Anne Levade, alors, pour la question très vaste posée par madame. Oui, donc du coup, je vais faire une réponse assez brève, qui j'espère ne vous frustrera pas trop, madame. Je pense que la réponse à votre question, elle tient aussi à un élément auquel le droit ne peut pas faire grand-chose, et la Constitution sans doute pas grand-chose non plus, qui est une question quasiment de culture de la démocratie et de la participation. J'y pensais notamment en entendant Luc Picot. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a une telle aspiration, et pour ceux qui parfois le vivent au quotidien, un tel rejet de cette dimension du débat citoyen et de la participation, c'est que souvent ça se transforme en une espèce de guerre de tranchées entre les pros et les anti. Et que, si je prends par exemple les processus d'enquête publique dans un certain nombre de domaines, on s'aperçoit que c'est surtout un facteur d'obstruction. On dit beaucoup que les parlementaires font œuvre d'obstruction par les amendements, mais il y a aussi parfois une espèce d'obstruction démocratique par des débats qui sont organisés à l'occasion desquels on dit non, j'en veux pas, non, j'en veux pas, voilà la liste, et j'instrumentalise toutes les procédures pour le faire. Alors, tout ça est possible, c'est évidemment la mauvaise manière de faire les choses, et donc je pense que, en fait, certes, on peut réviser la Constitution, certes, on peut faire de grandes promesses, mais c'est aussi une révolution culturelle qu'il faut un petit peu opérer à l'égard de ce processus de démocratie participative ou de participation. J'aime pas beaucoup la formule, moi non plus, mais bref, je la reprends parce qu'elle est la plus simple. Et que c'est bien l'une des raisons pour lesquelles cette idée de société civile, je trouve, est complexe à appréhender. D'ailleurs, tel que le gouvernement l'évoque, il entend la société civile comme étant à la fois le corps des citoyens et les corps intermédiaires. Et puis en réalité, depuis par exemple que la société civile a fait irruption dans la politique, puisque vous savez que c'est aussi un argument, et depuis de nombreuses années, pour des gouvernements, de faire entrer des membres de la société civile, ben on s'aperçoit aussi que la société civile, c'est peut-être un créneau plus restreint que ce que l'on en dit. Donc tant qu'on se paie un peu de mots, on a un petit risque d'incompréhension et de ne pas faciliter les choses. Alors, ça, Luc, un petit mot. Je rebondis aussi sur ce qu'avait dit Anne Levade, qui me semble, bon là, c'est la question de la confiance est le mot central de l'ensemble de nos réflexions et de la révision constitutionnelle. C'est le grand pari, avec c'est un paradoxe, c'est comment recréer de la confiance dans une société qui n'a pas la confiance en son sein. Il y avait une étude de l'ESSEC qui avait montré ce paradoxe où, dans les pays nordiques, on était des sociétés de confiance au sein de la société. Donc on avait confiance en son voisin, confiance en son employeur, confiance en un certain nombre d'acteurs. Et on avait des processus décisionnels qui étaient donc faits en confiance. Et donc surtout de la participation qui était de qualité. Et c'est ce paradoxe-là, c'est comment on recrée de la confiance dans le sujet le plus difficile, qui est le sujet politique, qui par nature est un sujet de conflictualité. Comment recréer de la confiance dans une société qui, en sous-jacent, manque de confiance? Et tous les indicateurs montrent que la France est une société de défiance généralisée, pas que vis-à-vis du pouvoir, généralisée. La confiance dans son voisin est extrêmement faible en France, c'est un des grands paradoxes. Et donc ça, c'est le grand pari de cette révision, et qui est vraiment très français. Comment du haut on arrive à aller vers le bas, c'est-à-dire à innerver dans la société cet élément central qui est la confiance entre les acteurs, qui est la base pour pouvoir créer des processus participatifs et de construction collective. Voilà. Bien.
Non, je suis désolé. Après, on en parle après. Voilà, eh bien, écoutez, je ne vais pas conclure parce qu'il n'y a pas de conclusion à faire, mais Alexandre, vous voulez dire un mot simplement pour conclure, alors cette table ronde très rapidement qui a été, je crois, extrêmement riche, moi je reviens sur ce que disait Anne Levade, à savoir une problématique culturelle effectivement ancrée dans la longue durée, au sens brodélien du terme, et puis d'autre part, il y a, je crois, de la part des juristes, des philosophes, des historiens, d'anthropologues, un gros travail théorique à faire autour des notions de confiance, autour des notions de société civile. La confiance avait été un peu abordée il y a jadis, quand Alain Peyrefitte, qui fut ministre du général de Gaulle, avait fait une thèse qui s'appelait la société de confiance, bon, qui date des années 70, quelque chose comme ça. Mais c'est un thème sur lequel il faut revenir et sur lequel il faut travailler. Voilà. Alexandre. Il m'appartient de dire quelques mots de conclusion, étant donné que les compteurs ont sauté en matière de gestion du temps. Je vais essayer de faire très court, c'est-à-dire moins d'une heure. Je voudrais avant tout commencer mon propos par remercier d'abord toutes les grosses têtes qui depuis ce matin se sont succédées à cette tribune. Remercier les organisateurs, le CESE qui nous héberge, qui co-organise cet événement avec Décider Ensemble et Sinopia. Remercier le public qui est resté quand même dans sa grande majorité jusqu'à la fin et qui a été très studieux, très fidèle, très interactif. Et puis remercier toutes les petites mains, parce que les grosses têtes sans les petites mains, ça ne le fait pas. Je crois que ça c'est important de ne pas oublier que depuis l'accueil jusqu'à toute la logistique, tout ça fonctionne parce qu'il y a des équipes invisibles, on en parlait tout à l'heure, mais qui sont là, qui font le job. Merci à tous et à toutes. Donc on a bien compris que l'enjeu de ce colloque, c'était bien effectivement de replacer quand même le CESE dans le cadre de cette grande transformation, rénovation, modernisation institutionnelle, pour faire de cette troisième chambre, parce que c'est une troisième chambre, mais en fait pour l'instant c'est une chambre enfant. Donc il faut la faire grandir, cette chambre enfant, de manière à lui donner une vraie place. Et notre conviction en tout cas, c'est que compte tenu des enjeux qui sont devant nous, ça fait sens de ne pas se débarrasser du CESE ou de garder une chambre croupion, mais de faire une vraie chambre à part entière avec les rôles et les missions qui ont été tracés, parce qu'effectivement on a besoin de recréer des liens forts. Faire mieux, faire ensemble, tout ça c'est très important, mais il ne faut pas perdre de vue que l'objectif quand même, et ça a été dit par le vice-président du Sénat, M. Dallier quand même, la crise de la démocratie représentative aujourd'hui qu'on traverse, on la traverse parce qu'il y a eu une insuffisance de production de résultats, et donc quand même il ne faut pas confondre la fin et les moyens. La démocratie et sa transformation doit servir effectivement une meilleure production de résultats, sans quoi effectivement toutes ces formes de démocratie resteront des formes de démocratie palliative. Dans un contexte où en fait il y a une attente de démocratie augmentée. Pourquoi? Parce que de fait les Français sont mieux formés, ils sont surinformés et ils ont aussi envie de participer. Il faut entendre ça et ça peut être une chance, mais ça peut être aussi un piège si on l'organise pas bien. Et de ce point de vue là on a vraiment, je crois, un enjeu extrêmement important avec ce qui est en chantier, en cours, très engagé, mais il faut vraiment espérer que voilà, que le bon équilibre en même temps entre d'un côté la démocratie représentative dont on a absolument besoin, parce qu'on doit effectivement, comme quand vous montez dans un avion, vous avez besoin d'un équipage et d'un pilote et vous lui faites confiance, et bien il faut un équipage, il faut un pilote, il faut que des gens soient en manette, en responsabilité pour prendre des décisions, et en même temps ça fait sens de partager sur le où on va et le cas échéant comment ou quel chemin on prend pour y aller. Mais il faut trouver l'équilibre, et cet équilibre il a été rompu, il faut le refabriquer, parce qu'entre cette démocratie représentative et ce qu'on va rajouter, pour l'instant il y a encore un grand flou. Avec des mots-clés que vous avez tous employés, le mot confiance, je crois que ça, ce mot-là, il est absolument fondamental. Il y en a un autre derrière qu'on a, sur lequel vous avez rebondi, qui est le mot légitimité. Il est essentiel parce qu'il n'y a aucune responsabilité qui peut s'exercer sans légitimité, aucune décision qui peut être prise s'il n'y a pas effectivement cette notion de légitimité de la part de ceux qui la prennent. Pour une autre raison, c'est qu'en fait, derrière se pose aujourd'hui de manière fondamentale la question de l'acceptabilité. Voilà, si les choses ne sont pas acceptées, si les enjeux ne sont pas compris, si dans vos organisations, dans vos entreprises, dans vos universités, dans vos écoles, dans vos instances, quelles qu'elles soient, si vous n'acceptez pas, si vous ne comprenez pas, eh bien effectivement vous n'êtes pas partie prenante du processus de changement. Et à ce titre-là, effectivement, les effets politiques restent effectivement, les annonces politiques restent des annonces. Et or, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est plus que jamais de concret et de retisser, on le disait tout à l'heure, ce lien de confiance au travers effectivement de la production de résultats.
Donc nous allons suivre tout ça avec une attention toute particulière. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre attention. Et puis, écoutez, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bon retour dans vos régions respectives ou vos quartiers respectifs. Merci.